total respect. Zéro limite. Radio libre. Tous les soirs, 21h, sur Skyrock. Et bienvenue à vous tous et à vous toutes. J'espère que ça va bien. Ça y est, c'est le week-end. Week-end qu'on va démarrer ensemble. Ouais. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Ah, on va faire un petit jeu pour démarrer l'émission. On va jouer à Quel est le fantasme? Mais vous verrez. On en reparlera dans un instant. Sinon, pour tout le reste, pour rendre service à. C'est qui d'ailleurs qui nous a écrit? C'est Romano, je crois, qui a pris comme pseudo pour l'instant. Romano, c'est pas toi. Hein. Non, mais je suis au courant. C'en est un autre. Sinon, si on parle de tes fantasmes, on n'est pas sortis encore. Ouais. Bon, sinon, écoutez, appelez-nous dès maintenant, profitez-en, 01 53 40 30 20, 41 Sky, skyrock.fm pour nous laisser vos messages par SMS et sur le net, pour nous passer des coups de fil. Alors, ça marche si vous avez besoin de nous, si vous voulez faire les cours en direct, si vous avez un truc à dire, vous profitez. On va dire bonjour à tous nos amis tunisiens qui peuvent nous réécouter là depuis ce soir, qui avaient des problèmes à cause de la censure, tout ça. Oui, big up la Tunisie. Un grand big up à la Tunisie qui nous écoute, et puis à tous les Tunisiens de France aussi avec les événements, je sais que c'est la révolution là-bas, enfin une espèce. Oui, c'est une espèce de révolution là-bas. Bon, écoutez, on vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Et on vous salue. Puis un bonjour particulier à Selim, là, qui habite en Tunisie, qui nous écrit régulièrement. Et qu'on salue, donc ce soir. Merci. Oh, bah, regardez une photo, tiens. Bonjour, Tunisiens. Merci. Big up la Tunisie. Bon, on profite de profite de la soirée, de toute l'équipe. Vous allez pouvoir profiter de tout le monde ce soir, je vois. Mais où es-tu, Romano? Tiens, tu les vois, mes doigts? Je t'entends, allô? Je l'entends. Vous l'entendez aussi chez vous? Ouais, je l'entends en plus, mais je ne le vois pas. Où es-tu? Mais on voit ses petites jambes. Tu es tout petit. Ouais, je suis tout petit, mais prêt à me battre pour le clash de la drague. Tu veux taper sur Cédric avec tes petits poings? Non, je veux pas y taper dessus, juste déglinguer par ma technique. C'est mieux. Bonjour Cédric. Ouais, bonsoir tout. Ah bah toi, je vois bien que tu es là, toi, ça y est. Ah bah ouais, je suis là. On va pas le louper, le Cédric. Ah non, ça c'est difficile de passer à côté. Bon, ça va bien. Ouais, ça va, tranquille. Prêt pour le clash aussi? Toujours opérationnel. Si vous étiez à l'écoute ce matin, vous avez eu dans le morning en exclu mondial les techniques de drague qui vont être utilisées ce soir par Cédric et Romano. On va y revenir dans un instant. Le clash, on va le retrouver. Vous n'allez pas être déçu du voyage, la méthode de Cédric. Alors celle-là, fallait encore aller chercher la. T'inquiète pas. On va la retrouver là tout à l'heure, la méthode de Cédric. Enfin la tienne, excuse-moi, pour attirer les meufs, c'est pas non plus. Vous verrez également la méthode de Romano. Oui. Bonsoir la Marie. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Ça va plutôt pas mal. Oui, pas au Tunisie ce week-end. Non. Sympa ton week-end. Il n'y a pas de vol pour la Tunisie. Pour le moment, les vols ils sont fermés. On salue les Tunisiens qui sont. Qui sont bloqués en France. Et puis une autre nouvelle sur la Tunisie. Bonjour Samy. Salut, bonsoir tout le monde. Salut, avec une nouvelle pour les Tunisiens au niveau du hand. Bon, on est plutôt contents parce que bon, les experts ils ont gagné. Ils jouaient contre les Français, les Tunisiens, ils ont perdu. Combien? Ils ont gagné 32-19. Ah ouais, mais on est quand même champion du monde, champion d'Europe et champion olympique. Meilleure équipe du monde. Exactement. Allez les bleus. Et on se raconte un peu pour une fois qu'on a des bleus qui déchirent. Ah bah oui, ils en ont. Je peux dire qu'on va en profiter. Allez, en valeur, ils ne déçoivent pas. Ah ouais, grave. Bon, et bonjour Momo. Momo, on a déjà entendu. Écoutez, toute équipe est là. Allez-y, profitez. 01 53 40 30 20. Vous pouvez nous passer un coup de fil si vous voulez débarquer ici. Si vous avez un truc à dire, si vous voulez faire les cours en direct, comme je vous le disais, n'hésitez pas. On est là pour vous aider tout au long de la soirée, bien sûr. Là pour passer du bon temps, écouter du bon son, du bon sound, comme on dit chez nous. Vous avez envie d'écouter du bon sound ce soir? Ah ouais, du bon sound. Ah, du bon sound. Bah écoutez, choisissez. Vous nous dites dès maintenant, comme d'abord début d'émission, envie d'écouter un truc. Vous nous faites signe et on se passera les plus demandés ce soir ou ceux qu'on a le moins passé cette semaine. On n'a pas beaucoup écouté Booba cette semaine. Je vous le dis comme ça. Si vous avez envie de nous faire un petit Booba, sinon allez-y, vous pouvez demander. Je sais pas, un petit La Fouine par exemple. Je sais que c'est ainsi vous qui faites bien La Fouine, ou alors Wiz Khalifa avec Black & Yellow, ou alors Like a J6, ou alors ce que vous voulez. Profitez de la soirée. Il y a des nouveaux Bruno Mars que vous demandez déjà, du Black & Yellow aussi. Bon, on va piocher parmi tous les sons que vous avez envie d'écouter ce soir. Et on se fera ça d'ici minuit en direct. Donc le clash de la drague, c'est promis. On essaiera aussi, c'est vendredi, de passer un coup de fil à Patrick. Absolument. J'aimerais d'ailleurs savoir si Patrick est là, il est prêt. Je suis en train de m'assurer là. Ah, il est en train de se chauffer. J'espère qu'il pourra lâcher son engin pour répondre au téléphone tout à l'heure. Avant minuit, donc un petit coup de fil à Patrick ce soir. Vas-y. Bah tiens, un sujet qui va plaire à Patrick là pour démarrer la soirée. On va jouer à Quel est le fantôme.
fantasmes. Oh là, mais il y a plein de titres que vous demandez. Regardez, Mister You. J'aimerais écouter du sperme, la chanson de Cédric. Ah, c'est bien ça, Fanfan. C'était super ça. C'est le remix de La Fouine. Sur du ferme. Sur du ferme. C'est devenu du sperme. Oui. Il a pris 20 beats, beats, beats. Cédric a pris du sperme. Sperme, sperme. Une chanson qu'on avait écrite spécialement pour lui. On avait même chanté avec La Fouine à l'époque. Ouais. Bon, je sais pas si on se le passera ce soir. Bon, enfin, c'est marrant. C'est une bonne idée, hein. Mister You, Black Eyed Peas, The Time pour Sarah la Marseillaise. Salut la Marseillaise. La nouvelle de Didi aussi, qu'on vous a fait découvrir dans la semaine dans l'émission. Puis Didi, nouvelle de Didi qui est pas mal, c'est vrai. Hein. Ouais. Veni Vidi Vici, bon bah ça c'est le traditionnel La Fouine. Soprano, tiens, on aura une petite surprise d'ailleurs ce soir. Elle marche ta surprise, Cédric? On va essayer, ça n'est pas sûr encore. Ah, on va essayer, ouais. C'est pas sûr. Bon, c'est pas sûr. Compliqué, mais ça peut si vous kiffez Soprano, on aura sans doute une petite surprise avant c'est minuit. Bien, c'est pas sûr. Bah alors, le bah même, alors Cédric, bah, assure. Ah mais je vous dis. Bah alors, et assure pas. Ah mec. Bah Cédric, moi je dis qu'il faut voter Romano. Cédric, qui fait foirer les surprises. Bah ouais, on a une surprise pour Non, peut-être que j'ai un beau truc pour vous. Pour les fans de Sopra, là. Bon, bah on y reviendra tout à l'heure. J'espère que tu nous feras pas louper ta surprise, Cédric. Je vous dirai ce que c'est, même si Cédric il foire. Hein. Ouais. Tu vas pas nous faire juste foirer. Pour pouvoir le traiter. Là. Attends, là, tranquille. Moi je la loose, je sais pas ce qui se passe. Hein, mauvais œil. Ah bah votez Romano ce soir. C'est hier soir qu'on parlait du mauvais œil. Ouais. Bon, mauvais œil, oh là. Non, gros yeux, toi. Bon, gros œil, oh là. J'ai gros œil au-dessus de moi. Ouais, ouais, bah c'est sur la gueule, t'en as deux aussi. Gros œil, Cédric, ce soir. Bon, allez, on va démarrer donc avec. Bah écoutez, on va faire mon jeu alors. Hein. Alors le jeu du fantasme. Ah, puis le loto-foot aussi à faire avant minuit, bien sûr. Ouais, le premier de l'année. Retour de la Ligue. Il faut pas le louper. Premier loto-foot Ligue 1 qu'on fera tous ensemble tout à l'heure. Alors, on va jouer à quel est son fantasme. Auditeur de Sky qui nous a envoyé un petit message là. J'ai un petit problème. Rapport à son fantasme. Quel peut être son fantasme. Alors là, hein, je peux vous dire qu'on a. Tiens, vous pouvez jouer avec nous hein, d'ailleurs. Hein, allez-y. Il n'y a rien à gagner. Hein. C'est... Ah, bah quoi, il n'y a rien à gagner. Bah oui, il n'y a rien à gagner, Romano. Hein. J'ai joué quand même. Pour la gloire. Ouais, bah, c'est pas la peine de lever les sourcils jusqu'au haut de ton crâne. Ils ont fait comme ça. J'ai dit, il n'y a rien à gagner. Les sourcils ont fait. Non, mais c'est vrai qu'il y a un petit truc. Un petit truc, mais qu'est-ce que tu veux que je vous offre. J'ai rien. Je sais pas, un peu d'argent. C'est la crise. De l'argent. De l'argent. Je donne aux associations. Oh, ouais, ok. Bah, moi aussi. C'est toi aussi. Je donne tout mon salaire. Ah, oui, c'est moi, je donne aux associations. Bah, pas moi. Bon, tu donnes pas. Bah, parce que j'ai pas trop d'argent à donner, moi. J'ai créé une association moi-même. Ah, bah, moi, j'ai créé ce soir la Fondation Romano, je vous annonce la naissance. J'attends les premiers versements. Les premiers dons, ouais. Alors, quel est le fantasme de Romano? Donc, Romano, dit c'est pas moi, hein. Ouais, alors, ça va être compliqué si on l'appelle Romano. Pourquoi il s'est appelé Romano? Il aurait pu choisir un autre nom, Difool, par exemple. Ouais, bah, non, mais ça aurait été compliqué aussi. Plus beau gosse. Pourquoi ça aurait été compliqué? Romano 2. Romano. Bon, alors, ce soir, appelez-moi un commandant Baby. Bon, la soirée. J'ai son mail, c'est Bibi. On va appeler Bibi alors. Ouais, Bibi. Ah, ouais, Bibi, auditeur de Sky. Bon, il est à la fac, Bibi, et il a un souci qui l'amène à se masturber de temps à autre. Alors, quel est son fantasme à Bibi? Alors, Marie, tiens, toi qui es une experte en fantasme. Oh, faire ça avec deux nanas, non? J'adore. Vous savez que c'est génial de le faire avec deux copines à moi. C'est cool. Avant de venir, là. Juste avant de venir. Oui, bien sûr, oui. Elle m'est tendue un peu les lèvres. Ouais, bah, évidemment. Eh oui. Faire ça avec deux nanas, non, c'est pas ça. Bon. Alors, Romano, maintenant, une proposition. Moi, je dirais, il est excité par les travestis. Il est excité par... Comme tu y vas fort. Non, mais il est excité par... D'ailleurs, si vous avez un fantasme spécial, n'hésitez pas à nous dire. On cherche le fantasme de Bibi. Il a quel âge, Bibi? Bibi, il est à l'université, il nous dit. Ah, alors moi, j'ai une idée, moi. Il nous dit qu'il est à l'université, c'est ça. L'université, mais je sais pas dans quoi il est. Il rêve de baiser un prof à lui de la fac ou une prof dans l'amphithéâtre. Ah, je vois que Samy utilise une technique très très usitée en Bourgogne, celle du recopiage de messages sans citer le propriétaire. Non, message de s'il était scolarisé. Ah, je crois qu'il y en a qui s'est fait griller. Oui, non, message de Hope, 42-17 ans, le faire avec une de ses profs et message de Mr. Men. Ah, j'avais même pas vu. Il fantasme sur sa prof. Non, mais ça message pas de Grand Bleu. J'avais pas vu. Parce que je la sors à chaque fois, ça marche pas. Non, je regardais le match de rugby à la télé, je regardais pas les messages. On vous tiendra au courant d'ailleurs, les Clermontois, là, ce soir, ils jouent contre les. Le Racing Métro là. Fantasme sur sa chaval. Également message de Grand Bleu là. Ouais, je pensais à ça. Quoi. Eh oui, mais non. Ah merde. Eh non. Alors vous nous dites, il aime bien se faire sodomiser. Ah bah comme vous y allez aussi, c'est Yaka qui nous laisse le message. Alors il aime bien se faire sodomiser. Il n'en parle pas dans son mail, peut-être, mais non. Et les travestis, moi, t'as pas dit. Alors on recommence les travestis avec Romano qui y tient vraiment beaucoup. Tu penses qu'il aime les travestis? Non, mais ouais, il kiffe dessus quoi, ça le fait bander quoi. Correct.
correct. Bah, non, ça, désolé, madame. C'est pas la bonne réponse. Eh, non. Désolé, madame, ce n'est pas ça. Ah, c'est pas ça. Et non, c'est pas ça. Pourquoi elle a dit correct? Bah oui, bah, je pensais avoir trouvé une fois de plus. Bon, ça n'est pas la bonne. C'est une fausse joie, Romano. Bah, je suis déçu. Je vais faire, mais tu as perdu. Bon. Alors, qu'est-ce que vous dites? Il aime les pieds pour Walid, 16 ans. Salut à toi, Walid. Mauvaise réponse pour Walid. Il aime le cuir. Il aime le cuir. J'avais un ami qui s'habillait avec des bottes de cuir. Oui, oui. Enfin, un ami. C'est un bien grand mot, mais je connaissais quelqu'un qui s'habillait avec des grandes bottes de cuir. Là, c'est bizarre, ça. C'était très, très, très vilain et on se moquait beaucoup de lui. C'est Francis. Ah ouais, c'est, non, non. Moi, bien, oui. Ah oui, non, mais en même temps, c'était des bottes de cuir, mais. De cowboy? Non, métallisées un petit peu. Ah, il y avait des motards. Il y avait des coques de fer au-dessus. C'était monstrueux. le lacet passait par le talon parce qu'il y avait une espèce de talonnette trouée. Une talonnette, oui. Un truc. Oui, c'est ça, c'était très joli. C'était un peu des pompes de cuir cloutées, quoi. C'est pas les bottes de cuir. Alors, donc, dites-nous, si vous avez une idée pour le fantasme, une partie à plusieurs, genre partout, il y en a quelques-uns qui nous proposent ça, et notamment, Béter, là, sur le 41 Sky, ce n'est pas ça. Faire l'amour dans un stade devant tout le monde. Ah, exhibitionnisme, c'est moi, pas je ça. Je pense que dans un lieu où il y a du monde, en fait. Dans un lieu où il y a du monde, Cédric, mais très bonne idée, mais je viens de le dire que c'était pas ça. Ah, mais je pensais à ça, moi, justement. Alors. Bah ouais, tu pensais mal. Alors, rapport hier avec le problème du mois, il aime le pipi. Pourquoi il aime le pipi? Pourquoi tu veux qu'il aime le pipi? Enfin, parce que il y en a qui aiment. Hein. Non, il aime pas le pipi. Non, il aime pas le pipi. Non, il aime pas le pipi du tout, du tout. Alors, on refait un tour. Marie, une idée de fantasme peut-être? Il fantasme sur un de ses potes. Il fantasme sur un de ses potes. Ah, ça a été proposé également. Ah, mais... encore une fois, ça vole des messages à tout le monde. Non, Marie avait le nez dans une bière. Regardez ce qui reste. Je témoigne, ça sort vraiment de ton cerveau, ah bah oui, Marie. Oui, oui, oui. Je confirme. Eh bien, non, il n'a pas envie de faire ça avec un de ses potes. Romano, à toi. Ah ah, on arrive au bout des petites idées dans le petit cerveau chauve. Non, je dirais qu'il a... La sœur d'un de ses potes. Hein? La sœur d'un de ses potes. Elle t'a piqué ta place, t'as vu? Il a envie de se faire niquer par plusieurs mecs. C'est pas ça, Marie. Non, ou par un mec, déjà. Alors, attendez. Oh, alors, on va commencer par un, comme l'a dit Samy. Ouais, par un mec. Se faire niquer par un mec. Ouais, ou niquer, ou sucer. Enfin. Non, pas du tout. Relation avec Et Romano? Ouais, je dirais, il est excité par, deux, trois mecs. Deux, trois mecs comme ça d'un coup. Ouais, non, mais bon, après, tous les fantasmes. Oui. Tous les fantasmes se réalisent pas, hein. Ah, bah, non. Oui. Bon. Là, tu risques d'avoir mal au cul, là, si t'en as trois, mais. Surtout si c'est la première fois. Ah, ça. Ah, tu vas le sentir passer, là. Ah, bah oui. Non, c'est pas ça, Romano. Ouais. Cédric. Oh, alors là, putain. Et voilà. Et voilà. T'as pas d'idée. T'abandonnes. Non, j'abandonne. Bah, comme au clash. Comme au clash. La merde d'un de ses potes. Bon, alors Cédric, par contre, on va peut-être pas y passer la soirée, donc c'est. On comprend pas. Soit à un moment donné, t'as une idée. On comprend pas. Ou avoue que tu n'en as pas. Vous avez vu, c'est comme en cours, quand il y en a qui est interrogé, comme un con, et toute la classe te regarde. Alors, et on a plein. On faisait plein de trucs déjà, tu vois, qui étaient. Bon, là, je suis là. Il veut se taper une keuf. Ouais, j'allais dire ça aussi, ouais. Il se tapait une keuf. Une keuf qui est devant son. Ah non, bon, écoute, pourquoi pas. Non. Mais ça a rapport avec la fac ou pas? Non. Non, ah bon, bah voilà. Ça va faire l'amour dans un amphi, c'est marrant, vous trouvez pas là? Je vous ai donné un indice en tout début, je vous ai dit, Bibi, lui, c'est un truc parfois quand il peut assister à ce qu'il aime bien, il se branle. Ah, quand il peut assister. Ah, il est amateur, c'est un voyeur. Ah, il est amateur, c'est un voyeur, on se rapproche. Il pense à un. Alors je passe les messages, il fantasme sur sa mère, enfin, tout ah, les il veut faire un film de. Oh, pas de sa mère. Tous les trucs ignobles que vous mettez, non, c'est pas ça. C'est là, pas il veut ça. Taper une actrice de film porno, non? Non, faire un porno, tiens, bah c'est marrant, Cédric, tu as une idée au moment où Junior nous laisse le message, c'est fou ça. Hein. Regarde-moi la copieuse là. Oh, non, j'ai même pas vu. Oh non, c'est pas moi, monsieur, c'est pas moi, là, toi, je te jure, toi, je suis pour rien. Non, je sais pas, il écoute la nuit les gens aux portes, tu sais, qui font l'amour, les couples. Ah, dans l'escalier. Ah, il écoute les voisins. En train de faire l'amour. Eh bien non. Ah merde. Il mate les voisins aux jumelles. Il mate les voisins aux jumelles. Non. Ah, mais on se rapproche. Il suit des femmes dans la rue. Ah, ça il leur mate le cul, le string. C'est toi qui es le plus près. Ah, il leur mate le cul, le string. Eh bien bravo, Samy. C'est ça? Eh oui. Ah, je suis bon. Ah, évidemment. Eh oui. Ah, il suit les. Ah, ça m'énerve, j'ai pas trouvé. C'est un pervers, il suit. Eh ouais, Romano, je t'ai niqué. Bon, alors je dirais que j'ai mon idée. Vas-y, Romano. Alors, mon idée, ça serait qu'il mate les femmes dans la rue comme ça, les strings et les culottes. Ah, bravo. Oh, ouais. En dessous les jupes. Bravo. Allez, on va dire que t'as gagné aussi. Ah là, alors. Ah, j'ai trouvé, ouais. Alors écoutez bien les filles, si vous êtes stringées, plus particulièrement d'ailleurs, j'ai un petit problème. Je mate toujours si la femme ou une fille porte un string. Si c'est le cas, je me masturbe. Ça m'est arrivé plusieurs fois de mater les strings des filles de mon groupe à l'université. Mon principal souci, c'est de voir les strings de mes enseignantes. Et voilà. Après, il nous explique qu'il consulte YouTube pour aller mater les strings des stars
et ce qui lui a appris d'ailleurs plusieurs langues. Il sait dire Tonga, Fong, Panti. Ah ben voilà. Au moins t'as appris, au moins t'as appris quelque chose. C'est, ouais, bien, c'est bien, c'est bien. Ça fait éducatif. Exactement. Alors Bibi. Exactement. Bon, pour m'en parler le français. Bon, bon, on va trouver des idées, ma gueule. Bah alors. Alors il nous a laissé son numéro. On va lui passer un coup de fil là. J'espère qu'il nous écoute, Bibi, là ce soir, parce qu'il voulait qu'on parle de son problème de fantasme, son problème de string. Est-ce que vous avez vous aussi tendance à... Moi je regarde, hein. Ouais, pour comparer quoi. Bah moi je regarde si le string. Bon, après je me branle pas dans la rue dès que je vois un string. Ah voilà. Bah oui, c'est peut-être ça le principal problème. Tu t'es déjà branlé dans la rue, Romano? Ah non, toi, ça qui non. Es un adepte de la masturbation. Non non. Et du plaisir solitaire. Ah non, dans la rue non. Bah attends, j'ai pas envie de me faire arrêter. Non mais sous ton pantalon. Pas oui, non, mais je fais ça, oui, ça, je me doute que je vais pas non plus me mettre la queue à l'aise dans la rue. Ceci, ah, bah, j'espère qu'on va. Dans ce cas-là, vraiment, j'ai des problèmes. Je veux dire, Bibi. Non. Bon, on va le rappeler. Non, non, mais par contre, non, moi, je me suis jamais branlé dans la rue. Je me suis déjà branlé sur une aire d'autoroute. Comme ça. Ouais, tranquille, tout seul. Dans ton parking. Ouais. C'est tout seul, comme un pauvre. Pauvre monsieur Romano. Non, mais dans sa petite quoi, voiture, il a chute. Non, mais en fait, j'étais tout seul dans ma voiture. T'es en Bourgogne? Ouais quoi, c'était pour y aller quoi. Ouais. Et en fait, tu sais, c'était la nuit quoi. Le pont. Je roulais. Imaginez là... tout seul sur l'asphalte en train de manger les kilomètres. Et voilà. Il était là dans sa petite voiture et il chantait à tue-tête, beuillant. Là, une voiture de keuf arrive, le fantasme me monte. Ah voilà, je me suis dit ouais, une bagnole de keuf. Ça c'est bon. Faut que je me branle. Voilà. Non mais en fait, je pensais à des trucs de cul quoi et puis il y avait une aire d'autoroute, je me suis arrêté. Tu pensais à quoi? Hein? C'est après que les keufs t'étaient passé, c'était ça. Dit, j'aimerais bien me retrouver dans le panier. Ah ouais, c'est ça, mec, il y a beaucoup de matraques dans le cul. Quoi. Et je me suis arrêté, une aire d'autoroute, mais tu sais, où il n'y a pas de commerce, ces aires d'autoroute, où il n'y a que des chiottes, c'est dégueulasse en général. Sexy. Tu sais, où ça pue la pisse, ma planète. Ah ouais, c'est ignoble. Sexy, baby. Mais je me suis arrêté, tu sais, il n'y avait personne sur l'air. Je me suis mis dans un coin où c'était sombre. Ouais. J'ai sorti ma queue de mon pantalon, je me suis branlé, puis j'ai repris la route. Voilà, t'étais content. Mais tu as fait où? Bah, je me suis giclé dessus. Et tu t'es pas essuyé, t'as remis et t'es reparti. Non mais je me suis pas complètement défroqué. Pour aller voir ses parents, tu sais. Bah ouais, je suis arrivé. Le mec, propre, il est arrivé avec du sperme sur le ventre. Oh, ouais, mais bon, ça se voyait pas, Marie. C'est non, mais en fait, j'ai ouvert ma braguette, j'ai sorti ma quéquette. Comme ça, toute petite. Je me suis branlé, puis je suis reparti, quoi. Elle était toute petite. Tu sais, j'allais pas me foutre cul nu dans ma bagnole. Tu vois, tu voulais pas aussi que je m'assoie sur le levier de vitesse. Ah bah, si. On avait eu un mec qui, un routier, là, qui est dans son camion, qui. Ouais, bah ouais, qui se faisait le cul avec. Qui s'asseyait sur son levier. Après, c'est. Ah, et puis, c'est des camions, quand c'était des bagnoles, c'est du gros calibre, quoi. Ouais. Il y a un sacré manche dans les camions, ouais. Quoi. C'est vrai que, comme on dit, le levier de vitesse. Dans le camion, tu dois le sentir passer, c'est ça qu'on dit, le levier de vitesse. Ouais, c'est le levier de vitesse. Le levier de vitesse, c'est un gros levier, là. Ah ouais, ouais. Ah oui, un gros levier, bien, bien gros. Oh, trop bon, ça. Voilà. Voilà, dans mon cul. Bon, et. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, donc tu t'es. Jamais t'as eu. Non, dans la rue, non, jamais, non. Dans la rue, même sous ton petit pantalon comme ça. Ah non. Aujourd'hui, combien de fois? Aujourd'hui, deux fois. Pas dans la rue. Hein. Non, dans mon lit. Dans ton lit, deux fois aujourd'hui. Oui, dans mon lit. Que deux fois, c'est dans tout. Le lit d'amour. Le lit d'amour. La couche. Donc, deux fois. Lui, bon, bah écoute, j'aimerais bien qu'on arrive à le joindre avant minuit, Bibi, là, pour qu'on puisse en parler avec lui, là. Bah, Bibi, branche le téléphone, il t'écoute. Ce sera marrant de savoir quand est-ce qu'il. Donc, en fait, il doit se branler en cours s'il regarde dans l'amphi. Ouais, ou alors il va vite faire au chiottes et il se tape une bonne queue. Ah, yeah, il arrive, Bibi. Ah, bah, on va savoir. Ah, alors, on va l'avoir, Bibi. Très bien. Bon, écoutez, on va en savoir plus, hein. Et si vous aussi, vous avez un petit fantasme, ou un gros fantasme, enfin, je sais pas, un fantasme un peu particulier, n'hésitez pas à nous en parler, à nous laisser les messages, à débarquer ici, hein. Profitez-en, dites-nous, on peut en parler avec vous, hein, si ça peut vous rassurer. Bon, on va essayer de rassurer Bibi, là, qu'on va retrouver en direct avec nous. Ah, bah, tiens, elle est déjà là, bon, on va le prendre tout de suite. Alors, Bibi! Salut, Diffou! Alors, je t'ai appelé Bibi parce que tu t'appelais Romano. Salut, Diffou! Salut, Bibi! Salut, Bibi! Ouais, Bibi! Coucou! On peut t'appeler Bibi? Salut Kiki, salut Romano, salut. Vous différez, franchement, vous différez. Bah écoute, c'est gentil, Bibi. Donc, c'est quoi, on peut donner ton prénom ou on garde Bibi? Ah, Bibi. Ouais. Ah oui, tu préfères rester anonyme, peut-être. Ouais, ouais. Ah ben, bah, ouais, on va t'appeler Bibi. Bon, après. C'est pas une honte de regarder les strings. Qui regarde les strings dans la ouais, rue? Ouais, bah ouais, tu regardes toujours. Samy, oui. Ouais, bah ouais. Ouais, bah, normal. Cédric, hein, oui. Même dans le studio, hein. Oh, moi, jamais. Je le jure. C'est pas moi. Momo, donc. Momo, jamais. Ouais, c'est pas moi, j'ai pas Dieu. Bien sûr, ouais, Momo, on te croit comme d'habitude. Et Romano. Ouais, ouais, ça peut arriver, oui. Elle même le string de Marie, c'est pas le match. Est-ce qu'elle le sait, ta tétine, que tu regardes? Non, mais déjà, elle s'appelle pas Tétine. Elle s'appelle pas Tétine. Elle s'appelle Zizine.
Zizine. Donc elle s'appelle Zizine. Est-ce qu'elle sait que tu regardes des strings dans la rue? Ouais, ça l'énerve un peu. Elle bon, est énervée, hein. Bah, c'est normal ça. Oui, oui, non, mais en même temps, ouais, c'est vrai c'est que. C'est une meuf, quoi. Oui, ça. Normal, ça avait emmerdé le monde. Ça, tu crois pas si bien. C'est vrai qu'il y a le clash ce soir. Hein. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Et Marie, tu regardes, toi? Non. Tu regardes pas les meufs? Bah, non. Moi, je regarde les gros paquets. Non, même pas, non. Je regarde les bonnes queues, moi. Non, même pas, non. Non, mais tu regardes pas les. Genre, tu regardes pas la bosse des mecs. Ah non. Leur cul. Non, leur ah cul. Non. Juste sur la plage, quand il y a des moonbeats qui passent, forcément, j'adore. Ça te regarde. Tu vois que c'est génial. Mais non. On voit parfois le tuyau. Ouais. On donne envie de lui l'arracher, c'est d'attraper son tube. Ah ouais, super. Bah, sinon, Marie va sur des plages naturistes comme j'adore. Ça. Ouais. Le tuyau sert à l'air libre. Ouais, c'est tellement moche sur peau. Le tuyau sera pendant. Ouais, bah super. Ah, et puis des naturistes, moi j'en ai vu, c'est pas les premières jeunesses quand même. Ah bah ça m'étonne. Là, c'est un peu flétri, quoi, le bordel. Ça tombe. Ah ouais, ah bah ça tombe, oui, mais un peu trop. Ah ouais, c'est flasque, quoi. Les garçons et filles, tout tombe. Il y a tout qui se casse la gueule. Bon, alors Bibi, je sais pas si t'as écouté, on a un petit peu parlé de toi, là, avec ton histoire des strings, là. Donc tu fantasmes sur les strings, toi? Franchement, à chaque fois, ça m'excite, à chaque fois. Ça t'excite, ça s'entend à ta voix, d'ailleurs, que ça t'excite. J'ai dit le mot string, et là, t'as... ça m'excite. Vas-y. Ça t'excite, les strings? Ouais, ça m'excite. Franchement, à chaque fois, je le vois, je sais pas ce qui m'arrive, voilà. Ça te fait bander la bite? Ouais. Genre, tu vois un string, tu bandes, toi? Ouais, à chaque fois je le vois, surtout si ça vient d'une femme mûre ou par exemple. Ah. Toi, Léonie, tu nous parlais de tes enseignantes là, c'est ça? Ouais. Il aboie, bébé, quand on lui parle de string. Franchement, ça m'excite. À chaque fois je me connecte, actuellement par exemple, j'étais en train de. De masturber. Non, je masturbe. Ah bah tu as le droit, tu n'es pas le seul. Hein. Je suis en train de masturber là. Oui, bonjour Patrick. En fait, Bibi, on comprend maintenant pourquoi tu répondais pas au début. Hein. Oui, il avait les mains prises comme Patrick quand on lui répond pas. Absolument. J'étais en train de consulter YouTube et voilà, j'ai écrit sur YouTube string et tout. Et tu regardes toutes les vidéos avec des strings? Franchement, j'ai appris toutes les vidéos, elles sont toutes dans ma tête. Il y a. Oh, t'as. Ah ouais, c'est un disque dur, quoi. Bibi t'aimes les filles stringées. Alors tiens, on va faire un petit sondage d'ailleurs, tiens, pour Bibi et puis pour tous les pour vous aussi les filles qui nous écoutez pour en savoir un petit peu plus. Sondage express. Alors sondage express, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ce sondage. On avait fait déjà sondage string, culotte ou autre. Ouais. On vous avait demandé qu'est-ce que vous avez sur vous les filles actuellement. Vas-y. Marie. Rien. Moi j'ai un tanga. J'ai la choune à l'air. La chatte à l'air, moi. De faire respirer les matos là. Non, j'aime pas. T'aimes pas être la toute nue? Non, mais enfin, j'aime pas être sous un jean sans rien, quoi. Ah ouais, c'est grave. Alors aujourd'hui, t'as quoi alors? Un tanga. Un tanga, c'est une espèce de string amélioré. Un tanga. Ouais, voilà. Un string plus grand, quoi. Ouais, c'est moulant, c'est plus large en haut, quoi. C'est l'équivalent. T'aimes pas le tanga? J'aime pas les plus grands, tu vois. Ah bah voilà, Marie. Je veux la ficelle. Toi, t'aimes tout ce qui est tout petit? Tout ce qui est petit et mignon. Toi, tu veux string, le vrai string, quoi. Oh, mais tu vas sortir. La ficelle. Strict minimum. Et voilà, donc, dites-nous les filles ce que vous avez là. Allez, 41 Sky, Skyrock.fm, on fait un petit sondage express pour en savoir un petit peu plus. Sondage express. String, tanga. Ouais, on disait boxer ou shorty là. Culotte, shorty, ouais, boxer aussi, oui, c'est d'ailleurs. Bon. D'ailleurs, Julie, après, avec toutes les langues, tanga, sang, panty, stringy, etc. Et voilà. Stringy, c'est en quelle langue, stringy? En chinois? Là, c'est pas du chinois, mais je pense qu'on l'utilise en allemand. Stringy. Ah, c'est en allemand. Ah, ça va, il de toucher ton stringy. Ah, je partage stringy. Oui. T'as peut-être quelle origine, t'as un petit accent, Bibi, toi, t'es d'où? Je suis turc. T'es turc. Et quand on dit string en turc? Tanga. 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 Ouais. Ah ouais, donc string en turc, ça se dit tanga. Ou bien srikiki. Srikiki, srikiki, srikiki. Comme Romano, il est tout srikiki. Mais c'est où? C'est au Québec, ils appellent ça un coupe-crotte. Un coupe-crotte. Ouais, ouais, c'est au Québec. Bah oui, c'est parce qu'il y a une ficelle. Bah oui, ça coupe la crotte. Quand on fait caca avec la ficelle, la crotte, elle est coupée en deux. Bah casse-moi tout là-dedans, enlève mon coupe-crotte. Casse-moi le rideau de viande. Casse-moi tout. Oui. La dernière fois, ici, il y avait un marathon. Un marathon? Oui. Là, t'as été batté les culs, toi. Ah ouais. Foiré. Bon, bah, Et puis, je suis sorti, il y a plein de femmes, et puisqu'elles en mettent, en fait, des petits shorts et tout, on peut savoir qu'est-ce qu'elles mettent dedans. Ah ouais, donc toi, t'es vraiment batteur de chez batteur, toi, Bibi. Et tu nous disais, là, oui, tu peux pas t'empêcher de te masturber. Ça m'est arrivé plusieurs fois de mater les... Mais est-ce qu'il t'est arrivé de te branler en cours, par exemple?
Non, ça m'est jamais arrivé. Mais tu bandes en cours, par exemple. Mais je garde toujours les images là, je garde toujours les... Par exemple... Toi, t'as un disque dur à la place du cerveau, en fait. Tu gardes les images dans la tête, mais quand t'arrives à la maison... Ouais, je fais ce que je veux. Et tu t'es jamais branlé, genre dans les chiottes de la fac? Jamais, non. Non, jamais. Jamais. Ah, t'arrives à te retenir. Et dans la rue, tu te branles pas non plus, hein. Vas-y. Ah, non, jamais, je ne fais jamais ça. Jamais. Donc, tu gardes des images dans la tête, tu vois les trucs, ça t'excite et. Ouais, quand t'arrives chez toi, tu refais ton petit film et là, tu te branles. Vas-y. Vas-y, absolument, ouais. Ce qui me dérange, c'est pendant les examens. Tu bandes. Par exemple, je suis en salle d'examen, il y a une fille devant moi. Ah, j'ai devant toi, t'arrêtes pas de mater la meuf et. T'es pas concentré. Ça te perturbe un petit peu. Hein. Bon, alors, si vous aussi vous avez le fantasme du string, les gars, dites-nous si ça vous excite que vous battez les culs tout le temps. Vas-y. Bah oui, bon, déjà dans l'équipe, je trouve qu'on a été assez honnête, hein, parce qu'on a tous dit qu'on battait. Bah oui. Bah oui. C'est vrai, pourquoi se priver de regarder ce qui est beau? Vous êtes tellement belles, les filles. Et allez, comme vous êtes belles. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit depuis le début de la semaine. Non. Vous êtes particulièrement belles. Si vous voulez dire à notre... Très, très, très belles. Voilà. Pourquoi je disais ça? Pour vous faire un compliment. Comme ça, genre, pas cher. Le beau gosse, quoi. Cédric, tu déménages le studio? Ouais, je fais du déménagement. Cédric, il porte des chaises, là. Bon là, je vais mettre cette chaise ici. Voilà, tranquille, je fais la déco, je suis Valérie Damidot. Très bien. Cédric Damidot, t'es déjà la carrure. C'est déjà pas mal. Je fais pas de mur en rose. Non, en rose, non. Et moyen, je vais chanter en peignant. Non, ça va aller. Si, il faut chanter. Voilà, un petit coup de rouleau. C'est Cédric Damidot, là, ce soir. Voilà, trop bien. Bon, alors, on attend vos témoignages pour Bibi. Alors, si vous avez un fantasme un peu spécial, n'hésitez pas à nous dire aussi, pour en parler. Si vous voulez, avant minuit dans l'émission. Vous pouvez nous appeler pour tout le reste aussi. Hein, vous avez besoin de nous, vous voulez faire les cons en direct. N'hésitez pas, vous nous passez un coup de fil. Et le premier son de la soirée, qu'est-ce qu'on se met pour démarrer ce soir? Qu'est-ce que vous avez envie d'écouter? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Il y a plein de trucs. La bon sound. Allez, La Fouine, Wiz Khalifa. Bah, ce qui a été le plus demandé, c'est La Fouine qui a été le plus demandé. On aura peut-être une petite surprise avec Soprano là tout à l'heure. Cédric ne la fait pas foirer. Hein. J'espère qu'il ne la fera pas foirer, la surprise. Calmer, bah oui, bah, on a une surprise qui est prévue. Si on l'a pas, c'est ta faute. Non, ce sera pas la surprise. Si on l'a pas, votez Romano. Alors, un petit Soprano, votez Cédric. Peut-être aussi, si vous avez envie d'écouter Soprano ce soir. Booba aussi, que vous avez demandé. Bon, j'ai un peu incité en début d'émission. Hein. Allez, on peut se mettre à Booba si vous voulez. Allez-y, continuez à nous demander ce que vous voulez écouter. Le premier son, il arrive tout de suite sur Sky. Bon, il n'a pas pour long. Hein. Ah, il n'a pas pour long. Dans une minute, il arrive. Et on est de retour. Avec aussi le clash de la drague. Ouais. Un petit tour des méthodes. Si vous n'étiez pas à l'écoute ce matin, on va tout vous dire. Tous les soirs, dès 21h, diffoulez sur Skyrock. Et vous réagissez aussi pour nous appeler 01 53 40 30 20 puis pour réagir le standard aussi, sinon les SMS et le net. Merci pour tous les messages que vous nous avez laissés. Ouais. Il y a plein d'amateurs de string et les gars, c'est bien vous, enfin c'est bien. Vous matez vous aussi, vous avez l'honnêteté de le dire, c'est ça que je voulais dire en fait. Non mais c'est vrai qu'un string c'est joli sur un beau cul. Comme c'est joli. Eh oui, c'est mignon. Est-ce que Mamouta était stringée? Une question que je me pose comme ça, une de tes ex. Ouais bah ouais. Et alors elle avait un gros string. Ah bah putain, un sacré string ouais. Il était joli. Une corde de bateau. Une voile de bateau. Une corde de bateau, mais c'est... Ah, la ficelle, c'était... elle avait un gros string, quoi. C'est... voilà. Non, mais oui, ça m'avait excité, parce que je l'avais niqué. Eh ben voilà, c'est bien, bravo, Romano. Félicitations. Eh ouais. Bon, alors, on va revenir au string, c'est parce que Bibi, c'est son fantasme. Bibi, il est à fond dessus, ouais. Bibi à fond, il va mater ça sur YouTube, il bat les filles dans la rue, et écoute, c'est pas grave, Bibi, c'est juste un fantasme. Tant que tu te masturbes pas, tu sors pas ton engin dans la rue, là. Un petit sondage express pour toi qui va sans doute t'exciter. Magie. Puisque voici les résultats. Sondage express, résultat. Résultat sondage express. Alors, on vous a demandé si vous mettiez des strings, des grosses culottes, ou autre chose. Tanga, boxer. À un moment, il a fait une catégorie où il y a tanga et boxer, ce qui a absolument rien à voir, mais il a tout mis dans la même catégorie. C'est moins compliqué à calculer, vous comprenez? Oui, parce que tanga, c'est comme un string, et le boxer, il y a pas, c'est comme un boxer de mec, quoi. Un caleçon, quoi. Ouais, voilà, ouais. Caleçon qui? Oui, donc ça a pas vrai. C'est plus court, quand même. Oui, c'est plus court, mais bon, c'est vrai que ça n'a aucun rapport avec le tanga. Ah non, ça. Donc Momo, lui, il a tout mélangé. Momo qui connaît bien la femme et les sentiments féminins. En effet, grave. Alors, 48% pour le string. On vous a demandé ce que vous aviez actuellement là. 48% de filles qui nous écoutent qui sont en string. Bonjour les filles. Salut les stringées. Dis bonjour aux filles stringées, Bibi. Bonjour, j'adore. Vas-y. Voilà, 48%, donc une sur deux en gros, Bibi. Hein. 12%, ouais. 12% les culottes, t'aimes pas les culottes?
J'aime pas, non. Non, il aime pas les culottes. T'as pas les culottes, Bibi. Et autre. Bon, donc, tanga, ce qui ressemble à un string, et boxer, ce qui ressemblerait plus à une culotte, une culotte améliorée, on va dire, hein. Ouais. Une espèce de short. Un shorty, oui. 40%. Donc ça, ça nous, voilà. 40% qui ont autre que des strings et des culottes. Voilà pour le sondage express. Et voilà, sondage express. Et merci pour vos votes pour le sondage express, les filles. Là. Bah, merci. Bah oui. Et oui. Bon, et, on a le témoignage de Dimitri, là. Bah, tiens, on va le prendre, le témoignage de Dimitri. T'as pas de meuf, Bibi? J'avais, mais pour le moment, non, j'ai Et elle mettait des strings ou pas? Ouais, elle mettait des strings. Ouais. Vas-y, tu devais être très très excité avec les strings. C'est bon, ça, ouais. Eh ouais. Bon, c'était, hein. C'était ma première, en fait, mon premier caractère. C'est-à-dire, pour choisir une fille, il faut qu'elle mette des strings, sinon. Le premier truc, le truc le plus important pour toi, il faut qu'elle mette ses strings. T'as entendu, ouais, les filles, hein. Même si elle est conne et tout. Et il faut qu'elle mette des strings. Ah, bah, c'est quand même sa gueule au premier. Ah, bah, oui. Bah, écoute, Romano. Ah, bah, c'est quand même. Pas forcément, tête de tortue. Bah, non, mais tête de tortue. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, les auditeurs, bien cacoc. Qu'est-ce que tu dis? On ne te comprend pas. Bonjour, les auditeurs, bien cacoc. Ah, bonjour les auditeurs de Skyrock. Et bonjour, mon Romano. Oui, ça j'ai compris, malheureusement. Ah, ouais, ça. Oui, bonjour, madame, mademoiselle. Oui, tu veux toujours être mademoiselle, elle. Oui, oui, on est fait. Je suis pas sûr qu'il y a un mec qui lui foute la bague au doigt, celle-là. Mais oui. C'est ça, oui. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Bonjour, une canne tortue. Comment? Téléphone. Oui, tu es dit foule. Non, c'est dit foule. C'est dit foule qui l'a appelé, elle. Ah, d'accord. Et oui, j'ai dit, on ne comprend pas ce qu'elle dit avec sa bouche, bah oui, c'est ça, elle a la lèvre du haut qui pend sur celle du bas. Donc, et si Romano, tu disais, je regarde le visage d'abord. Et là, donc, j'ai dit tête de tortue, et la tête de tortue est arrivée. Bonjour. Oui, bonjour, oui. Et oui. Ouais, bon, c'est vrai qu'elle, c'était pas un top, quoi. Bon, bah voilà, tu vois. Ah, bon, ça arrive. Non, mais ouais, ah, non, mais moi, je choisis pas une meuf sur ses sous-vêtements, quoi. Non, mais bon, écoute. Non, mais bah, Bibi, après, c'est ton choix. C'est son marrant. Hein. Regardez, par exemple, il y a The Gigi, là, qui dit, moi, je regarde souvent. Bah oui, tu regardes souvent. Il y en a plein qui nous ont laissé des messages. Hein. Moi aussi, trop fort, les strings. J'adore tirer sur les strings pour faire des blagues aux meufs de ma classe. Ah voilà. Voilà. Elles sont stringées, tu fais ch'tong sur le. Ah, moi, bah, sur la ficelle. Je faisais plus ça avec tes soutiens-gorge. Les soutiens-gorge, tu faisais ch'tong, moi aussi, je faisais ça. Bon, des fois, ça leur fait bien mal. Ouais, bah oui, c'est assez désagréable, je te le confirme. Et j'aime bien. Et il rit. Il est content. Hein. Ah, là, vous faisait des blagues, c'était tout le temps vous-même, elle pétait des câbles, et ch'ting. Ah, bah, c'est clair, au bout d'un moment. Voilà. Et sinon, ouais, je disais, ça pouvait être tant que tu te branles pas dans la rue, c'est bien, mais il y en a qui se branlent dans la rue, qui nous laissent des messages. Evoluman, là, qui nous dit. Moi dans la rue, je me suis déjà branlé. 100K également qui s'est déjà branlé, dans la rue là. Ah, faites gaffe hein, parce que si tu te fais choper. Nous on s'est branlé avec des potes en cours de sport. Ah, en EPS on se branle aussi. D'ici chez les Bretons là. Message de Bretagne du 35. Salut à toi. Vas-y, branle-toi bien. Ouais. Vas-y, moi je me branle sur la Marie, ça fait trop du bien, c'est trop bol. Merci, c'est charmant. Petit batte. Bah, c'est cool. Charmant. Bah, viens pour que tu récupères le jus. Ah, ouais. Ah, arrête. Ouais, vous pouvez me l'envoyer à Maryse, Radio Skycrot. Non, Marie, Radio Skyrock. Gardez vos fioles. 127 bis, rue Tagada. 75-008, Paris. Non, c'est Paris. Ouais. Paris 75-002, et c'est 37 bis, rue Grenetta. J'attends également sur vos fioles. Bon, bon, si j'en veux. Bon, non, bah, non, bah, pour Cédric aussi. Bon, non, trop bon. C'est tout pour Cédric, alors. C'est comme du yop. Voilà, oui. Trop bon, l'actimel. Oh. Une petite énergie. Oh, trop bien. Bon, et il y en a qui ont des techniques. Tu vois, Bibi, je sais pas si t'as des techniques comme ça pour mater les strings, toi, mais regarde, par exemple, au bahut, dans les escaliers du lycée, on peut voir les décolletés et les culottes. Il y en a qui se postent. Regardez bien les filles dans le bahut, si vous êtes encore au bahut. Il y en a qui se postent dans les escaliers pour mater vos décolletés et vos culs. Ah oui, au-dessus? Bah, tu regardes en l'air, t'as les culs. Ouais. Si elles sont, non, mais ouais, si elles sont jupées. Et si les escaliers, ils sont creux, tu sais, qu'ils sont pas complètement. Voir, ouais, tu peux voir, ouais. Genre, une meuf qui est en jupe, tu vois sa foune. Vas-y. Quoi, ça foune. En général, on a une culotte. Oui, Patrick, qu'est-ce qui se passe, Patrick? T'es comment, ta chatte est comment, là? Non, alors, on est juste en train de mater, Patrick. Attends-toi un petit peu. Il est très excité, hein. Vas-y. On lui passera un coup de fil, là, tout à l'heure, pour lui souhaiter bon week-end et bonne année, Patrick. Eh oui. Alors, on avait le témoignage pour toi, Bibi, de Dimitri, qu'on va prendre en direct du 77, qui est avec nous. Salut, Dimitri. Salut. Ça va, Dimitri, tranquille? Ouais, toi? Bah écoute, ça va bien, sois le bienvenu sur Sky, Dimitri. Merci. Alors, t'appelais pour réagir par rapport au fantasme de Bibi. C'est quoi ton fantasme, en fait, toi? Non, c'est pas pour réagir, c'est que j'ai le même truc. T'as le même truc, toi aussi, ton fantasme sur les strings? Non, c'est pas ça, moi, c'est les collants. Les collants? Ah ouais? Ah, c'est marrant, ça. Les collants, quoi, transparents et tout, là. Ouais.
Les, donc par exemple, comment ça se... Vas-y. C'est quoi qui t'excite? Bah non, même toi, tu dois être content parce que c'est la saison, quoi. Ah ouais, puis les meufs, elles aiment ça. En hiver, bon, c'est plus qu'en été. Par exemple, tu vois une meuf... Ça, c'est clair, on n'a pas de collant l'été. Hein. Tu vois une meuf avec des collants, ça te fait quoi? Bandé. Bah, normal, enfin... Tu vois, je regarde, quoi. Tu regardes, mais tu te C'est moche, pourtant, les collants. T'aimes pas les collants, Marie? Moi, non, mais enfin, c'est moche. Enfin, je vois, moi, quand je m'habille, tu vois, on est en petite tenue, tu fous un collant, c'est franchement pas très sexy, quoi. Ouais, ça dépend quoi. Et toi, ça t'excite, le collant, Dimitri? Oui, après les barres, ouais, c'est marrant, ça. Ah, putain, moi, je déteste la matière. T'aimes pas la matière des collants? Ah. Ouais, ça accroche les doigts. Ah. Quoi? Ah, t'as rien d'y penser, hein. J'aime pas du tout. Je peux pas. Ça te dégoûte. Ah ouais, je sais pas, la matière, je peux pas, quoi. Et toi, par contre, ça t'excite, les collants? Ouais, c'est vrai que c'est pas très agréable. D'accord. Et ça te fait bien bandé? Bah, non, c'est pas chier. Par moment, tu me fais penser à Patrick, Romano. Mais non, là, mais ça te fait bandé, hein, bah, attends, a... Bibi, lui, ça le fait bien bandé, ah, bah, lui, les strings. Ah, Bibi, donc, oui, toi, les collants, c'est ouais, quoi? Moi, je crois pas, je suis comme lui, en fait, mais en fait, j'ai genre le même problème, quoi. Ah ouais? Non, mais bah, ouais, ils vont pas considérer un problème de, voilà, d'être excité par les habits des filles. Oui, après, oui. Tant mieux, quoi. C'est joli, hein, les habits des filles. Vas-y. Oui, c'est vrai qu'il y a pire comme excitation. Hein. Alors attention, je vais faire venir Bibi. Alors Bibi, attention, tais-toi prêt, prends un mouchoir. J'ai un string rose fuchsia, nous dit Laura sur SMS, avec de la dentelle noire. Oh là là. Ça y est. Ça y est, il est venu. Oh non, ton pôle l'enfant. Moi, trop bon. Parti, oula. Là, c'est Cédric. Pas lancé. Ah bah, Bibi, il a une autre téléphone. Ça y est. Non, Bibi, il est toujours là. C'est Dimitri qui est parti. Ah, Dimitri, c'était trop pour lui, là. Voilà, trop. Bon, et il y en a qui sont. Faites attention dans les vestiaires, les filles aussi, parce qu'il y en a qui matent dans les vestiaires des filles en cours, là. Tommy, 18 ans. Je te balance, Tommy, t'as laissé ton pseudo, j'y vais. Donc, Tommy, 18 ans, qui donc va mater dans les vestiaires, là, pendant les cours de PS. Vas-y. T'as un futur Patrick aussi. Oui, fais gaffe. Non, mais comme Patrick, il faut quand même. Bon, il est pas tout jeune aujourd'hui. 55 ans, c'est pas vieux non plus, mais bon. Il n'est pas tout jeune, mais il a été jeune, Patrick. Ah ouais? Et ah bah ça, c'est sûr. À peu près pareil. Tu faisais quoi quand t'étais jeune, Patrick? Je suis en train de masturber, là. Oui, d'accord. Déjà à l'époque. Déjà, tu te masturbais. Bah, c'est bien, Patrick. Oui. Absolument, ouais. Il a l'entraînement, hein. Ah, vas-y, c'est bon, ouais. Bon, on a corne dans les mains, ouais. Donc, toi, t'étais. C'est branlé. Alors, pour Bibi, là, toi, t'étais inquiet parce que tu te considérais un petit peu bizarre. Bon, Marie, après, avant d'avoir parlé un petit peu avec Bibi, après tous les messages que vous avez laissés, est-ce que Bibi, il est bizarre? Bibi, bizarre. Bon, t'aimes les belles choses, c'est tout. Je pense que t'es pas le seul, hein, surtout. Hein. T'aimes les. Ah bah ça, je confirme, moi, t'es pas le seul, ça, on a bien vu. Ah non, mais c'est clair. Ah ouais. Je pense pas que tu sois bizarre. Oui. Non, je n'ai pas de string, Bibi, moi. Ah bon? Ah tiens, une question, et un mec en string. Difoule. Non, pas moi, non, moi j'ai pas de string, Bibi. Écoute, oui. C'est une question, la dernière, en fait, c'est une confirmation. La dernière fois, j'ai volé le string d'une amie à moi. Ah, tu voles des strings aussi? Oh, là, ça commence à être là, t'es plus vraiment bizarre, en fond, là. Ah, Marie, là, tout de suite, tu te dis que c'est plus bizarre que ça n'avait l'air. Attends, c'est quoi? T'es allé dans son tiroir, tu lui as tiré son string? Est-ce que tu l'as reniflé? Tu l'as reniflé, ouais, j'allais dire. Juste sniffer, tu vois. Ouais, l'artiflé, ouais. Alors attends, je reviens sur ce que je viens de dire. Tu as reniflé à quel niveau? Au niveau de derrière ou au niveau de devant? Ou les deux? Ou alors tu t'es fait la ficelle complète, ouais. T'as tout reniflé. Ah bah c'est bien. Mais t'as pris dans le linge sale? Bah oui. Comme mon chien, il fait. Ça, des fois, il fait mémette. Il renifle quoi? Des culottes? Oui, quoi, mais mes caleçons, je ne mets pas de petites culottes. Tu mets pas de petites culottes? Je suis déçu. Non, par contre, c'est arrivé une fois, j'ai un pote, il était venu dormir à la maison avec sa sœur. Et en fait, le chien, mais il a passé le week-end à aller chercher les culottes de la meuf dans son sac et il les ramenait dans le salon. Elle est très odorante. Putain, c'est super. Ah ouais, tu connais pas les gens chez qui tu dors et tout, c'est super. Non, mais on la connaissait, mais tu vois, c'est vrai que ça la mettait mal à l'aise, tu vois. Et, c'est normal. Toutes les 5 minutes, il arrivait avec une culotte différente. Et il est content. Il était content. Et sale? Non, c'était des propres, mais les culottes, ça les rend dingues, les chiens, quoi. Ah ouais? Et sale, encore pire. Alors, laisse tomber, quoi. Ah, pareil, t'as reniflé, toi. Ouais, pareil, comme mon chien Mémette. Pareil. Voilà. Ouais, bah, c'est sympa comme. Comme comparaison, t'es content, Bibi? Non, mais ça, moi, j'ai reniflé les sous-vêtements de ma meuf. Tu renifles les sous-vêtements de ta meuf. Les sous-vêtements. Les sous-vêtements, oui, j'avais compris, excuse-moi, c'était là. Ouais, avant de laver. Tu les renifles tout le temps. Ouais, mais même les miens. Hein. Et tiens aussi. Ouais, je fais comme ça, tu sais, je mets vers le nez. Mais tu sens quoi, à quel niveau? Bah non, mais tu sais, je le prends, il est en boule, pour je sens. Il est quoi. Sale ou... Ouais, non, mais souvent ils sont sales, très sales. Ah. Et quand ça sent mauvais, t'es content? Moi, je trouve ça bizarre. Non, mais non, je sais pas, mais c'est un réflexe que j'ai, quoi, avant de mettre tout sale. Et tes chaussettes, tu renifles tes chaussettes? Non, c'est que les caleçons et les strings. Mais les culottes.
Il est, comme moi. Il est comme toi, voilà, tu es rassuré, Bibi. Ah bah c'est vrai que t'as, ça va. Ah, c'est très très rassurant, hein, ah bah, oui, Mano. Oui. Non, par contre, j'ai jamais volé une culotte à quelqu'un, quoi. Mais je l'ai pas gardé chez moi, tu vois. Ah, tu l'as rendu une fois que tu l'as rendu. Ouais, bien sûr, non, juste pour. Non, mais la meuf, elle t'a pris pour un dingue. Ah, bah, hein. Ouais, mais c'est non, clair. Non, elle savait pas, elle savait pas ça. Ouais, mais ah, genre, tu l'as remis discrètement, quoi. Hein, bon, c'est pas. Écoute, Bibi, hein, à part des déviances un petit peu comme Romano. On... Non, mais. Non, mais attends, mater, c'est une chose, mais après, voler la culotte de, d'une copine. Non, mais admettons, quoi, est-ce que. Tu renifler des sous-vêtements. Genre, par exemple, tu dormiras chez Cédric, tu reniferas ses sous-vêtements. Non. Pourquoi? Non, parce que j'ai pas envie de mourir. Pourquoi t'aurais pas envie de mourir? Putain, mais qu'est-ce qu'il lâche dans les chiottes, j'imagine. Là, déjà, je suis sur tous les jours, d'ailleurs, des traces de pneus. Bon, là, oui. J'aimerais bien voir toi, tu vois. Bah, viens, si tu veux. Ouais, bah. Si j'enlève mon caleçon, et puis tu le sens. Après, on s'ennuie, on verra lequel des deux pulls. Ah, non, mais moi, je ne veux pas sortir le tien. Moi, je fais pas votre jeu, moi. Allez. Ils ont des jeux sympas. Moi, c'est tout propre, je viens de le prendre. Eh, hein, pas pour longtemps a priori. Ah, tu as des chiottes là. Ouais, vite fait. Là t'es rougeau là un peu. Ouais, là. T'as transpiré en fait Cédric depuis le début de l'émission, il a dû passer je sais pas 5 minutes dans le studio à peu près. Voilà, bon déjà j'ai fait le déménagement, Valérie Damido, j'ai raménagé le studio. Voilà, c'est bien. Moi je te ferai un caca là. T'es prêt pour le clash quand même? Ouais, parce que serais toi je me concentrerai un peu plus ma gueule. T'inquiète. Ouais, faut te concentrer parce que le clash arrive là dans un instant sur Sky. Bon alors Marie, qu'est-ce que t'avais à dire à Bibi? Bah, c'est pas très grave, hein. Je pense pas que ce soit très grave. Enfin, ah. Évite de. Ah, j'avais une question moi après. Ah bon? Oui. Alors, Bibi, par exemple, ouais. Tu sais, tu passes devant, je sais pas, un jardin, il y a des strings qui sont en train de sécher sur un fil. Ouais. Est-ce que tu pourrais aller en piquer un là? Ils sont propres. Je pense à 90%, je vais le faire. Ah ouais, ouais. Ah ouais, quand même, ouais. Même si c'est à Germaine. Qui a un gros string. Ouais. Un gros string qui tient tout à grand âge. Mais limite, tu peux faire du hula ou pas, mec. Ouais, tellement il est large. Là. C'est moins excitant tout de suite. Bon, en tout cas, non, mais fais gaffe, par contre, à ça, si tu te fais choper, là, tu vas passer pour un, et ouais, Bibi, pour un pervers. Hein. T'as tes préférences? T'aimes la dentelle, le coton? Enfin, t'as une préférence? Mm-hmm. J'adore la dentelle, en fait. Ah voilà, c'est la ça. La dentelle. Bon, bah écoute, hein, moi, c'est les mini shorts qui m'excitent. Moi, j'ai un string transparent rouge. Bonjour, Jessie. Ah, comment il est? Rouge transparent? Rouge et transparent. Ah ouais. Il doit être rougeau, rougeau. Tu as un string, on va dire que tu as un string rougeau. Hein. Bon bah après, de toute façon, il y a toutes les couleurs qui existent. Hein. Putain, vous êtes trop vicieux, les gars. On n'est pas vicieux. Bah, de toute façon, c'est Bibi, c'est pas moi. Moi, j'ai pas dit que je volais des strings. Ah moi non plus, ça, je vole pas. Non, ouais, je vole pas. Pas de string, en tout cas. Non. Je vole pas, non. Faut pas... Non, mais je ne vole pas de string. De string, précise quand même. Dit, oui. C'est plus crédible. Non, mais c'est bon. Je vole pas. Je suis pas un voleur, moi. Moi, je me suis déjà branlé en regardant le catalogue de la Redoute. Il y a des strings sur le catalogue de la Redoute dans les pages lingerie. Ouais, il y en a. Ah. Non, mais c'est vrai que moi, quand j'étais chez mes parents, je me branlais sur la Redoute et les Trois Suisses. Il y a Bobby Lamouche qui conseille également les catalogues. Hein. Le magazine de la Redoute, il nous dit page lingerie, c'est super, mort de rire. Ah bah, il y a plein de pages en plus. Ouais. Hein. Bon, bah voilà pour toi, Bibi. Donc t'inquiète pas, Bibi. Hein. Donc tu ne branles pas devant tout le monde, tu sens pas ta queue en amphi, dans la rue, tu voilà. Ah, je fais pas ça. Bon, bah, fais juste gaffe quand tu piques des strings, quoi. Voilà, tu regardes sur le net, t'as le droit de regarder des strings sur YouTube, ça te fait plaisir. Tu vas y retourner là, tu vas te. Je vais prendre des photos aussi. Des photos aussi. D'ailleurs, merci à toutes celles et à tous ceux qui nous ont envoyé des photos de strings là depuis tout à l'heure. On a été envahis par les photos de strings sur le skyrock.fm. Bah juste, c'est bon, ça. C'est ouais. Très 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 gentil. Je ah, que c'est ah, toute l'équipe en forme. Le mec, c'est Nicky Larson. Ah oui, Nicky Larson. Ouais, dans le dessin animé, le manga, là. Oui. Ouais, Zoali, c'était un pervers, c'est ouais. 4 size, non? Non, mais, non, Nicky Larson. Non, Nicky Larson, ça s'appelle comme ça. Ah, ouais, c'est deux trucs différents, ça. Ah, Nicky Larson, ouais, il était pervers, un peu. Vagie. Il m'a su par la meuf à chaque fois. Ouais, parce qu'il était dégueulasse. C'est un sale. Mais on en avait parlé un matin aussi, là. Il y avait un mec, je sais plus, je crois que c'était pas du côté de Pau, je sais plus où, là. Donc, qu'est-ce qu'il faisait, déjà? Le mec, il s'était fait arrêter chez lui, ils avaient retrouvé je sais plus combien de centaines de culottes. Ouais, de culottes de meuf, ouais. Ah oui, il voulait des culottes. Fais gaffe, Bibi, de pas faire la une des journaux bientôt. Et puis toi, tu pourras te dire que t'es passé en exclu sur Sky. Ouais. Bon, bah t'inquiète pas, Bibi, on a trouvé Dimitri qui avait raccroché. On va te remercier pour le témoignage sur les collants, Dimitri. Ouais. Merci à toi. Merci. Et puis on va t'envoyer ton jeu ou ton maillot. Même chose pour toi, Bibi. Alors, on n'a pas de string dans les cadeaux, c'est simplement jeu ou maillot. Au choix. J'aimerais bien le string de Marie. Bah, le string de Marie, alors on va lui demander. Non. Ah non, mais parce que là, il est très sale. Oui, il est tout propre, j'ai mis à 8 heures. Et marron. Ah, très bien. C'est joli. Ah oui, c'est joli. Tu peux aller où est ton string?
Bah non, mais ça va pas ou quoi? Bah, la Sky Solidarité. Bah, allez, Marie. Non, de la vie. Pourquoi tu vois pas ton string? Ah, elles sont mes strings, c'est à moi. Ah, c'était string. Non, mais tu peux en envoyer un. Ouais, bah, oui, bien sûr, t'as raison. Bah alors. Tu veux pas que j'aille sucer quelqu'un aussi, tant qu'on est. Bah, alors, si, alors, si ça vous intéresse, vous pouvez laisser des messages. Marie fait une proposition. Non, mais n'importe quoi. Non, ce sont mes strings. Voilà, moi aussi. J'aime pas mes strings. Moi aussi, je suis sans solde. Voilà, bah écoutez. Bon, bah merci en tout cas. Et puis, Bibi, bonne. Tu fais des études de quoi d'ailleurs? Pardon? Tu fais des études de quoi? Tu fais une fac de quoi? Je suis en marketing. Marketing, eh bien écoute. Mais toi, il faut que tu travailles dans la lingerie plus tard. Ouais, fais du marketing lingerie. Travaille pour Obad ou. Ouais, ou. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme marque? Intimissimi. Princess Tam Tam. Princess Tam Tam. Victoria's Secret. Voilà. Bon, bah écoute, bon courage pour la suite, Dimitri. Bon, et t'inquiète pas, c'est juste un fantasme comme un autre. Hein. On va pas se mettre à se trouver bizarre chaque fois qu'on est excité par un truc. Bah oui. Bah oui. Ouais, et puis c'est pas bien méchant, finalement. Ah bah, c'est pas bien méchant. Elle est très très mignonne, celle qu'on nous envoie là actuellement. Merci beaucoup. Bah, Vas-y. Merci pour les photos, là. Bon, alors, avec nous ce soir, évidemment, Romano et Cédricain, et on est vendredi, et quand Romano et Cédricain sont là le vendredi, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on se clash. Eh oui, le clash de la drague qui arrive sur Sky, c'est l'heure du clash de la drague de ce vendredi soir. Est-ce que tu es prête, Cédricain? Ouais, toujours. Toujours prêt, Cédric. Alors, moi, je connais les méthodes, puisque ce matin, on en a parlé dans le morning. Si vous étiez à l'écoute du morning, aux alentours de 8h du matin, vous avez eu, on exclut, la révélation des méthodes qui vont être utilisées ce soir pour draguer. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser des méthodes vous aussi pour draguer au téléphone pour le clash de la drague ou alors même pour draguer dans la rue aussi. Ça marche, d'ailleurs, hein. Je remercie Mohamed qui m'a envoyé des mails aujourd'hui avec plein de méthodes. Mohamed, à partir de lundi, je commence à les utiliser. Ah, il a des bonnes méthodes, Momo. Ouais, merci Mohamed et merci les autres aussi. Hein. Mais Mohamed, particulièrement, très très bonne méthode pour la semaine prochaine. Il est content qu'on vous lui envoie des messages avec des méthodes. Ah oui, c'est bien, ça fait plaisir. Allez-y, vraiment l'envoyer aussi. Hein. Ah, Cédric, il en veut aussi. Envoyez les péter à Cédric après de les faire. Non. Alors, méthode de Cédric, viens regarder la télé à la maison, j'ai une nouvelle télé. Ouais, c'est la soirée DVD, ouais. La soirée DVD, voilà, donc, et dans la nouvelle télé. Qu'est-ce qu'il y a, Romano? Pourquoi tu me regardes en souriant bêtement? Non, pas... Quoi? Mais si, on t'entend sourire bêtement. Vous l'entendez, il sourit bêtement. Non, parce que la méthode, personnellement, je la trouve pétée, sa méthode. D'accord. Non, mais... On verra tout à l'heure, mon pote. Mais non, mais c'est pété, ta méthode, gros, c'est... Bon, là, j'ai acheté une télé pour regarder la télé. T'es la meuf, elle va dire, mais j'en ai une chez moi, t'es. On verra, Romano, peut-être ça a marché. Et toi, Romano, ta méthode, c'est... Moi, c'est une méthode de saison. Je crois que j'ai de la température, je dois avoir une gastro ou la grippe, et j'aimerais que tu me prennes ma température. D'accord. Voilà, je vais demander ça aux familles, moi. Qu'est-ce que t'en penses, Cédric? Fallait péter sa méthode. Voilà. Voilà, regarde, les premiers messages arrivent, Cédric. Refoule. Cédricain, ta méthode, elle est pétée. Ah. On verra tout à l'heure. Alors, Bastou 69, pourrit la méthode à Cédricain. Uh-huh. On verra. Alors, je vote déjà Cédric. Bon, c'est quoi cette méthode, Cédricain, Greg? Cédricain, il est nul. Romano va gagner, nous dit Chris. Ça, c'est ceux qui soutiennent Romano, ça. C'est quoi cette méthode, Cédricain, nous dit Greg 26. C'est quoi ta méthode pétée aussi à toi? Ah, bah écoute, t'es pété, Cédric. C'est bon, Romano, il fait une petite sélection dans les messages. Ah, bah, si tu veux, je dis celui du dessus. Allez, Romano, je vote pour toi. Votez Romano juste en dessous. Voilà. C'est marrant, oui. Cédric, t'es bidon. Cédric est nul et con et moche. Eh ben moi, je parlerai pas avant d'avoir écouté la démonstration du clash, puisque c'est là que tout va se jouer. Ce soir, faut voter Romano. Ce soir, on le corrige. On va donc prendre des familles au hasard, un petit peu partout en France. On va les appeler. On va lui montrer ce que c'est, quoi. C'est d'arriver à les séduire. On compte sur vous, Cédricain et Romano, bien sûr, pour ce grand clash de la drague du vendredi. Ouais. Et on comptera également sur vous tous et vous toutes qui nous écoutez, puisque c'est vous qui ferez la différence entre Cédric et Romano. Yes. Je vais me prendre des nouvelles de notre surprise. Vous savez que je vous ai promis une surprise tout à l'heure. En tout cas, pour tous ceux qui kiffent Soprano, pour les Marseillais qui nous écoutent, qui sont très très excités de depuis que j'ai annoncé ça. Ah, mais il représente bien. Alors, est-ce que la surprise Soprano, Cédric, est OP? Et faisable ou pas? Eh ben, j'ai bien fait de m'en occuper, vous avez vu. Je m'en suis occupé. Merci Diffoul d'avoir sauvé la situation, quoi. Et voilà, on va avoir notre surprise ce soir. Dis donc, merci, hein. Allez, on y va, c'est parti. Vas-y Romano, fais péter le sound. Allez, il fait péter le sound direct. Et voilà, c'est quoi ça? C'est Crazy. Eh oui, c'est Crazy. De Sopra. Crazy. On va retrouver Soprano dans un instant. On est crazy. Eh oui, crazy. Bravo comme tu chantes bien, Romano. L'original, ça fait ça. Crazy, Soprano, Hiro. Soprano aussi. Les châteaux de sable nouveau. Mais la vie de coup ne se résume pas qu'à elle en vie.
titre qui déchire. Pourquoi t'as bousillé le disque? Bah non, mais j'avais envie de chanter. Bon, dans un instant, surprise soprano, on va le retrouver sur Sky, là. Préparez-vous. Le clash de la drague aussi. Et puis on aura Tom en direct de Lyon avec nous. Tiens, on parlait des fantasmes. Tom, il va réaliser Tob. Tob, monsieur Grenouille, j'adore. C'est joli, c'est goûtu. Grosse Tob, j'aime bien. Non, Tom. Tom, il va réaliser un fantasme que peut-être certains d'entre vous et certaines d'entre vous ont envie de réaliser. Allez voir, donc on va en parler avec Tom. Bon, il y a un petit coup de stress aussi. Magie. On en parle avec lui et puis avec vous tous et vous toutes. Hein, si vous voulez débarquer ici, vous nous appelez. Radio Libre jusqu'à minuit sur Sky. Je ne vous ai pas dit ce qu'on allait écouter. On va écouter Faris Movement tout à l'heure. On va écouter Rihanna avec Drake. On va écouter Section d'Assaut. On va écouter Lafouin aussi. Et puis donc notre surprise soprano là qui arrive sur Sky. Préparez-vous. Soir dès 21h, diffoulé sur Skyrock, Radio Libre. Et ouais, Radio Libre en direct, vous tous, vous toutes de toute la France, merci à vous d'être là tous les soirs. Si vous avez besoin de nous d'ailleurs, n'hésitez pas, vous pouvez nous passer un coup de fil. J'en fais un big up à tous les Tunisiens qui nous écoutent là, que ce soit les Tunisiens de France, après les événements, la révolution, il y a une révolution en Tunisie là. Oui, bah alors le président, ça y est, il est parti. Ouais, il vient en France. Ben, il est parti, a priori, il viendra en France, d'après ce qu'on sait là. Donc, big up à tous les Tunisiens et notamment aux Tunisiens qui nous écoutent, on a pas mal de Tunisiens qui nous écoutent en Tunisie aussi et qui pouvaient pas trop nous écouter ces derniers temps avec parce que tout était bloqué, ouais, les sites internet et tout. La censure du net, tout ça, et qui peuvent nous réécouter là ce soir. On a eu quelques messages. Je faisais un big up à Selim là tout à l'heure. Il y a Imed aussi qui nous laissait un message il y a 5 minutes là, en nous disant qu'il pouvait nous écouter ce soir et qu'il était très content et qu'il avait un peu peur, mais bon, c'est normal. Hein. Bah ouais, parce que bon, ça a quand même été chaud. Hein. Bon, bah en tout cas, merci à vous tous. Un petit big up de la part de toute l'équipe de Sky là. Et puis merci de nous écouter, ça fait plaisir. Ouais. Bon, alors on a le clash de la drague qui arrive. Oui, il arrive le clash. Place à la séduction quand même ce soir sur Skyrock. Et on a la surprise pour Soprano. Oui. Oui, alors on fait maintenant. Si vous étiez à l'écoute ce matin du morning, on apprend plein de choses dans le morning. Hein. Si vous étiez à l'écoute, vous avez donc appris que la plupart des beaux gosses et des, on peut dire, des gens talentueux avaient un signe particulier. Eh oui. Eh oui, on a découvert que Jude Law, par exemple, était Capricorne. Mais tu lui ressembles en plus beau. Lewis Hamilton. Le pilote de F1, ouais. Lui aussi, il est Capricorne. Sean Paul. Capricorne. Alors moi j'ai Roselyne Bachelot. Waouh. Capricorne. Waouh. Tu me diras le signe. Lara Fabian, la vieille chanteuse. Capricorne. C'est étrange. Oui. Gérard Depardieu, le beau gosse. Beau gosse. Capricorne. Eh ouais. Voilà. Et il y en avait un autre bien pété. C'était qui? Attends, merde. Les grenouilles, il y a des skate clubs. Cool. Ah bah oui, c'est ça. Non mais dis donc, Marie, bien pété. T'es gentille, Marie. Ouais, c'est vrai. Et pas que, car Soprano et Capricorne aussi, c'est son anniversaire aujourd'hui, c'est ça la petite surprise. Eh oui, 14 janvier, c'est l'anniversaire de Soprano. Eh oui, Soprano, qu'on a en direct avec nous et on a une petite surprise, un petit cadeau pour lui. Et d'ailleurs, si vous avez un petit message, un petit truc à dire à Soprano, ou si vous aimeriez envoyer un cadeau à Soprano, qu'est-ce que vous lui fileriez comme cadeau? Dites-nous sur le 41 Sky et le skyrock.fm. Moi j'ai une petite idée, un petit maillot du PSG. Ça lui fera plaisir. Je pense qu'il sera content. Parce que j'ai appris que Soprano adorait le foot. Ouais, il aime Marseille, normal. Tous les Marseillais aiment le ballon. Est-ce qu'un maillot du PSG pour lui faire plaisir, pour lui servir, je sais pas, de papier, pour mettre dans les toilettes, de papier toilette. Pourquoi pas? Torche-toi le cul avec. Ou alors de paillasson peut-être. De paillasson, c'est pas mal. Ouais. Paillasson. Et ben Sopra, il est avec nous là. Et avec nous loin en plus, Sopra. Allô. Allô la Guadeloupe. Allez, oh putain, t'es en Guadeloupe. Pourquoi tu veux pas mon cadeau du PSG? Pas de chance. Ah non, je veux pas de ce cadeau-là. Je viens d'entendre ça. Non, ça c'est pas des bons cadeaux, en fait. Oh, bah si, je t'ai dit, ça pouvait servir comme paillasson. Moi aussi, je refuse ces cadeaux-là. Ou essuie-cul. Essuie-cul, ouais, c'est ça. Ah, un essuie-cul. Ah ouais, c'est pas mal ça. Rien du tout. Tu vois, ça m'y trouve. Non, mais tu as vu, si tu as un chien, tu le donnes au chien, ça vous amène. Eh, bonne année, Sopra. Bonne année à tout le monde. Joyeux anniversaire, Soprano. Chance. Joyeux anniversaire. Oh, quel beau cadeau ils viennent te faire là. Ils viennent interpréter pour toi. Joyeux anniversaire. Happy birthday. T'es content? Bah écoute, de la bon part, anniversaire. De la part de toute l'équipe et puis tous les auditeurs de Sky. Tu voyais les messages qui défilent, t'as plein de messages. Là, regarde, tu gères pour Alex du 63. Bon anniversaire. Vive Marseille, bon anniversaire. Ça, c'est cool, t'es au soleil. Bon anniversaire. Merci à tout le monde. Bon soleil de Marseille. C'est Romano qui me chante. Tu as eu le privilège. C'est magnifique. Magnifique. C'est magnifique. Ça s'entend, tu es ému. Je suis touché. T'es en Guadeloupe là. Qu'est-ce que tu fais en Guadeloupe? On a un concert. Ah, un petit concert en Guadeloupe.
voilà, on fait un petit concert demain à Guadeloupe, mais il y a une différence énorme, hein. On est arrivé là, il fait 29 degrés, c'est un truc de malade. Ah, mais tu m'étonnes, et puis c'est bien humide. Mais il est quelle heure là? 6 heures de moins. Là, il est 4h de l'après-midi, 3h de l'après-midi, 4h qu'il est arrivé. Pas mieux de l'après-midi. C'est 5h là. Ouais, tranquille, 5h. Voilà. Bon, et puis en plus, t'as une tournée des Zéniths. Voilà, on vient juste d'arriver là. En France, comment? Tu vas avoir une tournée des Zéniths, non? T'as quoi de prévu? Ah oui, il y a tous les concerts qui arrivent là, je me languis, j'attends que ça là, je me languis d'arriver au concert. Il y a aussi le Corbeau qui arrive le 21 mars aussi. Alors, le Corbeau, c'est ton nouvel album. Tout ça en même temps. Nouvel album. Le jour du printemps. Voilà, 21 mars, ça y est, il y a la date. 21 mars, l'album Le Corbeau de Sopra, voilà. Après la Colombe, c'est le Corbeau qui arrive. Bon, et puis d'autres bonnes nouvelles pour toi. Tu sais, t'as été élu rappeur de l'année par les auditeurs de Sky là, pour le grand référendum Planète Rap. Ouais. Bravo. Ah, merci. Merci à tout le monde. Ouais, on me l'a dit, ça fait plaisir. Et la semaine dernière, dans la catégorie. C'est un cadeau d'anniversaire. Eh oui, voilà, dans la catégorie rap français, t'étais là. Ah ouais? Et là, la semaine dernière, on a fait un sondage express dans l'émission, dans la catégorie rap mondial. On a demandé quel était le rappeur préféré. Deuxième, Eminem. Et premier? Eh ben, c'est toi. C'est toi, Sopra. Hein. Devant Eminem. Juste devant Eminem, mais oui, devant. Glace, hein. Et voilà. Donc, tu peux remercier tous les auditeurs de Sky. Ah, franchement, ben merci à tout le monde, ça fait plaisir. Ah oui, là oui, vous donnez des beaux cadeaux là. Voilà les cadeaux. Donc bon anniversaire à toi, Sopra, sois heureux, éclate-toi. Merci. Une bonne tournée, un bon concert ce soir en Guadeloupe de part toute l'équipe. Et ce qu'on va faire, tous les messages que vous nous envoyez là, on va faire une photocopie de tous les messages, on va imprimer tout ça et on va te le filer, Sopra, ça sera souvenir de ton anniversaire là. Voilà. Bon anniversaire de partout. Mais ça va, vous me mettez tout ça, vous me gardez tout ça. En tout cas, je repasse bientôt pour faire une trappe là bientôt. Et ben, on te le fait promis. Vous me donnez tout ça et voilà. Et puis un cadeau pour tous ceux qui kiffent Sopra. Demain il y a Sky Roulette concert et vous gagnez les concerts de Sopra dans toute la France. Eh ouais. Demain dans la Sky Roulette, ça commence à tourner. Avec plein de petites surprises. On est en train de préparer ça là justement. Bon, on est content de t'avoir eu en tout cas, Sopra. Bon concert pour ce soir. On a mis en place un satellite, comme vous l'avez entendu ce soir, pour la liaison avec la Guadeloupe. Des moyens techniques de ouf. Et te souhaiter un bon anniversaire. Bon anniversaire, Soprano. Merci beaucoup. Ciao, tout le monde. Ah, tiens, juste une petite question. Les Capricornes, c'est quand même les meilleurs. Hein. Ah oui. Comment? Les Capricornes. C'est Capricorne. Oui, moi je suis Capricorne, ouais. Je disais, les Capricornes. Aussi. C'est quand même les meilleurs. Bien sûr que c'est les meilleurs. Non, mais le mieux, c'est. Tu es Capricorne et en plus tu es Marseillais comme moi et Sopra, tu vois. Et voilà. Ça, c'est la potée. Et l'autre. Attends, Samy, les Capricornes aussi? Eh oui, gros. Ouais. Ah bah dans l'équipe, il y a la moitié de Capricornes déjà. Voilà, je savais que c'était le meilleur. Connexion, t'inquiète. J'ai toujours cru en toi, Samy. Ah bah, entre Marseille. Romano, il est quoi? Moi, je suis Verseau, moi. Comme Nicolas Sarkozy. Ouais, oh, ta gueule. Voilà, t'as dit le nom qui va. C'était son truc. Capricorne, vous avez Roselyne Bachelot, s'il te plaît. Ah, ça va. Ah bon? Ah bon? Attends, comment? Déjà, moi, il y a Samy, c'est bon. Ah, mais moi aussi, je suis Capricorne. Ah merde! Et moi, du PSG aussi. Oh, c'est triste. Va t'asseoir, on. Pas de chance, hein. Bon, merci à toi, Sopra. Bon anniversaire encore. Salut, merci Sopra. Merci beaucoup. Ciao. Bisous. Bon concert demain. L'anniversaire de Soprano, on en parlait ce matin dans le morning. Merci à toi. Hein. Et en direct de la Guadeloupe ce soir sur Sky. Voilà, tu lui as offert un beau cadeau à Sopra. Ça lui a fait plaisir quand tu as chanté en américain. Non, mais vous avez entendu comme il était ému. Il était ému, ça. Non, mais ça s'est entendu. Il avait la voix qui tremblait. J'irais même jusqu'à dire qu'il avait la larme à l'œil. Non, mais je pense que je l'aurais chanté devant lui, il aurait pleuré. Je pense que c'est ça qui lui a fait le plus plaisir. C'est le cadeau qui lui a fait le plus plaisir. Attends. Ton cadeau d'imprimer des feuilles avec des messages, c'est pas cher. En tout cas, ça fait super plaisir. Non, mais ça me fait plaisir, mais bon, avoue que c'est pas cher. Regarde les messages qui défilent comme ça. Ouais, c'est vrai qu'il y en a plein, vous êtes gentils. Ouais, c'est sympa, ça va lui faire plaisir à Sopra, là. Donc, on va lui imprimer tout ça, puis il aura vos messages. J'espère qu'il y en aura autant tout à l'heure pour le clash. Votez Romano tout à l'heure en masse. Ah, faudra voter Cédric au coin. Ah, le copieur, là. Bah, d'ailleurs, tiens. Il vit dans mes couilles. C'est moi qui ai trouvé la surprise. Il a bien du courage de vivre dans tes couilles. Là, vous parliez du clash de la drague. Et ben, ça y est, c'est parti, c'est l'heure. Et juste après, on découvrira Tom. On parlait des fantasmes tout à l'heure en début d'émission. On a eu les fantasmes des strings. Et ben là, Tom, il va réaliser un fantasme que vous avez peut-être d'ailleurs, hein, pourrait peut-être témoigner là-dessus, nous dire ce que vous en pensez. Le fantasme de Tom qu'on découvre dans un instant en direct sur Sky. Et puis évidemment, à vous tous et vous toutes, vous pouvez débarquer ici par SMS et par le net, là, vous laissez vos messages, laissez vos numéros si vous voulez passer à l'antenne. Et puis sinon, directement 01 53 40 30 20. Juste une petite parenthèse rugbystique avec Clermont-Ferrand qui joue contre, enfin Clermont, l'ASM, qui joue contre le Racing Métro.
gros. Ouais. C'est du rugby. Et pour l'instant, il y a 7 à 10. Et on est à la 51e minute de jeu. Ouais, le Racing mène. Je ferme la parenthèse rugby. On ouvre une parenthèse football. D'ailleurs, on fait comme en cours dans les maths là. Ouvre une parenthèse. Oui, fermez la parenthèse. 2x plus x au carré. Fermez la parenthèse. Oui. Alors là, le foot tout à l'heure, ne l'oubliez pas. Le clash arrive bien sûr. Mais le premier grand rendez-vous footballistique, c'est pour aujourd'hui. Le loto-foot est de retour. Le loto-foot. On a le temps d'ici la fin de l'émission. Bon, je vous le disais, c'est parti. Place à la séduction, place à l'amour, place à la drague et place à Romano et à Cédric. Ouais, ouais, ouais. Bonjour Romano. Bonjour. Bonjour Cédric. Bonjour à tous les deux. Bienvenue dans ce grand clash de la drague du vendredi soir sur Skyrock avec vos deux méthodes dont vous nous avez fait part ce matin en exclu dans le morning. Une exclu que vous avez réservée au morning. Oui, c'est ça. Exclu total. La méthode de Cédric, c'est j'ai une nouvelle télé. Viens regarder la télé à la maison. Ouais, sur un DVD, ça va. Bête de soirée. Oh, Cédric, je répète ce que t'as dit ce matin. Ouais, mais ce que je dis ce matin, faut le redire. Ce que t'as dit ce matin, c'est la méthode. Ah oui. Et Romano. Bête de soirée chez Cédric. Romano, alors donc toi, tu as l'impression d'être malade. Tu ne sais pas si c'est la grippe ou la gastro et tu voudrais savoir si tu as de la température. Tu vas donc demander aux familles de me la prendre. Ta température dans ton petit trou. C'est ça. Et, ah ouais, parce que moi, de toute façon, les médecins le disent. Hein. La température. Le meilleur endroit pour la prendre, c'est dans le cul. Hein. Ah, oui, ne tombe pas. Je vais te casser la gueule, moi, avec ces trucs. Ah bah non, moi, je ne prends pas dans le cul à température. Ah bah tu devrais, parce que c'est là le meilleur endroit. Un petit thermomètre dans le derche. Excusez-moi, j'ai l'impression que je suis malade. Oui, Marie. Oui, j'aimerais bien me faire prendre la température. Bah écoute, Marie, on va sortir le thermomètre. Et j'attends. Oui. Allez, viens, allez, j'attends. Oui, mais là, tu vas faire chauffer le thermomètre, Marie. Allez, tu fausses un petit peu les résultats. J'attends. Oui, bah t'attends, on en a pas là sous la main de thermomètre. Bon, on va faire le clash pendant que Marie. Ouais. Bon, allez, c'est parti, clash de la drague avec Cédric pour démarrer, la ligne numéro 7 pour toi. Ligne numéro 7 et la technique. Bon, tu veux le télé, toi, c'est Jean-Luc. On va chez qui? Jean-Luc. Merci. Ouais. Jean-Luc, c'est parti. Mise en place de ta méthode. Allô? Ouais, Jean-Luc? Oui. Comment vas-tu? C'est Nicolas au téléphone. Dis-moi, je t'appelle là parce que j'ai acheté, tu sais, je me suis acheté un home cinéma là, une nouvelle télé, tout ça. Mm-hmm. Et je voulais inviter, je voulais t'inviter toi ou ta femme soir à la maison pour regarder 2-3 films. Toi, je me suis acheté 2-3 DVD, puis je voulais voir comment ça donnait, quoi. Ouais, d'accord. Ça te dirait de passer à la maison ce soir? Ouais, tout de suite, j'arrive. Ouais? Et puis à la limite, ce que, je t'explique là, j'ai loué 2-3 films. Toi, tu préfères regarder quoi comme film? J'ai des films d'action, j'ai des films de cul. Attends, prends le scanner pour voir qui c'est qui a fait. Prends le scanner. Ah ouais. Alors prends le scanner pour voir qui c'est qui a fait. Est-ce que là t'as branché le scanner là? Jean-Luc. Le scanner. Attends, il prend le scanner. Et après tu branches le mixeur derrière. Ça scanne à mort là. Voilà, je crois que Jean-Luc il est en train de scanner la numéro. Ah là, il scanne tout là. Ah, oui, ouais. Bon, ça scanne là Jean-Luc ou pas? C'est le FBI. Attends. Le attends. Le sa femme prend la. Attends, passe-moi ta femme, j'ai expliqué comment il marche le scanner. Le scanner. Jean-Luc. Il est en train de scanner là. Ah ouais. Voilà. Ça allô ma gueule. Bon, bah, c'est où ça va marcher en disant ça. Tu vois. Appel, Ah, voilà. Tu l'as là, ça y est, nous. C'est un acteur, le mec. C'est un acteur, le mec. Bon, si tu veux, je peux passer à la maison. Hein. Ah. Bon, on va laisser l'inspecteur Derrick faire des. Inspecteur Colombo. Ouais. Laisser se taper ses délires tout seul. Voilà. Avec son scanner dans la tête. Bon, bah écoute, désolé. Bon, Jean-Luc, je peux venir ou pas à la maison? Dernière tentative. Voilà. Dernière tentative qui malheureusement échoue. Mais oui. Désolé Cédric. Malheureusement, on va être obligé de déclarer ton appel foireux. Ah bah ça, foireux. Bah si, il est foireux. J'en veux un autre alors donc. Bah non, logiquement c'est un appel chacun. Non, on va voir quelqu'un. Hein. On laisse d'abord la chance à Romano. À limite on fera un deuxième tour, mais. Ouais, attends, logiquement c'est un appel chacun que le meilleur gagne. Bon, parfois on donne deuxième tour parce qu'il en a besoin. On va voir Romano, à toi maintenant. Alors c'est qui là? C'est la ligne numéro 8. Comment? Allô? Allô, bonsoir, c'est la femme à Christian? Oui? Oui, bonsoir, comment allez-vous? Qui est à l'appareil? C'est Jean-Louis, un ami de Christian, il est là? Jean-Louis? Oui, Jean-Louis, oui. Jean-Louis comment? Jean-Louis Borloo. Tu peux me passer Christian, s'il te plaît? On connaît pas Jean-Louis Borloo. Si, si, moi je connais Christian, est-ce que tu pourrais me passer le téléphone à Christian, là? J'aurais un petit service à lui demander. Ah non. Bah si, tu peux bien me passer le téléphone. Passe sur le téléphone, nom de nom. Mais mon mari ne connaît pas de Jean-Louis Borloo.
Bah oui, mais bon, ça, ah bah il se rappelle peut-être plus, parce que bon, j'explique. Oui, alors est-ce que Jean-Louis connaît Nicolas? On connaît pas de Nicolas non plus. Nicolas Sarkozy. Elle dit quelque chose ou pas? Oh, c'est des conneries. Mais non, pas du tout, je suis Nicolas Sarkozy. Bonjour, que ce soit pouf con. C'est moi. Eh oui, moi c'est Jean-Louis, moi. Ben oui. Alors? Alors, comment ça va? La pêche? Christian, il est là? Il est couché. Oui. Ah, il est couché déjà. Couché. Eh ouais. Dis-lui que t'as la. Ah bon, alors mon ami Jean-Louis, il est un peu malade ce soir. Ouais, là, je vais t'appeler car je suis un petit peu malade. Alors, je sais pas si c'est la gastro ou la grippe, mais j'aurais besoin qu'on me prenne ma température. Est-ce que tu pourrais me la prendre? Ou quelqu'un de la famille qui serait intéressé? Oui. J'aurais préféré que ce soit Christian, mais bon, il dort, on va pas le réveiller pour ça. Non, on veut pas, voilà. Oh, et malheureusement. Voilà. L'appel a été foireux lui aussi, alors, hein. En tout cas, Jean-Louis Borloo, ça ne l'a pas du tout interpellé. Pas du tout, du tout. Et voilà. Bon, voilà. Alors, vous parliez d'un deuxième tour, je vous le donne. Deuxième tour. Avec plaisir. Et alors, ceux qui me critiquent, les fans de Cédric, qui disent tout le monde parle sur le Belge. Bah, alors là, Romano, j'ai même plus que parlé. J'ai pratiquement sauvé l'appel, on peut le dire. Ouais, ouais, quand t'as sauvé, excuse-moi. Quand je parle, c'est pour le bien de nos clasheurs. Je tiens à le préciser, je suis l'arbitre officiel du clash de la drague. Moi, j'ai rien à dire sur le coup. Non, moi, je veux bien que tu fasses sur mon appel, mais pas vraiment. Ah, c'est très gentil, merci Cédric, merci Romano. Vous êtes gentil, c'est pour vous aider. Moi, j'ai rien parlé du tout, Martin. Vous savez que j'ai été élu Lover 2018. Gna, 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 gna. Aux États-Unis. Ah ouais, aux States. Pendant les vacances de Noël, j'étais aux States. Ah ouais, il a fait l'élection. Je suis allé à Los Angeles. Il a participé à une élection de Miss. Oui. Mister. Non, pas Miss. C'est Miss. Non, pas Miss. J'ai pas fait Miss. J'ai fait Mister. Mister Love, tiens, c'est moi. Mister Love. Mister Love 2018, c'est moi. Ok. Bon, alors, on vous donne une deuxième chance. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah, essayez de faire un peu plus Mister Love, vous aussi. Donc, Romano, dans un instant, avec ta méthode du thermomètre. Et on revient à la méthode de Cédric. C'est à toi, Cédric. Ligne numéro 7. Daniel. Pour ta méthode de J'ai une nouvelle télé. Allô, Daniel. Oui. Ça va, ma poule? Oui. Ouais, dis-moi, je t'appelle la soir parce que je me suis acheté un home cinéma. Et en fait, je voulais t'inviter à la maison pour regarder un petit film. Ça te dirait pas de passer à la maison? C'est parce que c'est Cédric, je crois. Allô? Voilà. Allô? Ouais, Daniel. Oui. Ouais, je voulais passer te voir ce soir, c'est possible ou pas? Je voulais venir regarder un film chez toi. On va inverser les rôles. Daniel. Ah, voilà. Voilà. Allô? Bon, il veut pas parler. Désolé Cédric, je dois décréter ton deuxième appel comme étant foireux également. Deuxième appel foireux. Cédric, je crois que le mec a au cinéma, c'était trop pour lui. Je pense qu'il savait pas ce que c'était. Tu m'arrêtes au mot télévision. Ouais, télé, fais télé, voilà, prochaine télé, fois. Télé, tu veux regarder la télé? Et puis quand ils étaient passés à un stade, reste au stade du magnétoscope, ne passe pas au DVD, parce que là c'est trop pour eux. Bon, Romano, à toi. Alors, c'est qui pour moi? Ah oui, il est toujours là. Ah, il était toujours là, Daniel. Parle pas. Au revoir, Daniel, bon week-end. Parle pas. Alors, Romano, ligne numéro 8. C'est qui? Allison. Allison. On va appeler Allison. Allez, allez. Putain, j'ai bu un coup, là, je suis chaud. Tu as pris une potion magique. La potion magique qui va me permettre de serrer. Elle est là, la potion magique. Tu la vends, non? Oui, je la vends. Bienvenue sur la boîte vocale de Allison. Ah, bah, c'est pas là, Allison. Non. Alors, j'attends le. C'est qui pour moi maintenant? Jean-François. Alors, je vends la potion magique pour la modique somme de 500 euros. Cédric, tu veux un flacon peut-être? À quoi sert-elle? À serrer. Ah, d'accord. Ah, j'espère qu'elle n'est pas frelatée. On va voir si c'est efficace. C'est à Jean. Comment il s'appelle lui? Jean-François. Allô? Allô, Jean-François? Oui. Ouais, bonsoir, comment ça va? C'est Jean-Louis à l'appareil. Bonne année, bonne santé, meilleurs vœux. Jean-Louis. Je suis un voisin, là, j'habite au bout de la rue d'Ivoire, je t'appelais pour avoir un petit service, là. Jean-Louis quoi? Jean-Louis Borloo. Je t'appelais pour avoir un petit service. Jean-Louis quoi? Bon, Borloo. Je t'appelais pour avoir un petit service. Je crois que j'ai soit la gastro ou la grippe. J'ai un petit peu de température. Est-ce que tu pourrais me la prendre, la température, là, si je venais te voir tout de suite, là? Jean-François? Pompon!
Lui aussi, en effet, Cédric. Comme tu me l'as, tu me l'as dit, il parle pas. Ouais. Jean-François. Jean-François. Parle pas. Ah ben, il va pas parler lui aussi. Il ne parle pas. Comment vous appelez-vous, monsieur? Moi, je m'appelle Jean-Louis. Je t'ai dit, je voulais venir te voir là pour que tu me prennes ma température. Ah oui, j'aurais autant préféré que ce soit ta femme, mais bon, c'est toi qui vois quoi. Je peux passer ou pas là? Ouais. Je peux venir maintenant? Ouais. Ouais. Donc j'amène le thermomètre ou t'en as un? D'accord. J'en ai un. J'en ai un, donc tu me mettras mon thermomètre. D'accord. Voilà, tu me prends bien la température. Ouais. Et puis après, éventuellement, je pourrais prendre la tienne avec mon sexe si c'est tu veux. C'est ça, d'accord. Bah, y a pas de problème. Allez, tout de suite. Je prendrai celle de ta femme aussi. Ouais, c'est ça. Ah bah, à tout de suite, mon amour, alors. À tout de suite. Attends, t'as un cul. Ben voilà. C'est la potion magique. Elle est là, la potion magique. Elle est là, la magnifique potion magique. Demandez-la. Elle est à 5 euros le flacon. C'est de la bonne. Bon, je vais en prendre dans vos temps, ça, là. Ah bah, 500 euros, Cédric. Bon, là, j'en veux. Non, ça va aller. C'est une potion sismique, là. Non, magique, on dit. Magique. On donne. Eh oui. Cédric, t'en veux un petit flacon? Non, non, ça va. Ça ferait pas de mal, je crois. Non, non. Putain, là, je reviens de loin. Mais je crois que c'est. Tout est dû à la potion. Regarde le message. Mon Dieu, il gère Romano. T'as trop du cul, Romano. Et non, mais c'est Romano. Tout. Le mec a hésité, mais moi, j'ai pas dit, tu voulais pas me parler. Parle pas. Ah, ça, Cédric, tu avais raison de le dire tout à l'heure. En effet, la famille ne parlait pas. Ah non, ça, le mec, comment il s'appelait, Jean-Michel? Paul. Non, c'est Daniel. Ah, Daniel, Paul. Bon, Romano is magic. Tu as vu les messages, Cédric? Est-ce que ça te donnera envie de retenter un coup? Vas-y, je veux. Allez, je te le donne. Et Romano, t'auras un appel de plus. Par désir. Merci, monsieur l'arbitre. L'arbitre est bon, juste et intelligent, comme vous l'avez remarqué. Et très très beau. C'est en effet. Il est beau. Allô. Et modeste. Allô. Allô. Jean-Jacques. Oui. Comment ça va? Ça va. Ouais, dis-moi, oui. Je voulais passer à la maison voir un film chez toi, c'est possible ou pas? Qui est à l'appareil déjà? Bah, c'est un ami de ta femme. Ah bon? Ouais, dis-lui que c'est Michel. Ah bon, lequel? Bah, Michel. Ah, dis-lui que c'est un de ses ex en fait. Ça faisait longtemps que j'ai pas vu, je me suis dit, tiens, je vais venir vous voir, histoire de passer un bon début de week-end, on va se mater un petit film ensemble. J'ai loué 2-3 films porno, là, ça pourrait le faire, non? Histoire d'avancer la couleur. T'es un peu rigolo, hein? Ah, ouais, non, écoute, je suis pas rigolo ce soir, je suis chaud. Ce soir, j'ai envie de faire l'amour. Je me suis dit, tiens, je vais appeler Jean-Jacques, je vais lui proposer un petit truc sympa, ça pourrait lui faire plaisir. Ouais, je vais te passer ma femme, tiens. Ah, bah, passe-la moi, tiens, je vais la chauffer, tiens. Très bien. Merci Jean-Jacques. Un moment de rêve pour elle. Un moment de rêve l'attend au téléphone. Ah t'inquiète. Ah ça. Allô. On aimerait. Oui. Allô. Oui ma chérie, comment ça va? Tu m'entends? Allô. Voilà. Ah. Voilà. C'est allô ma chérie. Je crois que c'est allô ma chérie. Voilà. Je crois que c'est allô ma chérie. Ah, ça a été direct. Ouais, surtout que je le rappelle, le mec, je le gère. Ah, bah, c'est sûr. C'est... Mais allô ma chérie, c'était trop pour elle. Voilà, elle a craqué. Elle a craqué, la pauvre. Ah, le blanc. Ah, le vent que tu t'es pris. Mais... Ah, bon, allô ma chérie. Ah, c'est le Missotral. Voilà. Bon, ben bah voilà. Est-ce que tu veux ton coup de téléphone supplémentaire? Oh, allez, je vais... Allez. Il a envie, hein? Ouais, allez. Attends, bah, non. Non, ça c'est gratuit, je prends. Allez, c'est qui? Alors, vite, la tentation est trop forte. Allez, Jean-Pierre. Il y a l'île de la tentation? Non, rien à voir, Marie. Putain, non, c'est la tentation, Marie, qui est trop forte. On n'est pas élus, là. J'adore ça. Allô? Allô? Jean-Pierre? Oui. Ouais, comment vas-tu? Ça va. C'est Jean-Louis, l'appareil. Jean-Louis Borloo. Dis voir, là, j'habite au bout de la rue, là. J'ai un petit problème. Je crois que j'ai la grippe ou la gastro. Et j'aurais besoin de quelqu'un qui me prenne ma température. Est-ce que je peux passer vite fait, là? Te voir. Bah oui, bah, prof. Bah, si tu me prends la température. Bah oui. Tu vas me la prendre. Vite fait. Ouais, bien. Je comprends pas, là. Ouais, bah, ouais, y a rien à comprendre. Hein. Tu sais, c'est un thermomètre. Tu me le mets dans les fesses et puis c'est bon, hein. Bah, tu veux pas le faire toi-même? Bah, non, j'y arrive pas. Bon, bah, écoute, je viens avec le thermomètre et puis tu t'occupes de moi, ok? Bah, j'ai qu'à me mettre sous ton bras. Non, non, c'est mieux dans les fesses, c'est là que c'est le meilleur. Ouais, c'est une connerie, ça. Mais non! Bon, Jean-Pierre, j'arrive à pied, là, avec mon thermomètre à la main, tu me le mets en arrivant. J'arrive dans 2 minutes, là. À tout de suite. Jean-Louis Borloo. Exactement, c'est moi. J'arrive. Bah, je te connais pas. Ah, bah, tu vas voir, tu m'as déjà vu à la télé, je suis passé des fois. À l'époque, j'étais ministre. Et donc, là, j'arrive, là. À tout de suite. À tout de suite, Jean-Pierre. Mais il dort, là. Ouais, non, ça va pas, là. Non, je comprends pas, là. Ah, bah, y'a rien à comprendre. T'es comme un ami, il comprend rien. Il a l'apéro, un peu, Jean-Pierre. Comprends pas. Non, non. Ah, si. C'est cool, là, Jean-Pierre. T'as bu un coup, là, Jean-Pierre, là. Hein.
Oh non, pas du tout. C'est pas bien mentir. Jean-Pierre, bon, j'arrive tout de suite. Voilà. Jean-Pierre, essaye de rester éveillé jusqu'à temps que j'arrive. Dans une bouteille, ça sera trop une bouteille d'eau alors. Salut, à tout de suite, Jean-Pierre. Salut, Jean-Pierre. Bisous, à tout de suite, mon amour. Bon, fin du clash, fin officiel du clash de la drague, 22h24. Je vais dans un instant vous donner le droit de voter. Mais d'abord, on va donner la parole à Cédric et Romano. Alors, Cédric, une déclaration. Romano, une déclaration. Et juste après, vous votez. Vous savez comment ça se passe, bien sûr. Ouais. Ouh, qu'il est excité. T'es excité, t'es content, hein? Allez, vas-y. Quoi, vas-y? Si, parle. Vas-y, Cédric, parle. Alors, d'abord, tu voulais chanter, Cédric? Ouais. Oui, bah, allez, chante. Allez, c'est parti, on y va. Chanson de Cédric. Super. C'est tout. C'est fini, d'accord? Et la déclaration maintenant. Bon, ce soir, votez CEDRIC. Bah, votez. Pourquoi? Bah, parce que j'ai besoin de. Bon, voilà, bah, votez pour moi. Votez. Merci. Non, mais dis un truc, Cédric. Bah, votez pour moi. Parle de ton appel. Non, c'est bon, ça va aller. Bon, alors à toi, Romano, c'est bien, moi, c'est rapide. Romano, ta déclaration, tu veux chanter aussi? Ouais, bah, un petit coup, vas-y, là, allez. Je suis chaud, mon chanteur. 3, 4. Romano. C'est une nouvelle chanson. C'est quoi ça, c'est quoi? Romano, Et c'est quoi ça? Bah, c'est ta chanson. Romano, voté Romano. Non, mais mets-moi l'autre. Quoi l'autre? Bien qu'on voté Romano. Bah, t'as chanté, voilà, très bien. Merci Romano, t'as chanté une chanson. Pas suivi, désolé, j'arrivais pas à les paroles. Je pense que ça suffit là. Ça suffit, mais en effet, Cédric, je suis l'arbitre, une chanson chacun. Non, mais merde. Bah, t'as fait. On gâche ma chanson. Alors, déclaration tout de suite, c'est parti. Alors. Oui. Bonsoir mes amours. Ce soir va falloir voter Romano. Ce soir j'ai serré, je suis invité à me faire prendre la température par le mec. Il va me mettre le thermomètre dans les fesses. Après je vais mettre mon sexe dans son cul. Et... Il est content. Et je vais m'occuper de sa femme également. Toujours d'une grande classe. Eh bien pour tout ça, ce soir faut voter Romano. Tu veux pas dire voter la classe, non? Non mais non, voter Romano, voter le thermomètre. Ce soir, en parlant de thermomètre, je crois qu'on peut lui mettre profonde à Cédric. On peut, autrement dit, lui éclater les fesses comme il aime. Eh bien écoute, c'est pas sûr, Romano. Eh bien votez Romano, je vous attends, je compte sur vous. Je vous aime. 22h26, vous avez 5 minutes pour voter, mais rien n'est joué. Regardez par exemple les messages qui arrivent là. Fanny, je vote pour Cédric car il chante trop bien. Eh oui, bah pour te faire plaisir, il va rechanter pour toi. Voilà, Fanny. Romano, t'as trop de cul, je vote Cédric. Juste en dessous, Claire Rock, il dit Cédric. Claire Rock, gros bisous. Rien n'est joué d'avance hein, pour les messages. Romano, il a trop de chat, nous dit Salma là sur SMS. Ah ouais, mais elle a dit qu'elle votait pour moi. Ça fait partie de la drague, là. Ah ouais, la drague, c'est ça. Hein, c'est ouais, la chance qu'elle votait pour moi. Ouais, bah c'est bien, mais ça, moi, je m'en fous, moi, Cédric. Donc, moi, je ne vois les votes que pour Romano. Top, votez Romano à mort. Clairette, gros bisous aussi. Allez, top vote. Et puis, on avait, tiens, j'avais promis Section d'Assaut à se mettre J'ai pas les love là tout de suite. On écoutera Soprano pour fêter son anniversaire aussi tout à l'heure. Je l'ai pas annoncé, mais on va se le mettre Soprano là un petit peu plus tard. Ouais. Et donc Section d'Assaut, J'ai pas les love pendant que vous Romano. Le clash. Et on découvre le fantasme dans un instant de Tom. Et puis vous tous, hein, vous tous et vous toutes, hein, vous voulez passer à l'antenne, vous avez un truc à dire, un service à demander. Profitez-en, Radio Libre, c'est tous les soirs en direct avec vous sur Sky. Tous les soirs, dès 21h, sur Skyrock. Radio Libre. Et Radio Libre en direct, oulala, mais ça vote beaucoup pour le clash de la drague. J'annonce la fin des votes. Terminé. Fin des votes, c'est fini. Et oui. Ah, t'es angoissé, Romano. Je me sentais plus sûr de toi il y a un instant. Que t'arrive-t-il? C'est parce que j'ai lu des messages qui encourageaient Cédric, hein. Ah, il y en a pas mal. Ça va, il y en a aussi pour moi, quand même. Ah, bah oui, oui, ça. Je vous dis pas pour qui y en a le plus, mais vous aurez les résultats. Romano et son thermomètre. Ouais, ouais, ouais. Ou alors Cédric et sa télé. C'est bon, deux méthodes de drague de ce soir. Deux méthodes de drague. Très beau clash de la drague. Moi, j'ai bien aimé, là, tout à l'heure. Ah, bah, pas mal, ouais. Oui, alors, avant de retrouver Rihanna et Drake, Faris Movement, tout à l'heure, on se mettra Like J6. C'est bien ça. Ouais. Et Soprano aussi avant minuit sur Sky. On vous attend en direct hein, on vous attend au 01 53 40 30 20. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez débarquer ici si vous avez un truc à dire, un petit service à demander. D'ailleurs, tiens Romano, tu serais derrière ta radio, tu nous écouterais, tu serais content. Ouais. Il serait tout excité, tu sais qu'il y a la Marie dans l'équipe. Vas-y. Ah ah. Ouais. Bonjour, monsieur gros pédo. Non, c'est Romano, Marie. Je vous explique le bout. Non, bon, ça va, mais là, je te connais, donc c'est pas pareil. Bon, tu nous passerais un coup de fil, ce serait pour quoi? Pour tourner la Sky Roulette.
pour vous demander de l'argent. Quoi, ouais, je demanderai de l'argent. Je demanderai des sous. Ouais, je demanderai des ah, sous. Ah, moi, ouais. Ça serait pour l'autofoot, moi. Toi, tu fais, ah, t'appellerais pour l'autofoot. Ouais, pour m'inscrire. Ou sinon, je l'appellerais pour qu'on m'appelle pour les 1500 euros le matin. Oui. Ça sert à rien. D'accord. Mais appelle si tu veux. En fait, uniquement pour gagner, toi. Oui, j'appellerai pour les jeux. Ah, toi, tu ferais l'autofoot avec nous, ça. Ah, ouais, direct. Pour montrer la puissance des Marseillais. La puissance des Marseillais. Ah, ouais, ouais, ouais. Eh ben, représentez votre région, votre club tout à l'heure. Vous pourrez faire l'autofoot avec nous avant minuit sur Skype. C'est avec tous les, enfin, toutes les veilles de match ou les veilles de week-end de match. On fait de l'autofoot ouais, ensemble. C'est le premier. Parti, le premier de l'année. Et donc, on pourrait vous inscrire. Je donnerai le top un petit peu plus tard. Hein, là. Pas top encore. Ouais, ouais, le top. D'ici une petite demi-heure, dans pas longtemps, on se fait l'autofoot tous ensemble. Merci au petit chauve du Cantal là qui nous envoyait une affiche de film Romano le Clash, un film de Difool. Et c'est écrit quoi dessous là? Et de Romano de Skyrock. Et oui Romano, tu sais c'est la radio. Tout va bien. Fan page officielle, je pense que c'est ça. Ah, il a fait une fan page officielle. Ah bah c'est gentil en tout cas. Ah bah écoute, merci pour la très belle affiche que t'as fait de ton film. Ouais, c'est toi, je suis musclé là-dessus. Ah ouais, ça. J'ai grave des cheveux, t'as vu? Ah, t'as vu, c'est moi qui ai fait le film. Eh ouais. Eh oui. C'est toi le réalisateur d'Ifool. Bon, vous pouvez nous envoyer des photos sur le skyrock.fm, vous pouvez nous envoyer vos messages sur le 41 Sky et le skyrock.fm aussi sur l'appli Sky, les applis Sky d'ailleurs, Android ou iPod là ou, ouais, ouais, ouais. Ou iPhone. Et puis vous nous appelez 01 53 40 30 20, là vous avez toute l'équipe qui répond, la Marie qui est au téléphone avec vous. Bonsoir. Cédric hein, qui vous ouais, répond ouais, ouais. En mangeant du fromage. Mmh. Et, non, c'est un morceau de pizza. Ah d'accord, oh, bah, ça ressemble en effet à la pizza. Ah ouais, d'accord, il y a beaucoup de pâtes. Moi j'ai cru que c'était un fromage. Qui... Voilà. Et Samy aussi qui vous attend. Ouais. Allez-y, profitez de la soirée. Bon, on va prendre Tom là en direct avec nous. Tom en direct de Lyon, salut à toi Tom. Salut. Salut, salut, ça va l'équipe? Et toi, bien Tom, tranquille? Ouais, tranquille, tranquille. Un peu stressé là pour mercredi, mais ça va. Ah oui, donc toi la semaine prochaine tu vas réaliser un fantasme, hein, c'est ça? Ouais, voilà, ouais. Ah, voilà, on va voilà. Refaire mon jeu de tout à l'heure. Tout à l'heure on a fait avec Bibi mon jeu. Mais quel est le fantasme? Le fantasme de Bibi, c'était de regarder les strings des filles dans la rue et de bander. Ah ouais, il est accro lui. Hein. Et après il enregistre dans sa tête et le soir il se branle en pensant aux filles qu'il a croisées. Absolument. Ouais. Bon, c'était pas méchant. Hein. Non, non. Bon alors d'après vous, quel est le fantasme de Tom? On recommence mon grand jeu. Quel est le fantasme? Je dirais que mercredi tu vas faire un plan à trois. Ah! Avec deux nanas. Tu t'approches. Ah ah! On n'est pas loin là déjà. À quatre. Deux nanas, non? À quatre. Deux couples. Ah ah! Ouais. Genre tu vas baiser à côté d'un pote et sa meuf. Ouais. C'est toujours le plus fort de toute façon. Hein. Oh. Y a pas à chier. Ah, mais. Pauvre! Bah, il a trouvé ce con. Oui, c'est, il a trouvé ce con. Comme tu le dis, Cédric. Romano a trouvé. Mais Cédric, t'avais une idée peut-être. Mais t'es foutu. Ouais, moi je veux dire qu'il voulait un club échangiste peut-être. Et non, bah non, c'est le plan à 4. Tu vas faire un plan à 4, toi. Du mélangisme, ouais. Ça quoi. Et si vous vous mélangez, quoi. Vous mélangez qui? Bah, c'est-à-dire, tu vas te taper la meuf de ton pote ou pas? Bah, en fait, c'est un pote, tu vois. Il a un plan cul, tu vois. Ouais. Et elle a une copine qui veut essayer un truc à quatre, voilà, tu vois, donc il m'a demandé si j'étais partant, voilà, donc voilà, il n'y a pas de souci, quoi, on va voir ce que ça va donner, quoi. Donc en fait, il y aura toi, la copine de ton pote, la meuf de ton pote. Quoi, une amie, quoi. Une amie, ouais. Ouais, c'est pas ça, meuf, ouais. Une amie de ton pote. Et toi. Et ton pote. Voilà. Vous serez 4 quoi. 1, 2, 3, 4. Voilà, le compte est bon. Le compte est bon, bien joué. Et voilà. Messieurs Romano. Et oui. Et ouais, bon, à la limite, bon, si c'est un plan cul, pourquoi pas. Mais t'as vu les meufs déjà? Ouais, ouais, bah si tu veux, il y en a une, tu vois, elle arrête pas d'envoyer des textos, tu vois. Mais physiquement, elle est bien, c'est plus ça que je voulais savoir aussi. Ouais. Physiquement. Et je l'ai vu aussi, tu vois, c'est pas un boulet, quoi. C'est pas boulet, donc elle te plaît, elle. Ouais, elle est pas mal. Et t'as vu, la mal, deuxième? Et l'autre? Ouais, je l'ai vu, ouais. Et alors, elle est métable? Ouais, l'autre, ouais, ça passe, ouais. Ouais, ça passe, ouais, sans dans plus, noir, quoi. Dans le noir, ça passe. Noir. Ouais, ouais. Donc, alors, tu penses te taper les deux, ou alors vous aurez chacun votre meuf, ton pote avec la meuf vilaine, et toi avec la meilleure. On prend les. Bah, en fait, hein. c'est la première fois, donc je sais même pas comment ça va se passer, ouais. Ouais, tu vois, donc. Mais vous avez prévu de faire ça où? Chez toi? Chez toi, tranquille. Oh, ça, c'est mieux, ouais. À la maison. Ah, oh, bah ouais. Ouais, c'est mieux. Bah, c'est vrai, c'est bizarre, hein, truc à quatre. Moi, j'appréhenderais un peu, quand même. T'aurais peur? Ouais, t'as peur de pas assurer, tu vois. T'as deux chats, deux culs. Alors, ouais. Enfin, trois culs, si tu veux être bien. Mais tout dépend. Tiens, imagine un plan à quatre, là. Cédric, Momo et la Marie. Et toi? Ah, ouais, ouais, non. Non, ça va pas bien. Momo s'occupe de toi. Je kidnappe Marie et je laisse Momo et Cédric faire leurs affaires ensemble. Je crois que Momo, il te saute dessus, plutôt. Momo, il te saute dessus. Ah, y'a pas photo. Ouais, je te laisse Momo, le belge. Enfin, comme ça, Marseille et Parisien, ils sont les. Oh, ils se battent pour avoir Momo, vous avez vu? Ah ouais, bah attends. Momo, c'est un beau gosse. Ça. C'est pour ça. Et oui, il y a de la demande. Ah bah, c'est pas Momo. Non, mais c'est bizarre, c'est le moment où tu vas commencer à, genre, t'es emballer les meufs et tout, genre. Tu stresserais, Romano, un peu?
Non. Non, tu serais non, parce que vous allez faire quoi? Vous allez prendre l'apéro? Vous allez ça va dégénérer. Voilà, voilà, attends, on va faire un bon apéro déjà. Et puis, l'autre, quand tu vois les textos qu'elle envoie, déjà, à mon avis, c'est elle qui va prendre des vents, tu vois. Mais qu'est-ce qu'elle envoie comme texto, la meuf, là? Bah, tu, quand t'auras goûté à ma bouche, tu pourras plus t'en passer. Ah ouais, donc elle est complètement. Moi, ça m'exciterait pas, moi, ça. De quoi? Ah ouais, ça fait rire. T'es du tout cuit? Bah ouais. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est bah, nous, les mecs, on est plus basiques, tu vois. Nous, oui, oui, oui. Le tout cuit, c'est parfait. Le tout cuit, ça va très bien. C'est nickel, quoi. Là, le tout cuit, qui a rien à manger. Là, t'as juste à ouvrir ta porte, il y a deux meufs qui arrivent pour se faire niquer. Donc bon, si il y a pire comme plan. D'ailleurs, c'est marrant les messages, tu disais nous, Romano. Mais c'est vrai, les garçons, regarde, il a trop de la chance. Le gars, le message de Stéphane sur SMS. Salut à toi, Stéphane du 54. Juste en dessous, putain, j'aimerais bien être à sa place. Ça, c'est message de Zaël. Encore un mec, 17 ans. Ah ouais, parce que bon, ce genre de plan, c'est quand même assez rare, quoi. C'est ça, à part pour toi, des foules ou des femmes arrivent. Elle voudrait te faire filmer et tout aussi, elle voudrait te faire filmer et tout. T'as un prix de malade. Non, mais fais-lui fumer le cul. C'est moins dangereux pour la santé. Trop drôle, Marie. Non, filmer, c'est. Ah, bah, pardon. Oui, c'est pas pareil. Excusez-moi, vous n'avez pas compris. Ouais, ça, par contre. Bah, j'ai pas compris, je voulais que tu la fasses fumer, moi. Non, mais non, mais moi, je dirais. Elle voulait te faire fumer avant. Ah, moi, par contre, les vidéos, non. Ah, ouais, pas ça. Ouais. Parce qu'après, laisse tomber, les meufs, tu les connais nulle part, les vidéos, elles vont tourner et tout. Alors, les messages des filles, parce que j'ai lu les messages des gars, là, qui sont très, très excités, là. Il y a le message de You du 93 aussi, qui aimerait mettre à ta place. Et les filles disent, tiens, par exemple, je prends la mise du 59, au hasard, j'en prends une. 17 ans, elle dit, moi, perso, je trouve ça horrible, les plans à plusieurs. Elle est dégueulasse, la meuf. Et ça, c'est encore une message de fille, collega, là, sur SMS, qui nous laisse le message. Elle est dégueulasse. Ah, celle qui envoie les messages, là. À qui te chauffe. Ouais, non, mais après, faut se méfier, hein, parce qu'il y a plein de meufs, tu vois, elles chauffent et sur le moment, il n'y a plus rien, quoi. Ça, c'est pas il y a faux. Beaucoup moins, quoi. Non, mais comme tu disais, a priori, là, c'est d'être du tout cuit, Du tout cuit. Là, c'est clair. Non, mais il y a des meufs, même si c'est tout cuit, tu vois, elles te promettent monts et merveilles, au final, la meuf écarte les cuisses et puis voilà, quoi. Elles te promettent monts et merveilles. Ouais, c'était joli dans ta bouche. Non, mais c'est vrai, c'est marrant que tu sois la même personne qui fasse la déclaration du clash en disant je vais lui prendre sa température dans son cul et juste après qui nous dit elle lui promet monts et merveilles. Non, mais c'est vrai, c'est déjà arrivé, tu vois, la meuf, elle te dit, elle te chauffe vachement au téléphone ou. Et voilà, bon, tu la vois, bon, après il se passe quelque chose, mais c'est loin d'être ce qu'elle avait dit, quoi. Ouais. Mais en tout cas, dis-lui, la caméra, on pourra pas se filmer tellement ça va être chaud. À la limite, tu rentres dans son délire, quoi. Ouais, voilà. Ça, c'est bon. Tellement ça va être chaud, on pourra pas se filmer. Eh ouais. Ouais. On pourra pas tenir la caméra. Trop. Hein? Pourquoi tu touches? En fait, les gars, en fait, y a un autre problème aussi dans l'histoire. C'est quoi le problème? C'est qu'en fait, toutes les meufs que j'ai eues, tu vois. Le premier soir, tout se passe bien, préliminaire, machin, tu vois. Et en fait, quand c'est le moment de l'action, eh ben, je débande le premier soir. Oh, mais tu me fais penser à quelqu'un que je connais. Ah oui, à moi aussi. Oh, à qui te fait penser, Marie? Bah, moi, je pense à Romano, moi, tu vois. Ah, un gros Mano. Ah, et les premiers soirs, apparemment. Oui, c'est pas là où je performe le plus, ça, c'est clair. Mais on déborde les premiers soirs. Moi, je te dis, tu vas ouais, prendre ouais, par exemple, ma Zizine, hein, oui. On s'est connus, voilà, le premier. Zizine, est-ce bien ta copine avec le chien, Bibitte? Non, Mémette, il s'appelle. Pardon, Bébette. C'est Mémette. Bébette. Et, ouais, bah, le premier soir, ouais. C'est elle. Zizine, gnégnette. Gigine et gnégnette. C'est une vignette. Oui, c'est ça. Non, mais ouais, le premier soir, j'avais été nul, quoi. Pas nul, j'avais ouais, minable. Et tu l'as dit, t'étais nul. Ouais, non, mais j'avais été minable. Non, mais il n'y avait pas d'autre. Mais mot, nul, hein. Comment? Ah, mais nul comme Cédric, hein, quoi. Bon, Cédric, où? Au clash. Ah, ouais. Okay, ça devait être bien, alors. Bon, frère. Ah, tiens. Ah, ouais, c'était comme ce soir, ouais. Donc tu débandes à chaque fois. Ouais. Ouais, c'est dingue, ça. Le fait c'est de quoi, non mais c'est le stress ça doit être le stress. Ah ouais, bon, si déjà tu stresses avec toi. Tu vas pas y arriver mon pote. Ça va passer pour Samy qui te rajoute un peu de. Mais non mais déjà tu stresses avec une meuf alors là vous allez être 3 de plus, tu vois, tu vas. Ah ben je sais pas comment ça va faire, tu vois, justement, donc Ah ouais, mais moi j'aimerais pas putain. Si je monte avec une femme direct, tu sais, on commence séparément ou tu vois, tu sais, je voulais des infos sur ça, quoi. Non, à mon avis, le mieux à mon avis, c'est genre vous prenez l'apéro et les deux meufs elles commencent genre à s'emballer, tu vois. Mm-hmm. Comme ça ça va vous exciter et puis après un mec avec une meuf, tu vois. Et il faut déjà que les filles elles aient envie de s'emballer toutes les deux. Ouais, bah à mon avis. Parce que imagine qu'elles aient envie du même truc, que avant de démarrer elles aient envie que vous vous emballiez. Eh ben voilà, Tom. Ah d'ailleurs, pour répondre à la question d'Abou là sur SMS.
SMS, Abou qui nous demande, mais est-ce que tu vas enculer ton pote? C'est ça d'ailleurs, Romano, tu n'es pas posé la question. Non, mais j'attendais. Non, mais ça peut pas arriver, ça. Non, ça peut pas arriver. C'est pas possible. Et ton pote, il a peut-être pas envie de te, je sais pas, de te caresser les fesses par hasard. Non, j'ai très excité. Il n'y a pas moyen. C'est jamais. Et non, mais si, admettons, tu sais, ton pote, il a envie de te sucer le dard. Ah ouais, attends. Qu'est-ce qui se passe? Et de te promettre mon zémerveille. Est-ce que là, tu penses ou est-ce que tu débandes? C'est vrai qu'il est excité, le dard. Non, 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 je suis pas excité, connard. Si, j'étais excité. Comme toi, alors. Bon, là, je peux pas venir vous sucer, les gars. Non, ça va aller. Oh, 5, 2, 3, 4, 5. Non, mais je pense que ce qui va se passer, c'est qu'une meuf, elle va se mettre avec un mec, avec ton pote, et l'autre, elle va se mettre avec toi. Bon, alors, a priori, il y en a une, les deux meufs, c'est la belle et la bête, quoi, un peu. Ouais. D'après ce que t'as décrit. Un peu ça. Bah, essaye de serrer la bonne. Ouais, c'est mieux. Ouais. C'est mieux. Voilà. Si tu veux arriver à bander déjà. Ouais, ça serait parce que déjà. Ça va t'aider. Non, mais par contre, ouais. Moi, j'aimerais pas, tu vois. Autant, bon, déjà, c'est. Ah, mais tu... oui. Non, mais t'es super mal à l'aise quand tu bandes pas, que t'es avec une meuf. Mais quand alors. Ah, c'est normal. Quand t'es avec deux meufs et un pote, moi, j'aimerais pas, j'aurais un peu honte. Ah ouais, parce que ton pote, il te voit. Ah ouais, et puis les deux meufs, tu vois, voilà. Ah ouais, puis tu t'affiches devant trois personnes. Ah ouais, c'est ça le trip, quoi. Trois personnes au lieu d'une. Si t'arrives pas à bander, tu vas être mal, quoi. Déjà, il y a une des deux meufs qui va être en galère, parce que bon, l'autre, elle va être en train de se faire pilonner, peut-être. Ah. Par ton pote. Et vous, vous serez à côté, toi, tu sais, t'as un bit molle, et elle, elle sera bah, en galère aussi. Et elle attendra. Voilà. Non, attendra en fait, à son tour. Je voulais commencer par le boulet, justement, comme ça, au pire, si je me prends un râteau, c'est pas grave. Ah bon, bah alors. Pour la fin, non, mais t'as pas tapé une meuf que tu trouves pas belle, même si c'est un plan à 4. Pour démarrer, tu vois. Ouais, bon, alors. Ah, mais bon, dans le plan à 4, il va bien falloir que tu niques les deux, quoi. Bah ouais. Ah bah oui, oui, ça, pas bah forcément, tu peux faire 2 plus 2. Ouais, chacun sa meuf. Non, mais où elle est? Ils ont chacun leur mec, et puis vous faites votre affaire. Non, mais la limite. Toi, t'as envie de mélanger, toi. Ouais, sinon, l'autre, si vraiment elle te plaît pas, tu sais, elle te suce, quoi. Ouais, au pire. Bon, juste ça, tu vois. Au pire. Ouais. Bon. Faites des concours, dit Amorix, pour détendre l'atmosphère. Des concours de quoi? Je sais pas, moi, un strip poker. Ouais, ça ouais c'est vrai que ça peut, ouais, ça peut dégénérer, quoi, après. Des concours. Alors, il ne faut pas éteindre la lumière. Je te donne un petit conseil. Alors, c'est bien vous donner des conseils. Merci pour les messages que vous envoyez. Joker, 27 ans. Il ne faut pas éteindre la lumière pour ne pas te tromper de trou. Entre parenthèses, par exemple, ton pote. Ouais, mais pour niquer la moche, moi je te conseille de l'éteindre. Hein. C'est vrai? Ah ouais, mais. Si tu te trompes de trou, Romano. Ah bah, tu vas à l'odeur. Que tu rentres dans ton pote. Bah oui, mais l'odeur de ton pote, a priori, c'est la même que. Enfin voilà. Oui, c'est vrai, oui. Mais oui. Comment ah non, mais non, mais pour niquer la moche, il faut vraiment teindre. Mais elle est vraiment moche. Pas a priori, ouais, mais. Ouais, c'est 75 kilos, un truc comme non, ça. Non, mais ça, bon, c'est pas gagné. Ah bah, ça, ça a rien à voir. C'est pas l'unique critère, quoi. Ah bah oui, oui. Non, mais je veux dire, tu sais, la double menton. Voilà, nous on a bien un ami qu'on a 4. Et alors? Ouais, mais on baisse pas avec. Ah non, ça je peux pas moi. Ah non, c'est ça, clair. J'aime bien le baiser juste au flash. T'aimerais bien me baiser en vrai, je suis sûr. Ah, ça. T'aimerais bien me faire l'amour. Ah, putain, j'imagine le truc. Nombre de fois, tu sais, le mec mais qui c'est sûr, Cédric, mais t'imagines même pas, mais tu sais quelle fois tu parles évident. De moi. Tout à l'heure, je disais que je m'étais branlé deux fois aujourd'hui, mais je me suis branlé deux fois sur ta gueule. Bah, évidemment. Tu sais quoi, j'étais sûr de ça. Je te mettais une bonne faciale, tu vois, comme thème. Non, non. Et la deuxième, c'était au fond de la gorge. Ah, bien sûr. Et l'autre, il a rien, il sautille. Bon, je sais qui kifferait, salopard. Bon, eh ben écoute, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi, Tom? Bah écoute, si il y a des femmes ou des mecs à qui ça leur est arrivé, tu vois, qui me donnent des petits conseils, déjà pour bien démarrer la soirée, et puis après... Non mais les jeux, c'était pas mal, hein, mon idée de jeu. Ouais, strip poker, ouais, c'est vrai que c'est pas con. Hein. C'est mon idée que j'ai eue tout à l'heure. Sinon, il y a quoi d'autre comme jeu? Il y a quoi d'autre comme jeu? Je sais pas, jeu de la bouteille. Action vérité. Tu fais tourner une bouteille et ah ouais, ouais. Et t'as celui sur qui va la bouteille elle s'arrête, il fait un truc. Action vérité. Ouais, le gage genre Ouais, action vérité, c'est pas mal aussi. Sinon il y a des j'avais déjà vu ça, il y a des dés. Dédé, c'est qui? Dédé? Non, Dédé. Pourquoi Dédé? C'est ça, non? Dédé? Alors, D, A, D. Dédé carré, là. Oui, A, D, Marie, oui. A, D, dessus, il y a plus de chiffres.
Ouais, non, des positions. Non, non, en fait, c'est des dés sexy. Et t'as genre, ouais, genre sucer, lécher, ouais. Masser. D'ailleurs, tu, voilà. tu peux dire merci à un connu spécial qui parle de dés cochons juste avant que tu dises qu'il y avait des dés, Romano. Super. Ah non, je l'avais pas vu. Oh, t'avais pas vu le message de Corus spécial. Ah non, mais je vois toujours pas d'ailleurs. Ah bah si, il est là, regarde, des dés cochons. C'est ça que tu veux dire? Ah voilà. Ah, c'est pareil. Ah bah oui, c'est pareil. C'est bizarre. C'est des dés cochons. Eh oui, non, mais c'est ça. Si t'as pas de dés, tu peux toujours faire. Tu sais, des petits papiers en mettant genre fellation, truc, machin, et tu t'y ressors, quoi. Ouais. Tu vois si t'as rien sous la main. Oui, tu fais des petits papiers, c'est artisanal, ouais, et c'est pas cher. Est-ce que t'as un iPhone? Non. Ah oui, il y a des applis. Ouais, je crois qu'elle existe, l'appli. Je vais regarder sur là et on va jouer. Ah, super. On va faire, et je crois qu'il y a les jeux, les des coquins et tout ça. Alors, sur l'iPhone. Ouais. Alors, on va faire des jeux. Je vous annonce aussi que je suis l'arbitre. Moi, je ne m'en mêle pas non plus. Tu veux pas jouer, Marie? Non, je veux bien. Ah, Momo, il vient jouer. Alors, Momo, qui était inscrit. Non. D'accord, mais attends, je suis pas sûr. Il baisse déjà son pantalon, bah. Ouais, Momo, attends deux minutes, Momo, t'as pas encore tiré des dés. Attends, on va se calmer. Ah, ouais, si, des coquins, nickel. Alors, on nous parle d'un Monopoly, coquin. C'est quoi ça, Monopoly coquin? Ouais, c'est la même chose. Mais c'est quoi? Bah, c'est genre. T'achètes des maisons et des hôtels, quand t'as un hôtel, tu peux niquer, c'est ça? Non, mais je pense que c'est un truc avec des positions et tout, pareil, ou des actions, tu vois, lécher. Action vérité, on nous dit. Ouais, non, mais c'est ça l'idée, en fait. Ouais, mais il y a un risque, parce que si tu sais, ça tombe sur toi et ton pote et que c'est léché, vous faites quoi? Bah, vous léchez. Bah, vous léchez. Ah ouais, merde. Ouais. Bah, le bras. Là, puis action vérité, le bras. Tu vas lécher ton pote, Tom? Ouais, avec... Non, pas du tout. Bon, alors, je télécharge l'appli. Alors, il y a deux versions. Je vais télécharger les deux. Il y a des coquins et des coquins hot. Ouais. On va prendre le hot direct. Ouais. Ah, bah, je pense que c'est mieux. Il y a Victor qui nous conseille l'appli du Rex aussi, où il y a des jeux dessus. Ah ouais? Ah. Bah, écoute, on va mater. Merci du. Vas-y, on va regarder ça. On va faire des parties. Bon, on va faire un jeu alors dans un instant. Bah oui, on va jouer. Puisque Momo s'est inscrit. Après, il serait triste si on oubliait de faire le jeu. Ah bah attends, on va le faire. Je suis pas inscrit, non. Bah si t'es inscrit, non, Momo. Bah non, je t'ai noté. Regarde. Non, je peux pas bien mentir. Momo. Qui s'inscrit également? Qui veut jouer avec Momo? Non, mais... Allez, qui est involontaire? Faites un effort. Qui veut jouer avec Momo? Allez. Cédric, je t'ai entendu. Tu vas jouer avec Momo. Bon, l'entend bien. Oh, et Momo, regarde comme il est excité. Super. Et Cédric, t'excites Momo. Hein. Ah, ça va aller. Et voilà. Ah, tu kiffes. Hein, bon, bah, quitte pas Tom. Et donc, si vous voulez aider Tom, allez-y. 41 Sky, Skyrock.fm et 01 53 40 30 20. Je vois que ça télécharge l'appli sexe là-dedans. Ah, ouais, putain, ici, moi, je télécharge du Rex. On a un réseau de merde. La Marie, comment on a un réseau mais de merde? Mais moi, je suis sur la Wi-Fi. Moi. Ah, non, parce que. Ah ouais, mais moi j'ai pas la wifi, on m'a pas donné le code. Oh le pauvre, pauvre Romain. Durex n'est pas approprié à tous les âges. Ouais, mais ça c'est les trucs, c'est ce qu'ils mettent à chaque fois. C'est les t'as juste légal, à cliquer sur OK et puis bon, tu le télécharges quand même, quoi. Ouais. C'est ce que j'ai fait. Sinon, il existe les Uno Porno, je sais pas si tu connais, Tom. Hein. Les, ah non, les Uno Porno. Non, mais franchement, c'est pas mal, vous faites une petite c'est partie. C'est quoi Uno Porno? Bah, c'est Uno version porno. Mais c'est quoi Uno? C'est le jeu espagnol avec les cartes et les couleurs. C'est quoi ça? Et les motifs. Bah, c'est connu. C'est pas mal, ouais. Je sais pas, ils en vendent. C'est connu. Parlez-moi comme un débile. Non, c'est connu. Ah, t'as déconné quand même. Non, mais c'est un classique. Je me demande, c'est même pas le jeu de société le plus vendu au monde, je crois. Je sais même pas ce que c'est, moi. Non, mais c'est aussi, je sais pas, c'est aussi. Voiture, là, ouais, la Fiat Uno, non? Oui, non, mais tu ne joues pas avec ta voiture, là. Ah, pardon, Punto, c'est ça, voilà. Plus cher, oui. Ah, mais si, il y avait eu la Fiat Uno. Ouais, il y en a eu toujours. Ah, l'ancienne. Ah, je savais. Uno, c'est un jeu espagnol, là. Ouais, c'est un jeu de cartes, en fait. T'as des couleurs et des motifs. Putain, quoi, je sais plus comment ça. Ouais, par contre, la règle, je pourrais pas te l'expliquer, mais c'est. Mais ça gueule dans tous les sens. Non, franchement, c'est marrant. Action vérité sur une appli qui s'appelle Anri et c'est Boudouze qui conseille. On choisit l'option hot. Ouais, mais il y a plein de jeux sexy, ouais, sur. Il y en a un de vous quatre qui avait un iPhone. Ou alors les dés sexy, tu les fabriques, hein, en même temps, c'est pas un. Ouais, ou tu fais avec les papiers comme la Marie, ça coûte pas cher. Ouais, ouais, pas cher. Ouais. Non, mais si t'as un dé, tu vois, tu mets des petites étiquettes dessus et voilà, quoi. Bon, vous avez déjà fait des plans à plusieurs, vous nous dites, nous on va télécharger ça et on va jouer ensemble pour te montrer comment on fait, Tom. Mais l'idée du petit jeu avant de démarrer la soirée, ça te plaît? Ouais, c'est pas mal ça. Non, mais ça met dans l'ambiance. Oui. Sympa. Vous buvez un petit coup, vous mangez un peu, vous jouez en même temps. Et vous buvez aussi. Oui, on a déjà dit Marie. Et deux fois là. Oui, bah vous buvez deux fois. C'est comme vous le sentez. Et le jeu du bandeau. C'est quoi le jeu du bandeau? C'est Flo du 35 qui conseille le jeu du bandeau. Ah, il y en a un qui prend un bandeau et il touche les autres. Et il faut qu'il reconnaisse la personne. Vas-y. Vas-y. Ouais, 4, c'est ouais. Ouais, c'est un mec, tu sens direct et puis c'est une meuf. Bon, on va faire le test là dans un instant. Préparez-vous. Reste avec nous, Tom, et puis on attend vos témoignages, comme je vous le disais pour Tom. Vous savez que j'ai entre les mains. Ouais. Les résultats du clash de la drague. Ah! Alors. Ah, oh là là. Qui a gagné le clash? Qu'est-ce qu'il y a, Romano? T'as l'air d'être un peu terrorisé. Bah non, mais je sais pas. Tu penses avoir gagné, hein?
Ah bah j'espère ouais avoir gagné ouais. Pourquoi t'espères avoir gagné? Bah je sais pas parce que bon Cédric vu sa prestation j'étais quand même au-dessus ouais, quoi. Ça va. T'as l'air déçu de ta prestation Cédric. Ouais vite fait je sais pas les familles elles étaient pas réceptives. Elles ont pas été réceptives à ton idée de viens regarder la télé à la maison sur ma nouvelle télé. Ah, ce matin, nouveau mais film, le problème qu'il y a Cédric c'est que c'est ce qui est un peu inquiétant c'est que depuis début 2011 il y a aucune gueule. Famille qui a été vraiment réceptive. Ouais super. Non mais c'est vrai. Y a, tu t'y arrives pas quoi. Mais pourquoi tu me regardes Cédric là? Parce qu'il a très envie de toi, mais on joue pas tout de suite. Du calme. On va jouer dans un instant. Du calme les cochons. Les résultats du clash donnent la victoire ce soir à Cédric contre Romano. Qui va gagner? T'as eu peur? J'ai eu peur. Hein. Pourquoi t'as eu peur? Bah parce que c'est un peu d'elle qui gagne quoi. Donc donne la victoire à Cédric contre Romano. Qui va gagner? Ouais bon allez, vas-y, t'arrêtes ta comédie. Là. Le gagnant, c'est Cédric. Ou Romano. Il va donc gagner ce clash. Il se prend pour Benjamin Castaldi, quoi. À la télé, quoi. Il me donne les résultats dans Secret Story, que ça dure du guiplomb. Avec l'enveloppe et tout. J'ai l'enveloppe entre les mains. Oui, oui, t'as l'enveloppe, oui. Cédric, eh bien. Bon, dis. Peut-être tu vas gagner. Tu as. Tu as perdu, malheureusement, le clash. Oh. Romano, tu as gagné le clash. Le vainqueur est donc Romano. Ouais. Ah putain, ça fait plaisir quoi. Il est content. Tu vas bander. Il bande. Non mais Cédric, du cas avec Amelot. Non, hein. Non, j'ai le cul qui me gratte là. Ah bah gratte-toi le cul. C'est l'hémorroïde ça. C'est vrai. Ouais, ça me fait des fois. Il se frotte comme un chien sur son siège. Pourquoi tu te frottes comme ton chien là, derrière. Je fais le traîneau. Je vais me frotter un peu la nuit sur la moquette. Sur le sol. Je ne vois pas être ton caleçon après. Ah bah en ce moment il dérouille. Donc t'as gagné Romano, mais le pourcentage. Eh oui, le pourcentage des votes. T'aimerais faire combien? Bah franchement plus de 70. Plus de 70. Et Cédric, t'aimerais faire combien, sachant que tu fais moins de 50? Bah plus de 30. Plus de 30. Eh bien, il y en a un qui va être déçu, l'autre qui va être content. La victoire revient à Romano avec 71% ouais, de voix. Ouais. Et Cédric, 29. Eh ben, écoute, Cédric, pour ce que t'as fait, c'est pas mal. Ouais, franchement, ouais, c'est même, mais vraiment bien payé. Non, ça montre que vous avez été actifs, les soutiens de Cédric, parce que... soutien de Romano, faut pas lâcher l'affaire. Merci de m'avoir soutenu, la famille. 29% contre 71. Je sais, mes amours. Le prochain clash, je me rattraperai, la famille. Tu peux fermer ta gueule pour que je parle avec toi aussi. Parce que tu n'as pas le droit de faire une déclaration, tu es... Je déclare. Tu veux déclarer? Ouais. Vas-y, mets la musique. Mais merci de m'avoir soutenu malgré tout. Moi, je coupe la musique parce que c'est pas la tienne. Bah, oh, bah, genre. Il t'envoie des sons là. Je t'envoie des bruits de laser. Bon, vas-y, remets sa musique. Non, mais non, tu parles pas sur ma musique. Remets. Bah, non, mais non, tu parles pas, Cédric. Même. Vas-y, remets. Non, mais bon, je veux merci pas de m'avoir soutenu là. Pourquoi tu la coupes, Romain? Bah, parce que je veux pas qu'il parle sur ma musique. Non, il veut pas, il coupe. Bon, bah, vas-y, remets. Mais oui, mais il veut pas. Il va parler, il va déclarer. Bon, alors déclare, Romano. Je vais vous déclarer ce soir que je vous aime. Petit pain dans le vent, c'était vrai, mais... Il parlait comme un bon long, bon pogo, bon pogo, bon long, bon... Bon, ce soir, mes amours, merci de m'avoir offert cette belle victoire. Vous aussi, mais... merci de m'avoir soutenu, la famille. Je sais, vous êtes habitués à ce qu'on gagne tous ensemble, mais il faut jamais se relâcher. Voter Romano est plus fort que ça dès lundi. Ne relâchez pas, il a dit. Non, jamais se relâcher. Rendez-vous lundi pour le prochain clash en direct. À la famille. Bon week-end et je vous aime. Et dimanche, je vous conseille le clash de la drague du début de l'émission. Ça va vers 21h. En plus, soyez là dès le début de l'émission dimanche soir dans la spéciale, un clash de la drague collector à pas louper. Bon, reviens à Tom, là, dans un instant, sur Sky. Témoignage de Youssef, là, qu'on va retrouver avec nous, qui va nous parler de son plan à plusieurs. Est-ce que Tom voulait des témoignages? Eh ben, ça y est, les témoignages arrivent. Et puis, on va parler de la passion de Khalid. Il y a une passion Khalid, et il aimerait bien en faire peut-être un métier. C'est quoi, il va en faire un métier, Khalid? Hein, de quoi? J'ai pas entendu ce que je veux dire. Khalid. Ah ouais, c'est vraiment son truc qu'il veut faire plus tard. Ouais. Ah, il veut gagner de l'argent c'est avec son ça. Truc, ouais, voilà. Lui, il veut faire ça plus tard. Donc c'est une vraie passion, c'est comme si vous, par exemple, je sais pas, moi, Romano, tu kiffes la danse et que t'as envie d'être danseuse. Oui, par exemple. Et de gagner de l'argent en étant danseuse. Ouais. Donc vivre avec votre passion. Tiens, on va y revenir avec Khalid. Donc Youssef arrive, Tom, on s'en occupe. Et Rihanna et Drake, là, tout de suite sur Sky, c'est What's My Name. Et notre grand jeu aussi, on va jouer avec notre. Vous avez quoi comme appli? Ouais, alors attends, les DCXI, j'en ai du Rex, c'est jouer avec la bouteille du Rex, tu sais. Ah, d'accord. Voilà, ça arrive, c'est marrant. Elle télécharge une appli, elle tombe sur une appli avec une bouteille. Je peux la boire. Bon, allez, on va jouer avec Tom, là, dans un instant sur Sky.
Tous les soirs dès 21h, Difoulé sur Skyrock. Radio Libre. Radio Libre. Et Radio Libre en direct, 21h minuit sur Sky. Et un bon vendredi à vous tous et à vous toutes. Ça a bien démarré. Là, on a souhaité le bon anniversaire à Sopra. On a parlé de String en tout début d'émission. Vas-y. Là, on était sur le plan A4 de Tom's. Très chaud ce vendredi soir. Ah ouais, chaud. Hot, hot. Et on a eu aussi le clash de la drague que vous avez retrouvé il y a un instant avec même les résultats. Ouais. Résultat 71 pour Romano, 29 pour Cédric. Ah, ça, je supporte pas. Je vais t'enlever 30 points au clash de la drague. Pourquoi ? Bah parce que je supporte pas qu'on éternue. Ah, c'est pas mal. Ah, excusez-moi, je suis malade. T'es malade, je sais. Puis ta méthode de drague, c'était j'ai de la température, mets-moi un thermomètre. Ouais, c'est ça, et ça a bien fonctionné. C'est hallucinant que ça ait marché. Ouais, ouais, c'est hallucinant. Marie, un mec viendrait vers toi en te proposant de. Ah non, 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 je dis. De lui mettre démerdes. Un thermomètre. Tu vas chez le médecin, tu te démerdes. Oh. Elle va crever, tiens. Et non, pas va crever, mais enfin, moi, un mec que je connais pas, je me vois pas lui foutre son thermomètre dans le cul, tu vois. Va crever. Bon, et donc ça a marché pour toi, Romano. Ouais, bah ça a bien marché, bien. J'ai gagné, merci encore. Hein. Ouais. C'est ta potion, parce qu'on est dit, t'as trop de chance, là. Il y a plein de messages que vous laissez là depuis tout à l'heure. Eh ouais, j'ai une potion magique que j'ai bu juste avant le dernier appel, et ça a fonctionné, comme ça, tranquille. La potion est à vendre, à 500 euros. Bien sûr. Résultat garanti, vous en avez eu la preuve ce soir. Tu le, la veux, Cédric, pour le prochain clash? Non, ça va aller. T'as pas la potion de Romano, 500 non, euros. Ça va aller, je te jure. Pas cher, hein. Non, tranquille. Tu fais un prix? Ouais, je lui fais un prix, ouais. Ouais, je vois ça, tu m'arranges, ouais. 500 euros, bah, ouais, toi, je famille. Fais à 600, quoi. Ouais, bah, normal. Sympa, comme tout. C'est les soldes. Vas-y, ouais, tranquille. Bon, on va parler de la passion de Khalid, là. C'est peut-être là une passion que vous avez, d'ailleurs. Hein. Khalid, qu'on va retrouver en direct avec nous. Il y a des témoignages pour Tom et son plan 4, là, qui arrive. Il a peur de pas être à la hauteur, Tom. Ouais. Ah, tiens, on a nos jeux, alors. Parce qu'on avait proposé, Tom, pour toi, pour détendre l'atmosphère, un petit jeu sexy. Ouais. C'était une idée que j'avais eue en même temps que des auditeurs de Sky qui avaient laissé des messages. Tiens, d'ailleurs, à propos de ça, tout roule même. Qui nous dit, Romano, t'es un enfoiré. C'est moi qui donnais l'idée de l'appli des coquins. Genre. Je ne sais pas qui tu es, monsieur. Bah, c'est tout roule. Qui me parle? Je pense que c'est la personne qui nous a envoyé un message que t'as volé tout à l'heure. Non, mais j'ai rien volé du tout. Ça, faut arrêter, quoi. Les décoquins. Ouais. Alors, on peut jouer. Momo, viens voir. Alors, j'ai inscrit les deux participants. Hein. Momo et Cédric. Allez, c'est un style. C'est votre jeu. Bah, si, on joue. Bah, si, là, vous jouez à deux. Bah, alors, là, dans mon jeu, moi, c'est un genre de dé sexy. Sauf que c'est comme un jackpot. Tu sais, c'est des casques qui tournent. Alors, on a branché l'iPhone. Allez, Momo. Ouais. Alors, lance le truc, c'est qui? Alors, comment faut dire? C'est Momo qui lance? Non, c'est alors, attends, je. Alors, attends. Allez, Momo. Attends. Non, mais non, mais. Non, mais non, mais non. Donc, mais... en fait, c'est une appli que vous trouvez, et donc, vous pouvez jouer avec. Ouais. Alors, ça y est, Romano. Ouais. C'est parti. C'est parti. Donc, tu lances un truc, qu'est-ce qui se passe après? Démarrer. Donc, attends. Ah non, annulé. Voilà. Cédric, donc là on joue, Cédric va avoir une action. Ah, okay. Donc il y a trois colonnes. Il y a la première colonne, c'est par exemple caresser, embrasser, sucer, mordiller. Oh, t'es un ouf, toi. Ah bah c'est pas moi qui ai configuré. Non, moi, je suis avec Marie, moi. La deuxième colonne, c'est une des parties du corps, donc poitrine, pieds, mains, jambes, épaules, etc. C'est bien. Et la troisième colonne, c'est la durée, la durée que ça doit durer. Ouais, genre deux. Ouais. T'es pas con, toi. La durée que ça doit durer. Attends, c'est dingue. Hein. Alors là, Cédric, l'action va être pour toi. Donc, lance le dé. On peut pas commencer par la durée? Non, non, mais c'est direct. En fait, c'est les trois en même temps. Ah, d'accord. Là, je presse, les trucs vont tourner, ils vont s'arrêter au fur et à mesure. Ah, comme un jackpot, en fait. Exactement. Pareil. Allez, on lance. Attends, mais moi, je l'ai lancé le truc, ça m'a mis doigt sur ce que tu veux. Ah oui. Alors. Ah bah t'as de la chance, tiens. Massage des pieds pendant 40 secondes. Allez, alors allez. Cédric, il faut que tu masses les pieds de Momo. Il a les pieds dégueulasses. C'est bien tombé, ma gueule. Allez, Momo, t'as plus les pieds. Allez, il se masse les pieds. Allez. Non, non, je peux pas. Allez, le belge, respecte le jeu. Tu veux pas jouer? Non, mais je vomis. Bon, alors, on va relancer pour toi, Cédric. Alors, c'est encore pour Cédric. Prends une autre option. Encore pour Cédric, c'est parti. Ça tourne. 50 secondes. Mordiller le dos de Momo. Ah, allez, tu lui mordis le dos. Tu lui arraches les boutons avec les dents. Qu'est-ce qu'il y a, Cédric? Ah, j'ai envie de vomir. Non, mais fais-lui une fois. Vas-y, casse-toi. T'as déjà vu son dos? Il est dégueulasse. Il est pas pire que le tien. Comme je suis gentil avec toi, Cédric, je te laisse une troisième. Une troisième, mais c'est encore à Cédric de jouer. Non, mais fais-le moi avec Marie. Cédric. On va jouer avec Marie. Non, non. Alors, Cédric, ça s'arrête sur. Attention, Momo, prépare-toi. Massage de la poitrine pendant 50 secondes. Ouais. Tu vois ce jeu-là, papa, avec Marie, je veux bien le faire. Tu vas lui masser les seins, il n'y a mais pas de jamais de la vie, Marie, tu il est fou, lui. Marie, approche-toi. Vas-y, viens. Allez, Cédric, on le fait une fois pour Marie, pour toi. Okay. Allez, Marie. Alors, pour Marie. Non, mais c'est moi qui fais à Cédric. Non, c'est moi qui te fais.
Non. Déjà, Marie s'est embrassée les pieds pendant 40 secondes. Ah, tiens, bienvenue chez les gens. Genre, ils veulent me mordre, quoi. Non, non, c'est l'inverse. C'est vrai que tu dois baiser les pieds de Marie. C'est toi qui baisses les pieds de Marie, t'es une soumise. Oh là, ouais, trop bien. Voilà. Oh, soumise. Mais il est dégueulasse, ce jeu, en fait. Bah non, mais c'est ça, bah, t'es déjà sexy. Embrasse les pieds, vas-y. Je sais que c'est pour Momo, là. Allez, pour Momo. Alors, Momo, avec Cédric. Massage du bras, ouais, ça va, massage du bras pendant 50 secondes. On annule, on en fait une autre. Vas-y, hop, je refais tourner. Tac, 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 tac. Trop fort, c'est on dit, vous l'avez trouvé. Elle est sur l'iPod, non? Ouais. Sucer les lèvres de Cédric pendant 50 secondes. Ouais. Ça, c'est le meilleur. Il aura à manger, Momo, il y a des chips un peu. Il va te sucer tes lèvres. Il en est parti. Viens me lécher les lèvres. Viens le sucer. Vas-y, Marie, viens, on joue. Tu n'as pas sucé la bite? Non, non, on joue pas. Je sais pas si elle habite, parce que tu peux configurer les options. Attends. Un peu gore. Je vais mettre le truc plus haut. Mais des trucs bien dégueulasses pour Momo et Cédric. Alors, ça te plaît, ce jeu, Tom? Ouais, ça reste top là pour l'instant. Ça va. C'est pas mal, c'est cool. C'est non, mais pour bien démarrer. Mais la c'est une soirée. Entre en matière. Et ben voilà, oui. Ouais. Tu rentres en matière. Trop mort de rire, l'appli. Comment elle s'appelle? C'est laquelle? Alors, celle-là, elle s'appelle, attends, jeu de sexy. Jeu de sexy. Ouais, jeu. Plus loin des E, sexy, sur l'Apple Store, elle est gratuite, ouais. Très bien. Moi aussi, j'en ai trouvé une gratuite, c'est quoi? Candy Dice. Candy Dice, bon, oui, il y en a plein. Ouais, même truc. Bon, attends, bouge pas, parce qu'on a Youssef au téléphone, qui nous appelle en direct du 54, Youssef qui a 25 ans. Salut Youssef. Bonsoir. Pendant que Romano, il configure son. Alors, là, j'en ai une autre, elle est mieux, celle-là. C'est quoi? Alors, attends. Attends, bouge pas, Youssef. Chatouiller les fesses pendant 5 minutes. Ah ouais. Momo, chatouiller Momo. Chatouiller le cul, Momo. Qu'est-ce que chatouiller les fesses? Masser la bouche pendant 30 secondes. Et c'est quoi cette appli? Ça, c'est des sexy, ça. Ah. Masser le sexe en illimité. Ah, Marie vient masser le sexe. Ah non, ça fait non c'est Marie Momo. Qui masse le sexe. C'est ça, tu dois masser le sexe de Momo. Putain, Marie vient. En illimité. Ah non, non, mais je vais avec Marie. Allez, le belge. T'aimerais pas? Avec Marie. Allez, avec Momo. Marie masser le sexe, mais quoi? Mais non, mais masser le sexe, c'est pour Momo. Ah, t'es en fait. Caresser le sexe pendant 3 minutes, t'es allez, tout allez, seul. Allez, Marie, vas-y. Ah, celle-là, elle est plus sexy, sexe. Ouais. Ah ouais, elle est pas sexy, elle est hot. Embrasser le dos. Bon, là, c'est soft. Hop. Masser les oreilles. Ah bah, super. C'est sexy, ça. Embrasser le nombril. Oh, dégueulasse. Ah, son nombril qui sent le cul. Caresser le sexe en illimité. Ah, ça vient souvent, ça. Caresser les oreilles. Tu dois secouer le téléphone, quoi. Chatouiller le cou. En fait, tu secoues le téléphone et ça lance des ailes. Ça remue le truc. Chatouiller le dos. Chatouiller le sexe. Ah, tu veux chatouiller le sexe, Zizi, Moumou? Non, ça va aller. Ton petit Zizi. Ah, putain, il doit être dégueulasse. Masser les fesses. Quoi, il doit être dégueulasse? Tu dois transpirer et tout. Du sexe? Ouais, mais partout il transpire. Bon, Romano, ça y est, t'arrêtes de jouer. Là, lui, il est excité, là. Bon, et il y en a. Il a shooté sa canette, con. Et il y en a sur Android aussi, si vous voulez. Ouais, ouais, bah, de toute façon, il doit y avoir à peu près les mêmes. Ça, c'est les D-Sexy, ça. Il y a deux versions, soft et hot. Bon, alors, bah, tiens, rebonjour, Youssef. Ouais, bonsoir. Excuse-moi, bah, Romano était en train de jouer, était très, très excité avec son jeu sexy, là. Ouais, tranquille. Continue, là. Donc, t'as 25 ans et t'es dans le 54, toi. Ouais, voilà, 25 ans, toutes mes dents, direct du 54. En direct du 54. Bon, on te salue. Bien, bien. Cédric, on peut dire où tu es? Ouais, normal. Bon, t'es en prison, là? Ouais. D'accord. Au placard. Je suis sous la couette, là, pour vous parler, parce qu'il y a eu la ronde. D'accord, donc t'es caché sous la couette, ou t'es pas ça que tu fais t'en pas choper, hein, Youssef? Hein. Non, t'inquiète pas. Bah oui, fais gaffe. Bon, salut les collègues aussi, hein. Bonjour à ceux qui sont emprisonnés, enfermés actuellement. Tous les poteaux, la famille aussi. Et les filles aussi. Et les filles, parce que Fred, dans la semaine, il a été. Oui, il s'est fait enculer parce qu'on salue jamais les filles. Mais si, on pense à vous tout le temps, les filles. Il y a plein de filles. On ne pense qu'à vous, les filles. On est en CD partout, des grosses dédicaces à tout le monde. Bah oui. Moi, je dédicace à mon poteau qui est en CD aussi. À Khaled Le Gros. Je sais qu'il nous écoute là. Eh ben, salut Khaled Le Gros. Il a un bapon. Ah, il a un bapon, m'a dit. Ouais, il a un bapon. Ah, ok. J'étais le voir en plus il n'y a pas longtemps. Bah, moi, j'étais une big dédicace à ma femme qui est sur l'île, c'est l'île. Ça fait combien tu restes combien de temps encore, toi, Youssef? Bah, encore 2 ans, 2-3 ans. Ah, ouais, quand même. Ah, ouais, putain. Ah, ouais, bah, écoute, bon courage. Marie, bon courage. Bon, ben, j'espère que tu vas dire remise de peine. Non, mais les remises de peine, c'est automatique, ça, mais bon. Après, le reste. Bon, bah, bon courage à toi, en tout cas. Ouais, bon, alors, dis-nous pourquoi tu... Enfin, on sait pourquoi t'appelles pour Tom, mais qu'est-ce que tu voulais nous dire par rapport à Tom, les plans à 4. On était à 4 ce soir. Ouais. Deux garçons, deux filles pour Tom. Oui. Bah, en fait, j'ai déjà eu la même expérience. Mais sauf que moi, c'était pas un truc prévu, en fait, à la base. C'est-à-dire que tu t'es retrouvé dans une soirée ou avec des potes et des copines, et à un moment, c'est parti en freestyle, On a tout à fait. On a tapé une petite soirée, on a bu... Un peu de musique, génial. J'adore boire de l'aide. Je sais que Marie, elle aime bien boire. Ah, ça, ça je le confirme. Et puis voilà, on a tapé la soirée. Et puis les meufs sont venues à danser tranquille. Elles ont dansé.
Ouais, ah ouais, oui. Entre elles, tu vois. Et après, voilà, c'est parti. Hein. Et il n'y en a aucune des deux qui était votre meuf officielle, c'est juste des meufs comme ça. Non, aucune, c'était des copines, t'as vu, sans plus. Et après, bon, sauf qu'on ne s'est pas mélangé, c'est que genre. Chacun avait sa meuf. Voilà, tu vois. Mais d'un à côté de l'autre, on voyait et tout, tu vois ce que je veux dire. Ah, t'as vu ton pote en train de baiser la meuf? Ouais, voilà, normal. Mais les deux meufs, elles étaient bonnes? Ouais, elles étaient bref. Ah ouais, parce que Tom, je sais pas si t'as entendu, il y avait la Belle et la Bête, quoi. Oui, la Belle et la Bête pour Tom. C'était pas l'autre, la tortue, là, je sais pas comment. Non, tête de tortue, là. non, je sais pas. Bonjour. Oui, oui. Bonjour, on m'appelle. Oui, non, on t'appelle pas, non. C'est... Voilà. Dis bonjour à Youssef, tête de. Nous, on y est qu'un. Non, Youssef. Bonjour, Youssef. Elle a du mal à le dire. Ah, ben ça, elle a la bouche en vrac. Ah, c'est ça. Puis les yeux comme une tortue. Aïe, aïe, aïe. Non, et puis voilà, celui le truc, c'est que à la base, il ne faut pas trop calculer le délire. Enfin, toi, il faut y aller au feeling, pas trop se poser de questions. Voilà, tu vois, parce que plus tu t'appréhendes, plus tu calcules, et moins ça se passe bien, tu vois, parce que ça se passe pas bien après, je veux dire. Oui. Je veux dire, je sais pas, après, je sais pas, c'est qui ces meufs-là pour lui. Rien, hein. Oh, c'est rien du tout. C'est des... Elle représente rien pour toi, c'est des meufs comme ça. Ah ouais, c'est clair. Hein. Oui, c'est ça, c'est juste un petit coup. Ah, ouais, c'est un bon après, c'est un voilà, cul, tu vas au feeling, tu vois, si ça passe, ça passe, ça passe, ça casse, comme on dit. Hein. Et tu vis, je sais pas comment ça se passe quand tu baises à côté. Vous étiez vraiment à côté, côte à côte. Donc sur le même lit. Sur le même lit, normal. Donc quand tu baises à côté d'un autre couple, comment ça se passe? Tu vois ton pote accélérer, t'accélères toi aussi, vous faites des concours? Non, même pas. Mais tu regardes notre nana, non? Ouais, on se regarde, tout. Et puis c'était plus un délire, moi et mon pote, c'est-à-dire on tapait des barres, en fait, tu vois. Enfin ouais, ça vous est marré, c'est pour ça que je disais, il y en a un qui accélère, l'autre qui accélère aussi. Ouais, tu vois, non, on rigolait plus qu'autre chose, en fait. Bon, ouais, vous êtes bien marré. Ouais, voilà, quoi. Et vous avez pris votre pied aussi. Ouais, voilà. Absolument, ouais, c'est bon ça. Eh, vas-y, mais oui, absolument. J'ai ma femme qui m'écoute, elle va me tuer après. Donc c'était avant elle. Ouais, bien sûr. Bah oui, c'était avant elle. Bien sûr. Bon, bah c'est normal ça. Qu'on ait un passé. Hein. Ah, mais... bah ouais, tout le monde a un passé, ça c'est sûr. Ah oui, mais c'est comme ton mec, Marie, là, celui qui voulait t'arracher un bras, là. Ah ouais, non, mais même mon actuel, le passé, il supporte pas. Ah, il aime pas non plus? Ah non, mais les trucs du passé, il me les reproche tout le temps. Le truc, c'est que tu peux jamais changer ton passé en même temps. Bah oui. Il a qu'arrive avant, dis-lui. Ouais, mais je lui ai déjà dit. J'ai eu d'autres expériences parce que je suis déjà allé dans des clubs de relire échangistes. Ah, t'es un show, toi, Youssef, toi. Non, c'est pas ça, c'est que j'étais allé sur un club sur Strasbourg. Bah, y a pas de mal à se faire. Du bien. Et ouais. Bah, tant que tu fais pas de mal aux autres, y a pas de soucis. Ouais, hein. Il leur fait plutôt du bien, Youssef, aux femmes. Je vous rappelle qu'on a qu'une vie. Sachez-le, les amis. On n'a qu'une vie, il faut savoir en profiter. Mon Dieu, normal. Bah, oui. Ouais, après, bon, je sais pas trop quoi lui dire au mec, je sais pas comment le conseiller. Non, mais tu l'as déjà bien conseillé, Youssef, hein, le fait d'y aller, ça pose déjà une question. Notre idée de jeu, ça va. Qu'est-ce que t'en penses? Ça peut détendre un peu l'atmosphère pour aider à démarrer un peu? Ça peut le faire, après, faut voir si eux ils peuvent très bien se rencontrer, genre dans un appart aussi, mettre une petite ambiance. Non, mais c'est ce qu'il va faire, en fait. Ouais, exactement. Tom, il les reçoit. Après, bon, si les meufs, elles passent pas. Il y en a une qui passe pas, ça c'est clair. L'autre elle passe. Et donc, il y a du petit jeu, c'est pas mal. Bon, alors je vois Romano, que tu es très très excité avec ton jeu. Oui. Je peux dire un truc. Vas-y, Youssef. Si la meuf, c'est un tonneau sur pâte, ça va pas le faire. Hein. Voilà. Alors, ça lui fera très plaisir si elle nous écoute. Eric, Tom, parce qu'il l'a vu, lui. Eh ouais. Eric. Non, mais essaye, est-ce que ça soit ton pote qui l'a nickel? C'est pas un tonneau, quoi. Il y a deux, trois poignées, tu vois. On peut s'accrocher, mais. Ah, mais vous êtes dégueulasse, les mecs. Ah bah les mecs entre eux, bah on est comme ça, Marie. Hein. Bah vous vous gênez pas en plus quand vous êtes entre filles pour. Non mais nous entre filles, on le dit pas. Ah putain, t'as vu, il est tout chauve, hein, trop bien, il est trop chauve, hein, c'est trop bien, un peu les cas. Non, en général, quand on est avec un mec, c'est qu'on le kiffe, hein, on le dénigre pas. Hein. Oui, non, ouais, mais bon, là, c'était un. Non, là, c'est un plan cul, oui. C'est différent. Ouais. Bon, alors, Romano, tu m'énerves avec ton iPhone, tu joues dans tous les sens. Tu veux jouer avec Cédric? Bon, je le sens. Ouais, allez, non. Mais pourquoi tu veux pas jouer avec Cédric? Ouais, parce que moi, j'ai pas envie de jouer avec Cédric. Si, alors, on va jouer avec Cédric. On joue ensemble. Tu me fais le truc le plus sexy. Alors, vas-y. Alors, Romano, qu'est-ce que tu dois faire à Cédric avec le jeu? Alors, tu prends ton iPhone, tu secoues le machin. Ouais, c'est ça. Là, c'est le jeu des dés sexy, là. Vas-y, alors, vas-y, qu'est-ce que je vais te faire? Vas-y. Alors. Hop là, il lance des sexy. Ah merde. Quoi merde? C'est qui fait à qui là? C'est toi qui fais à Cédric.
Ah bah Cédric, il faut que je t'effleure le sexe pendant une minute. Oh. Elle est bien effleurée le sexe. Et il est content, rien. Ouais, elle était. Moi, je bande. Non, non, mais viens. Voilà, bande, voilà. Et en fait, on nous disait, mais c'est vrai en plus, que sur iPhone, c'était plus chaud, a priori, c'est version Android. Parce qu'iPhone, ils sont coincés du cul. Ouais, c'est ça, en fait. Un truc de cul. Ah bah parfois, ils enlèvent des applis parce que c'est trop cul, ou il y a des photos trop cul, ils sont trop cons. Ouais, ouais, c'est ça, en fait. Donc là, c'est vrai que les trucs, ça reste. Bon, effleurer le sexe, c'est déjà pas Android, c'est les autres téléphones. Ouais, ouais. Et en fait, ouais, c'est vrai qu'Apple, ils censurent vachement, quoi. Tous les trucs de cul, ils veulent pas, quoi. Ouais. Il y a pas d'appli de cul, ils baissent pas, Apple. Bah, ça, pour eux, quand même. Ça baisse pas, Apple. Non, ça baisse pas, Romano. Ah, bah, ça fabrique des téléphones, mais ça ne baisse pas. Ah, bah, c'est bien triste. Bah, oui. Allez, je relance une petite fois. Voilà, attention. Ah, putain, encore effleurer le sexe. C'est le truc, il est bloqué ou quoi? Bah, c'est. Caresser le sexe, bah, après, non, bah, j'en plus. Qu'en fait, ton. Faut que j'éjacule. Le sexe, ça, bah, putain. Eh ben, Romano, tu vas t'amuser avec le zizi de Cédric. Jusqu'à ce que j'éjacule, en fait, le truc. T'es content? J'ai tué. Oh, ça devrait pas être très long, Cédric. Oh, bah, là, apparemment, déjà trois fois, hein. Non, mais bon, te connaissant, ça va, ça vient vite. Bah, viens, on essaye déjà, on verra. Tu vas lui effleurer le sexe, t'auras la main toute mouillée, Romano. Allez, viens là. Et après, je te le caresse. Toute mouillée, toute gluante. T'as encore caressé le sexe pendant 5 minutes. Bah, non, mais c'est ça, bah, voilà. Caresser le sexe. Embrasser le dos. Ah non, ça, non, on va peut-être s'arrêter là. Allez, on finit. Allez, viens lécher. Fin de la partie. Bon, ben merci Youssef, en tout cas, du coup de fil. Hein. De rien, normal. Et puis on salue tous ceux qui sont. Qui sont enfermés. Qui sont avec toi. Vraiment, vous êtes combien dans la cellule là? Non, je suis dans la cellule individuelle. Ah, c'est bien, putain, t'as l'air. Ah ouais, c'est cool, t'es tout seul. Ouais, ben, plus ou moins, on va dire ça, t'as vu. Hein. Ah, c'est cool, ça dépend si tu tombes. Ouais, si tu es tout seul tout le temps. Ouais, ouais, t'as vu, la journée t'es ouverte, t'as vu, CD. Ouais, les... ah, c'est cool, le CD, ouais. C'est plus cool que la. Voilà, tu vois. Bah, bon, c'est plus adapté pour les longues peines aussi, t'as vu. Ouais, voilà. Ça n'a rien à voir avec la maison. Tu sais, moi, j'étais parti voir mon pote. J'ai un permis de visite pour aller le voir. Il m'avait raconté, il m'a dit là-bas, tu sais, genre les mecs qui. Même des fois, tu peux même sortir ta table de ta cellule. Et sur le couloir, t'as les mecs qui mangent ensemble et tout. C'est normal. C'est détente, tu vois. C'est détente. Ouais, quoi, c'est détente, ça reste à prison quand même. CD, ça veut dire quoi, CD? C'est centre de détention. C'est centre de détention. Moi, en fait, le délire, c'est que. Genre, t'es pas enfermé toute la journée, en fait. Ouais, voilà. T'as même la clé de ta cellule. Tu fermes normal et tout. Genre, tu vas aller en promenade, tu peux fermer ta cellule. Moi, j'ai les mecs qui laissent leur cellule ouverte. On bat les couilles. Ouais, voilà. Si tout le monde se connaît, ça délire entre eux. Quoi. Après, la mentalité aussi, tu vois. Faut voir aussi les gens qu'il y a, tu vois. Ah bah, au moins, la peine, elle passe plus cool comme ça. Ouais, elle passe plus cool, tu vois, bien sûr, normal, tu vois. Bah, ça reste de la prison, quoi. Ouais, ah oui, voilà, ça. Ouais. Mais après, t'as vu, t'enfermes le soir à 19h et t'ouvres le matin à 7h, t'as vu, ça fait ta place soirée dans la cellule, après, voilà. Bon, bah écoute, bon courage à toi. C'est gentil de nous avoir appelé, Youssef, en tout cas. Bon courage, poto. Ouais, bon courage. J'avais un truc à dire par rapport au clash de la drague. Ah, vas-y. J'avais un petit truc parce que je écoute souvent, tu vois, mais j'ai remarqué quand Cédric il parle, vous parlez toujours. Alors là, c'est pas vrai. Toujours, mais toujours. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure, Romano? Bah, tu as parlé sur mon appel et moi j'ai rien dit. Voilà. Ouais, non, mais attends, une fois sur 10, ça va encore. Non, mais attends, on parle pas tout le temps sur son appel. Youssef, il est attentif, c'est bien, Youssef. Merci de ton soutien, poteau. Et ouais, Cédric, il parle bien tout le temps sur mes déclarations. Romano, il est pas content. Ah, non, je suis pas content. Mercredi, là, je vous ai écouté aussi, là, quand même, clash de la drague. Ah, je méritais de gagner, non? Ouais, voilà, il méritait de gagner, vous avez fait la même. Ah, bah ouais, mais il s'est fait baiser. Tu sais, c'est ce que tu fais. Dis à tous tes potos là qui sont en CD, qui ont un téléphone, de voter CEDRIC au clash de la drague. D'accord, prochain clash, il faut soutenir la famille. C'est normal, la famille. Ceux qui sont enfermés, votez Cédric au prochain clash. Votez Romano. Et toutes les filles aussi. Monsieur, je vous aime. Ouais, voilà. Bon, bah, merci Youssef. Hein. Voilà, mais merci à vous. Bon, on va t'envoyer un maillot. Ça. Alors, je sais pas, on te l'envoie le maillot. Ouais, je... à ma femme. Non, on va l'envoyer chez sa famille. Voilà, ouais, très bien. Voilà. Et bon, bah, voilà. Big dédicace à vous. Bah, merci. La pêche, comme on dit chez nous. Ouais. Et à la prochaine, Charles. Et bah, quand tu veux, Youssef. Vas-y, courage, poteau. Merci, les gars. Et raccroche pas, on va t'en prendre tout de suite. Ouais, oui, on t'en prend tout de suite, on va pas te faire galérer là. Salut Youssef, ciao. Bon, bah, merci pour les messages, pour le jeu. Là, merci pour le témoignage, Youssef aussi. Le jeu, c'est bien. Ouais, c'est bien. Ah, Tom, c'est bien le jeu. Ouais, c'est pas mal. Au moins, ça détend l'atmosphère. C'est pas mal, ouais. Je vais rester sur le jeu de la Marie, là, tu vois. T'aimes bien l'aider. Ouais, ouais. Aussi, l'aime bien l'aider. Il arrête pas de jouer avec l'aider. Non, mais ça y est, j'arrête. Il doit sucer, caresser, et sentir le sexe. Et effleurer, ouais. Effleurer. Et lui embrasser le dos après. Et lui embrasser le dos. Voilà. Oh là, embrasse-moi le dos. Oh non, Cédric, on va faire plus haut. On va le faire plus haut. Bon, allez, on te souhaite bonne chance pour. C'est quand? C'est mardi?
Mercredi soir. Mercredi. Est-ce qu'on peut, tu peux donner des nouvelles pour Jean Poche la semaine prochaine. Coup, Pierre, appelle-moi mercredi soir, comme ça ça passerait. L'autre, elle te dira ce que ça a donné. Ah, tu veux qu'on t'appelle pendant que tu baises? Ah ouais, carrément. Bah écoute, juste après, quoi, juste après. Ah, le débriefing. Bon, alors... Juste après ou juste avant, on sait pas quand bah, après, ça va tomber. Hein. Bah, après, comme ça on sait si. Vers 11h. Si bon, vers 11h mercredi soir. Notez bien le rendez-vous. Mercredi 11h dans l'émission. Vas-y. On te passe un coup de fil sur Sky, Tom. Allez, pas de problème. Bon, j'espère qu'on t'aura déstressé, puis vas-y, tranquille. Bande de bien. Allez, ouais, bande de bien. Ah, vas-y, t'inquiète, vas-y. T'inquiète. Ah, comme Samy sur l'OM, tu fais. Ouais, voilà. Voilà, pareil. Faut bander, mon gars. Bon, salut, Tom. Pas de problème. Allez, merci beaucoup, l'équipe. Et on t'aura toujours ton maillot, hein, Tom. Ciao. Ouais, pas de problème. Ciao, merci, bye-bye. Salut à toi, ciao. Bon, alors, la passion de Khalid, on va s'en occuper. Et il me semble que j'ai oublié un truc. Oui, les inscriptions pour le loto-foot. Top inscription l'autofoot. C'est parti. C'est parti. Vous vous inscrivez sur le 41 Sky, le skyrock.fm. Alors, la première journée de Ligue 1, c'est ce week-end, avec tous les matchs samedi, sauf un dimanche, hein, d'après ce que j'ai vu. Et tous les matchs demain, 21h. En même temps. Voilà, tous en même temps demain. Skyrock est premier sur le foot, bien sûr. Bien sûr. Je vous donne les matchs de ce week-end, les matchs qu'on va pronostiquer. Alors, il y a le match. Auxerre. 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 T'as bien fait, ça marche pas. Alors, ça marche pas, voilà. Auxerre, en effet, Romano. Auxerre joue contre qui? J'ai donné un indice. Auxerre, Monaco. C'est ça. Après, il y a Brest. Nouvel entraîneur. Oui, c'est vrai. Brest, Caen. On a Lens, Saint-Etienne. Ah, le match des deux meilleurs supporters. Enfin, des deux meilleurs. Qu'est-ce que tu vas trouver à dire, là? Bah, c'est les meilleurs supporters sont à Lens et à Saint-Etienne. Ah bon? Eh bah, putain. Eh bah, si. Bon courage, les gars, alors. Alors, Lens contre Saint-Etienne. Lyon, Lorient. Montpellier, Valenciennes. Nice, Lille. PSG, Sochaux. Allez, Sochaux, la famille. Rennes, Arles-Avignon. Toulouse, Nancy. Et OM, Bordeaux. C'est un peu un classique, ce match. Et c'est quoi, c'est... vous jouez contre qui, Saint-Etienne, vous? Nous, Lens. On joue contre Lens à Lens. Ok. Et on attend les Bordelais. Et Samy attend les Bordelais, ouais, au Vélodrome. Dimanche 21h, ça fait bien plaisir quand même. Bon, alors, qui va faire l'autofoot avec nous? Bah, parmi vous qui vous inscrivez, un ou une, hein, vous inscrivez sur le 41 Sky, un ou une d'entre vous fera l'autofoot avec nous tout à l'heure, et les autres pourront le faire sur le blog. Ouais, c'est bon. Et c'est bon. Sur le blog, il y a eu une fois depuis le début du l'autofoot, une, 10 sur 10. Un sans faute, 10 sur 10. Et quand vous faites un sans faute sur le blog, eh bien vous gagnez votre console ou votre iPod, c'est au choix. Ouais, ouais, au choix. Ouais. C'est ça qu'on offre. Ouais, c'est ouais. Ça pour le meilleur. Voilà, pour le meilleur ou la meilleure. Donc l'autofoot à faire tous ensemble, ou sur le blog ou en direct avec nous. Profitez pour vous inscrire. C'est maintenant les premières inscriptions pour le l'autofoot, bien sûr. Bien sûr. J'ai envie de casser du cul ce soir. Inscrivez-moi pour le l'autofoot. Bienvenue, mon pote. Viens. Nous dit Vicious sur le 41 Sky. Benji qui dit: je m'inscris pour le l'autofoot. Je rêve de t'exploser, dit Foul. Ah, tu sais, en effet, Benji, que je suis le roi du l'autofoot, bien sûr. Dit Foul, c'est le roi du l'autofoot. En effet, j'ai gagné précisément 52 000 lotofoot depuis la naissance du lotofoot. Et voilà, c'est Lifoul, c'est le roi du lotofoot. Vive le roi. Merci, merci Romano, merci. Lifoul. Oui, merci, ouais, les filles. T'es trop beau. Je suis nouveau, à quoi ça sert le lotofoot? Ah bah c'est pour voir si on est des bons pronostiqueurs, bah ouais, footballistiques. Mais bon, tout le monde a le droit de participer, même si vous y connaissez rien du tout. Hein. Bah Cédric joue. Bah Marie, ouais, aussi, bah, elle, ouais, elle a déjà gagné des lotofoot, Marie, en plus. Ah ouais, plus d'un. Ouais, je l'ai laissé gagner. Non, mais c'est vrai, en plus. Non, mais j'avoue, c'est vraiment des coups de cul. Bah, je t'ai laissé gagner parce qu'en plus d'être bon au foot, meilleur pronostiqueur du monde, je suis également galant. Ouais, bien sûr. Bon, évidemment. Donc c'est parti pour vous inscrire. Alors on le fait d'ici, allez, un petit quart d'heure, le lotofoot. Et sinon, on va parler de la passion de Khalid qu'on a au téléphone avec nous. Eh ben tiens, ça va faire plaisir à Samy. On file à Lyon, Samy. Un Lyonnais. Eh oui, un Lyonnais. Salut Samy. Salut. Non. Bah, non, salut quand même, Samy. Et salut Khalid. Salut. Salut mec. Comment ça va, Khalid? Ça va, vous? Ben écoute, ça va bien, Khalid. T'as 16 ans, Lyonnais, c'est bien ça, hein? Ouais. Bon, ouais, bah, bien. Bah écoute, bienvenue à toi. Alors, on va essayer de découvrir tous ensemble la passion de Khalid, et il veut en faire son métier. Quelle est sa passion à Khalid? Quelle est sa passion? Je sais pas, tu veux être acteur de cul? Alors, on va commencer tout de suite. Je m'attendais à un truc, je sais pas, t'aimes les voitures, tu veux faire mécano, par exemple. Croque-mort. Alors, avant croque-mort, je vais répondre à la question de Romano. Alors, je réponds non. Et tu ne veux pas être porn star? Tu ne veux pas être acteur de cul, hein, Khalid? Star du X. Non, pas acteur de cul. Marie a proposé autre chose de super. Croque-mort, non, mais vu la voix que tu avais, je me suis dit peut-être croque-mort. Bon, Marie. Eh ben là, tiens, je suis très désagréable.
c'est pour ça. Mais c'était endormi un peu au standard. Il était intimidé, ma langue. Tu intimides les hommes, Marie. Bon, alors donc, c'est pas ça. Pornographe. C'est quoi, comment pornographe? C'est acteur, réalisateur? Porno, non. Pornographe. Non, non, je peux pas. Tu veux être footballeur? Non, c'est plutôt dans la musique. Tu veux devenir rappeur? Non, non. Producteur. Non. Tu fais des sons. Danseuse. Danseuse étoile. Chorégraphe. Tu veux être danseuse. Tu veux faire comme Non, non. Y a qui comme danseuse? Kamel Wally, tiens. Ah, super. Non, tu veux être manager. Manager. Ah, genre, ouais, agent de producteur. Non. Non plus. Mais DJ. Ah, bah ouais. Musicien. Eh voilà. C'est la chance du cocu, il arrête pas de trouver les trucs. Bah non, c'est intelligent. Ta meuf, contrairement à toi. Ça va, t'as je peux passer un truc là, vite fait. Vas-y. Juste pour dire que Youssef qui est passé juste avant moi, il a complètement raison. Ah, sur le clash, tu parles? Bah écoute, mais vous en avez pas marre de vous plaindre, les soutiens de Cédric? Est-ce que c'est normal, Romano, il a perdu? Est-ce que t'exprimer? Est-ce que mes soutiens se plaignent? Bah non, ils sont contents à gagner. Bon, bah, ils vont se plaindre. D'ailleurs, je vous embrasse, mes petits amours. Mes bras, qu'est-ce que je vous aime ce soir? Moi, j'ai envie de vous dire que je vous aime. I love you. Très bien. Don't forget that. Merci. Complètement amoché. Ça l'a mis dans un état, la victoire. Ah, je vous aime. Bon, qu'est-ce que je vous aime? Devenir DJ. C'est peut-être une de vos passions, vous aussi. Les DJ, DJ. On va voir, tiens, dans un instant, on va reparler avec toi. Tu bouges pas. Reste avec nous, Khalid. Et puis, si vous avez une passion, vous aussi, pour la musique, le sound. Le bon sound. Voilà, ou si vous voulez être DJ, on compte sur vous pour vos messages. Et puis, on va retrouver Khalid, le loto-foot dans un instant. Soprano, qu'on va se mettre d'ici une demi-heure, le haut téléphone pour lui souhaiter un bon anniversaire en Guadeloupe. Soprano, il est en Guadeloupe. Ouais, pour un concert là-bas, ouais. Bon, on va l'écouter, mais juste avant, là, le son qui arrive, c'est Faris Movement et Like a J6. D'ailleurs, ça déchire, ça. Eh bien. Soir, 21h, défoulé sur Skyrock. C'est Radio Libre. Souleyman des Hauts-de-Seine qui dit c'est pas Black Eyed Peas. Non, c'est pas Black Eyed Peas. Faris Movement. Vient de Los Angeles, Faris Movement. Bon, énorme ce son, t'as raison, Cédric. Un message de Maxou, là, sur SMS. J'aime bien Like a J6. Ouais, c'est bien ça. Elle déchire trop cette musique pour le Portugais. Bonjour Portugais. Fifi, 16 ans Haute-Seine, pareil, déchire cette musique. Like a J6, voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas encore. Phare, plus loin, East comme l'Est, et plus loin, Movement comme des mouvements que je fais là. Voilà. Voilà. Faut que je danse là-dessus. Bon là, moi je fais des mouvements là. Je coule du cul là, bon là. Merci Cédric. Bon là, danse du ventre. Voilà, Like a J6 sur Sky et Soprano qu'on écoutera tout à l'heure, là, d'ici 20 minutes, une demi-heure à tout casser. Hein. Soprano et Hiro. Et bon anniversaire à Soprano, on en parlait déjà ce matin là, dans l'émission. Hein. Bon, sinon, alors, et puis on l'a eu au téléphone tout à l'heure en Guadeloupe, Soprano, là ce soir. 29 degrés. Ouais, et c'est son anniversaire. 29 degrés en Guadeloupe. Il fait un petit concert là-bas. Voilà, tranquille. Bah, il a bien choisi, ouais. Bon, on salue tous les Tunisiens qui nous écoutent, là, les Tunisiens de France, les Tunisiens de Tunisie qui peuvent nous réécouter ce soir. On a eu des messages d'ailleurs. Ça fait plaisir de vous retrouver là. Big up les Tunisiens et les Tunisiennes. Et puis bon, bon courage à vous. J'espère que ça va bien se passer pour vous pour la suite, là, même si c'est un peu un saut dans l'inconnu. Il y a une révolution en Tunisie, là. Oui, oui. Changement de président. Président, oui, il est parti. Il est parti dans un avion. Il va atterrir, non? Je sais pas. Non, mais je pense qu'au bout d'un moment, il va atterrir, oui. Je crois qu'il est en France. Alors, Marie, en effet, c'est pas con. Eh oui. Quand t'as plus de carburant, il vaut mieux que t'atterrisses, sinon il y a un souci. Exactement. On me dit que la France ne l'a pas accueilli. Mais il va aller où? Bah là, pour le moment, il va vers le golfe Persique. D'accord. Et pareil qu'il est au Qatar. En avion. J'avais entendu parler au Qatar. Non, apparemment, il y a des diversions. Bon, bah écoute, voilà. Ouais, ouais, en fait. Attention, les dernières infos sur Skyrock. Ah, mais à la base. Bien sûr, hein, musique. Ah. Oui, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir à tous, bienvenue sur Skyrock, bien sûr. Alors. Premier sur l'info. Information sur le président tunisien. Paris a refusé que. En fait, il vienne en France, quoi. En fait, ils veulent pas s'emmerder avec ça. Voilà, ouais. Ils ont refusé l'accès au sol français au président tunisien. Merci de cette info. Une info. On exclut, on peut le dire. Waouh. On exclut, bon. On exclut, il y a 4 heures. Non, 36 minutes. Ah, ok. 36 minutes, c'est Google Info. Info en exclu sur Skyrock, Google. Ouais. Bon, bah en tout cas, bon courage à vous tous qui habitez en Tunisie et qui nous écoutez. Ouais. Et qui, les Tunisiens. Alors, a priori, ils seraient en route vers Dubaï selon une information qatari. Ah, bah voilà, je savais qu'il y avait du Qatar dans le truc. Voilà. Ouais, donc a priori, ils sont en direction de Dubaï vu que c'est faire caler par la France. Merci pour cette info, Romano. Et voilà, fin du journal. Bon week-end, bonne soirée. Merci. Bon
Bonsoir. Bonsoir. Bon, alors, j'étais en train de regarder les messages pour Khalid, là. Alors là, DJ Khalid. Oui, alors, il y a quelqu'un qui nous laisse un message sur SMS qui s'appelle Julien du 95. Salut Julien, 19 ans. Mmh. Romano peut-être conseiller l'auditeur qui veut être DJ, car lui-même est DJ, il me semble. Ce n'est pas lui, DJ Pédo. Ouais, non, alors ça, c'est quand je fais, des soirées, quand je fais des... C'est pas le pseudo de Romano, Khalid. Non, mais ouais. Horrible, c'est quoi ce nom horrible? C'est DJ Pédo, c'est super! Non, mais c'est pas ça du tout. C'est comment tu t'appelles? Non, mais j'ai pas de nom, et surtout pas DJ Pédo. Si je t'avais trouvé un nom. DJ Mano. Ah, super, c'est ça que j'avais trouvé. DJ Mano, comment tu trouves comme nom DJ Khalid? Non, bah, choisis entre Pédo et Mano, je préfère largement Mano, tu vois. Non, moi je préfère Cédric. DJ Main. En fait, c'est Mano, c'est la main. DJ Cédric. Ça a pas l'air de te plaire. C'est vrai qu'il a déjà son jingle d'arrivée. Ouais, c'est ça. Il arrive sur la piste de danse. L'ambiance va être folle. Bon, bah, il n'est pas le seul à être folle. Elle n'est pas la seule à être folle, l'ambiance. On rigole. Non, mais déjà, tu fais des trucs ou c'est genre, t'as envie de faire ça, mais t'as du matériel et tout ou... Non, j'ai pas de matos à part mon PC, mais je t'ai vu. Je me fais des films le soir, t'as vu. Je me lance avec DJ Hero et... Ah oui, t'as DJ Hero à la maison. C'est ça qui t'a donné envie de devenir DJ? Non, c'est surtout, j'ai vu Cut Killer dans La Haine. Quand j'ai vu le film, t'as vu le film La Haine et Cut Killer dedans? Ouais. Ah, et t'écoutes Cut Killer tous les samedis soirs et t'aimerais bien lui prendre sa place? Ouais, dans 10 ans, je pourrais taper Romano. Voilà. Bah écoute, si tu veux. C'est gentil. Mais oui. Non mais ouais, déjà il faudrait que t'achètes du matériel. Justement, je voulais avoir des conseils par rapport au matos parce que je l'ai vu, je sais pas quoi. Eh ben ça coûte cher. Ah, alors ouais, tout de suite le point de vue économique toujours intéressant. Non mais c'est vrai que ça coûte super cher, hein, ça. Des platines, faut quoi, 2 platines et une table de mixage. Ouais. Ah bah c'est un minimum. Hein. Romano est blanc de platine? Non, pas du tout. Vous croyez qu'il est des choses? Non, mais il faut acheter des platines CD, quoi. Vinyles les vinyles, ça. Romano s'habille en vinyle et il est blanc de platine, comme c'est des donnes. Non, mais les vinyles, c'est quand même pas mal utilisé encore par les DJ. Hein, c'est pas... Les DJ. Les DJ. Les DJ. C'est vrai que maintenant, il y a les petites platines de CD, là. Non, mais t'achètes des platines CD, déjà, comme ça, les CD, tu peux les graver, tu peux télécharger des sons, ça te coûte pas cher, quoi. Parce que avant, avec les vinyles, il fallait les acheter, les vinyles bien chers. Ah, ça. On va parler des platines MP3 aussi. Ouais, platine MP3, oui, c'est pas mal, ouais. Mais bon, après, faut avoir des sous. Parce que ça coûte cher. Cher. MK2 Technics plus RAN plus Serato. Bon, on ne comprend rien, mais c'est un petit conseil qu'il vient de te donner. Alors, je vais expliquer. C'est le message de Mora du. En fait, les platines, c'est les. Et je sais pas si vous allez en bois, vous avez vu ça, ils ont tous ça, les platines CD, en fait, avec une espèce de galette dessus. C'est ça, ouais. Et en fait, c'est le même. Et tu peux tourner en chez les logiciels, ça. Ouais. Et Serato, c'est un logiciel, en fait, pour mixer des MP3. Exactement. Voilà. Tu peux les mettre au tempo et tout ça. Ouais. Donc, mais tout ça, t'en as pour facile 2000 euros, quoi. Alors, attention, d'autres nouveaux mots. Un Serato, tu peux choper par quelqu'un d'autre. Hein. Une UC33. Yeah, ça, je sais pas si c'est... Alors, c'est DJ Bédo, là. J'en sais rien, moi. DJ de B2, là. Non, mais j'en sais rien, UC33, je connais pas toutes les références des platines. Uh-huh. Non, les plus connus, c'est les pionniers, là. Les CDJ 2000 ou les 3000. Ah, ça, c'est les platines CD, bah, ouais. Ça, c'est les platines CD. Et après, bon, faut acheter une table de mixage. Mais je te dis. Ouais, tu peux mixer avec les platines vinyles hein, si tu veux. Ouais, mais bon. Ça, c'est un peu old school, non? Eh non, mais les platines à ton Serato, pareil. Cédric, il est. Non, mais le truc, c'est que maintenant, les DJ, en fait, ils utilisent c'est beaucoup quoi, c'est les. Qui fait qu'ils peuvent c'est Cédric, spécialiste des râteaux, on peut le dire. Ouais, un peu, ouais. Ah, ça, Rato. Non, mais les DJ. S'il te plaît, ouais. Donc, Serato, c'est une marque S-E-R-A-T-O, c'est ça? Ouais, S-E-R-A-T-O. En fait, c'est un petit logiciel qui permet de balancer les sons de ton ordinateur, prendre tous les métros dans ton ordinateur, les convertir sur, de façon à pouvoir les mixer sur ta platine. D'accord. Non, mais en fait, t'as deux platines virtuelles, quoi, sur ton ordinateur. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Avec tes MP3, comme ça, tu peux mixer, tu peux les. Et pas cher les MP3. Parce qu'avant, il fallait acheter tous les CD ou il fallait acheter tous les vinyles pour les mixer. Et bien cher, maintenant, tout ça. Tu télécharges juste les sons, en fait. Et gratuit, tu peux ça. Le mixer gratuit, ouais. Voilà, on a pris un cours de DJ, là, ce soir. C'est pas mal. Et comme ça, tu fais des économies. Télécharge sur ton ordi le site Virtual DJ, gratuit, pas cher. Arthur Carré, qui lui aussi s'amuse à être Virtual DJ. Et il y en a plein, d'ailleurs, qui laissent des baisers. Oh, ma voix est partie toute seule, vous avez vu? Ouais, ouais.
Bon, bah alors. Beaucoup d'émotions, il y en a plein qui nous laissent des messages et qui aimeraient bien être DJ, là. Virtuel DJ encore pour Max du 71. Ah, il y en a plein qui sont sur Est-ce que vous connaissez le CDJ 4000 de Pioneer? Ouais, c'est la petite qui dit Romano tout à l'heure. CDJ 4000, c'est platine CD, ça coûte 1000 euros. Ouais, bah, c'est un investissement. Après, tu vas faire avec, hein. Il y en a, ça va jusqu'à 1007, je crois, 1008, l'année dernière. Avec la toi, avec les trucs gratuits, tu l'as, Virtuel DJ, toi, Khalid? Ça, c'est marrant, Virtuel DJ, c'est bien. Oui, je l'ai, Virtuel DJ. Ouais, mais c'est pas pour Scratch, c'est tu peux pas le faire. Bah, non, la souris, tu scratch. Non, mais ouais, le problème qu'il y a, c'est que si après tu veux mixer dans des soirées, il va falloir que t'aies. Voilà, c'est ça. Les mecs, ils auront tous les platines CD, donc si t'arrives et que tu sais pas t'en servir, tu vas un peu passer pour un con. Ouais, ouais, t'es Virtuel DJ. Non, mais pourquoi tu. Il y a des gens qui peuvent me conseiller par rapport aux platines pour commencer, genre les moins chers ou. Bah, t'achètes deux cases. Non, mais nous, ce qu'on peut faire, j'avais une petite idée, mais une petite idée qui parfois, une petite idée peut être géniale. Ouais. Alors, c'est quoi? C'est le cas, en effet, une idée géniale. On peut peut-être te mettre en contact avec Cutkiller. Cutkiller. Ouais, au moins, il te conseillera, lui, ouais. Cutkiller, il peut te conseiller, puis je sais pas, il a un crew, Cutkiller. Il avait des DJ qui tournaient avec lui. Ouais, si, si. Donc, on peut te mettre en contact avec Cutkiller, puis tu l'aimes bien. Pas de problème. Est-ce que ça te ferait plaisir? Est-ce que ça te ferait plaisir, Khalid, que l'on te mette en contact avec Cutkiller? Est-ce que mon idée est vraiment géniale? Eh oui, elle est géniale. C'est magnifique. Magnifique. Tu sais, lui, il expliquait qu'il avait commencé à mixer comme ça. Tu sais, regarder les autres mixer. Tu sais, regarder les autres DJ. Et là, on se regardait les autres mixer. Et puis mixer dans sa chambre après, quoi, tu vois. Et voilà, comme ça. Et après, petit à petit, bah, il s'est fait son nom. Magnifique, Ah, magnifique, vous avez entendu? Magnifique, tu es magnifique. T'as pas ton appareil dentaire aujourd'hui, Cédric? Je l'ai là, mais je l'ai retiré. Tu l'as mis où? Tu l'as retiré? Ah, Samy, il était. Ah, c'est vrai, ouais. Ah, bah, non, le bel. Ça s'entend de toute façon. Dans sa petite boîte. Quand il l'a. Hey. Hey. Et donc voilà. Et bah, sinon, ouais, on nous dit, va sur Clubic et tu télécharges plein de sortes de platines sur ordinateur. Ouais, c'est un site de téléchargement, ça. Bon, bah, un petit tuyau. Je sais pas si c'est légal, hein. Faites gaffe, quand si, même. Si, si, bah, c'est genre comme télécharger.com, tu vois, c'est des logiciels gratuits, quoi. Conseiller, je finis ta phrase, si tu veux, Khalid. Oui. C'est ça. Le refiler des platines, sinon non. Ah oui, refiler. Ah non, j'étais pas dedans, donc j'étais pas sur les conseils. Moi, j'étais sur les conseils, c'était pas les conseils. Donc, si vous avez des platines que vous voulez vous en débarrasser, mais je crois que DJ Pedo a des platines à la maison. Ouais, bah, mais quoi, le seul truc, c'est qu'elles sont, elles sont à Skyrock, donc je peux, oui, effectivement, te les revendre. J'ai fait un petit peu de recel. C'est sympa. Même ici, dans la radio, on en a quelques-unes, des bons modèles, les tout derniers. Ah, tu vas choisir. Oui, au moins. Tu peux les offrir. Je te les vends, mais on va s'arranger. Très très gentil, Romano. Vous savez que Romano, il mixe pour moi le vendredi matin. Oui, je fais des DJ sets pour Diffoul. DJ set. juste après le morning. Et Diffoul, il danse avec moi. Je lui demande des sons, il mix. Et voilà. Un jour, je lui ai demandé Faris Movement, il avait même pas ce naze. Non, mais je l'ai maintenant. Ah, ça y est, tu l'as. Ça y est, j'ai téléchargé. Prochaine fois, je demande au DJ Faris Movement, tu pourras me mettre Faris Movement. Tu vois, je télécharge. Télécharge. Voilà, je télécharge. Donc, des fois, il faut attendre que les gens les mettent sur les sites. Gratuit, vous voyez ce que je veux dire. Bah évidemment, ça, on sait bien que tu vas pas payer le truc. Hein. Non, mais j'ai pas dit ça non plus, Marie, mais j'attends que les gens, il y a des gens, des fois, ils mettent les sons comme ça, ils sont gentils. Ils sont gentils. Ah, il y en a un qui l'avait pas encore mis là. Ah, voilà. Gentil, maintenant je l'ai récupéré. Donc ouais, non, mais c'est bien d'être des DJ, tu pourras t'éclater avec des potes, tu pourras peut-être gagner de l'argent aussi. Hein. Bah ouais, tu veux. Les grands DJ gagnent de l'argent. Hein. Ah, après, il y en a pas beaucoup. Hein. Donc on va te mettre en. Et il y a DJ, une application excellente qu'on nous donne. Je sais pas si elle est sur Android. Il y a même des trucs sur iPhone. Sur iPhone. Il y a des platines virtuelles. Bon, après, c'est pas, tu vas pas mixer en soirée avec ça, mais. Sur un iPhone, c'est un peu pété, quoi. Mais Serrano, tu peux récupérer par quelqu'un d'autre, hein. Ouais, non, mais tu l'avais sur mon Mac. Non, mais d'accord, Marie. Non, mais pour le logiciel, là, il faut avoir un boîtier, sinon ça marche pas, hein. Bon, ben voilà, quelques conseils, et je peux également te mettre en contact avec DJ Bado. Non, mais on va te mettre en contact avec Cutkiller, ce sera mieux. DJ Bado, également un DJ très, très, très connu, internationalement connu. Ah, bah, c'est gentil. Bon, on te donnera des références. Bon. Non, mais sinon, t'es où sur Paris? Lyon. Lyon. Non, mais il doit y avoir des magasins, tu vois, de. Qui ne saute pas, n'aime pas. À Lyonnais. Bah. Non, mais tu vas dans des magasins, tu sais, il y a des magasins de Sono, ils vendent du matos, des platines. Il y a des magasins de Sono? Non, j'adore. Il est où le magasin de Sono? Tu vois, tu. Ou alors sur Internet, et là, il y a des mecs qui vendent des platines d'occasion et tout. C'est vrai que tu peux récupérer du matos pas cher. Ouais, t'achètes des vieilles platines pour commencer, tu vois. J'ai fait le tour des boutiques, mais c'est cher quand même. Ah, ouais, c'est cher. Ah, ouais, ça, le matos, il est cher. C'est quoi ton nom de DJ? Moi, j'en ai pas, justement, je veux en avoir un. DJ Khalid? Ah, bah voilà. Déjà, DJ Khalid. Comment tu veux te vendre en soirée si t'as pas de nom, quoi? DJ Kaka. Non, DJ K. DJ K, ça doit déjà exister, mais ouais, ça existe. Par contre, DJ Kaka, je suis sûr que personne n'a pris ça. DJ Kaka, non? C'est aussi. Mais en fait, c'est Jeff K. DJ Khalid. DJ Khalid. Je crois que ça existe déjà, DJ Khalid. Ouais, peut-être, ouais. C'est déjà pris, oui. Il y en a un qui me disait que c'était déjà pris, DJ Khalid, d'ailleurs. Ah, ben voilà. Non, mais vaut mieux mettre une. Comment ils ont commencé, les gens qui font des soirées, tout ça?
parcours, genre. Ah bah bon courage. Combien, hein. Alors, combien il touche. Bah à mon avis, tu fais peut-être des petites soirées peut-être pour tes potes au début. Ouais, mais il y a tellement de DJ que. Ça dépend du nom du DJ, hein. Je sais pas, quel killer il doit prendre pas mal. Ah bah d'accord, mais parce que. Ah, Cut, c'est si fait, tu nous écoutes, dis-nous combien tu prends. Non, mais Cut, maintenant il prend parce qu'il s'est fait et puis il a eu plein de moments de galère. Non, au début, à mon avis, c'est tout le monde, bah oui. Après, mais ce qui est pas mal, c'est pour commencer, c'est genre. T'es quoi, t'es étudiant? Je suis au lycée, moi, quand je suis en école. Ouais, au lycée, mais tu fais les soirées. Je sais pas s'il y a des soirées. Soirées de ton bahut. Les soirées de ton bahut, ou ouais, après. Par exemple. Les anniversaires. Les soirées étudiantes pour les facs et tout. Ouais, tu des vois, trucs gratuits au début. Tu cherches pas à prendre de l'oseille, mais bonne tu vois, idée. Pour te faire la main. Ouais, ah, bah, toi, juste, tu cherches à prendre de l'oseille, ils prendront un mec qui est gratuit. Donc, non, mais surtout, après, il y a le bouche à oreille, tu vois, quand il y a des petites soirées un peu plus privées et tout, ils vont penser à toi, ils vont t'appeler. Tu vois, il faut faire du relationnel. Bon, du relationnel. Moi, je me souviens, j'avais vu un reportage au début quand il commençait à être connu, David Guetta. Il prenait 10 000 euros pour faire un set en boîte en France. Ah, quand même. Ouais. Et c'est 2 heures, je crois. C'était 3 heures. Ah, bah ça va. Non, il a 30 ou 40 minimum, 30 000. Voilà. 30 000 euros les 2 heures. Ouais. Minimum. 15 000 euros par exemple, ouais, 30 000. En fait, il travaille 2 heures par mois et. Non, mais non, pire que ça, le mec, il peut prendre jusqu'à. Il y a genre. Tu sais quoi. Même, il travaille 2 heures par an, il est tranquille. Non, mais tu sais ce que. Mais pire que ça. Mais le mec, il prend des fois 100 000 euros pour une soirée. Non, mais il peut. Mais des fois, il en fait même plusieurs dans la nuit parce que par exemple, il en fait un minuit à 2 heures. Après, il a un jet. Il prend un jet, il va par exemple à l'autre bout du pays. Il en fait une autre encore 2 heures, genre de 4 heures à 6 heures, et il a pris deux fois 10 000 euros. Dans ouais, quoi. Après, des mecs comme ça, il y en a 10 dans le monde. Ah ouais, ouais, c'est clair. Et encore, Romano. Et encore. Non, mais oui. Et encore. Et encore. En même temps, bon, il a raison de prendre le pognon, 100 000 euros la soirée. Ah, vas-y, pas de problème. Ça fait rêver, hein, Khalid. Ah ouais, ça. Eh ben, c'est tout ce qu'on te souhaite. Ouais, là, tu pourras t'acheter des platines bien chères. Bon, ah bah là, je pense que même les marques, ils te les offrent. Ils te payent pour que tu t'en sers. Ils te donnent. Oui, c'est vrai. Bon, ben, on te met en contact avec. On dit David Guetta, il a bossé comme un dingue. Et on te met en contact avec Cut Killer, nous on va faire ça. Hein. Ouais, ouais, bah ouais, ouais. Bah ouais. Bon, bah tu nous tiendras au courant, puis j'espère que ça se passera bien pour toi, Khalid. Merci du coup de fil en tout cas. Hein. Merci à vous, je peux passer un petit dédicace. Allez, vas-y, on speed Khalid et on attaque le loto-foot et il y aura la pesée aussi à faire avant minuit, et puis peut-être vous aussi en direct. Hein. Tiens, j'aurai un petit conseil pour un achat là. Un petit conseil pour un achat de 2 roues pour Ewan qu'on va faire aussi. Alors dis-nous, petite dédicace, Tony. Tony, c'est qui Tony? Tony, c'est celui que j'ai tiré au loto-foot. Ah d'accord, Khalid, alors, petite dédicace et on appelle après Tony après. Une dédicace à mon pote Khalid et à Poulic, à Iker, toute la avec. Merci à Samuel de m'avoir fait passer. Bonne chance, DJ Khalid. Et bien, c'est noté pour le prochain Clash de la Drague. Et voilà, on a bien noté. Merci la famille. Et sinon, on peut te mettre, il y a aussi le DJ de La Fouine, DJ Battle. Oui. Lui, il a été élu meilleur DJ 2008-2009. Et ben, on en parlera à La Fouine. Il sera bientôt l'invité de Planète Rap là, d'ici. Donc lui aussi pourra te conseiller, d'ici je pense. 15 jours. Eh ben très bien, ben voilà, t'as bien fait d'appeler Sky ce soir, Khalid. Eh ben voilà. Ouais, parce que si je peux l'avoir aussi, il n'était pas de problème. Eh ben on y va, alors c'est parti. Ben merci Khalid, et puis merci pour les messages que vous avez laissés. Moi j'aurais appris plein de trucs en platine, en DJ, en tout ça là. Eh ouais. Très bien. Et des vieilles platines, tu peux en trouver à 50 ou 100 euros chez Eurocash. Message de Christo, c'est quoi Eurocash? C'est les trucs, les dépôts-ventes en fait. Dépôts-ventes. En fait, c'est comme Cash Express, Cash Converter. Cash Converter. En fait, t'emmènes des trucs dans le magasin, ils te les rachètent et ils les revendent quoi. Ouais, pourquoi voilà. Tu enlevais tes yeux à lunettes? Non, parce que j'avais l'œil qui me grattait. Ah ben j'ai eu peur. Romano, il avait plus ses yeux à lunettes. Ah oui, j'ai soulevé, oui. Mais c'est bon, je les remets. Bon, on a Tony là pour le Loto Foot qui a été tiré au sort. Merci pour toutes les inscriptions du Loto Foot. Et si vous n'avez pas été tiré au sort, j'imagine qu'il y en a plein puisque c'est Tony qui a été tiré. Vous pouvez le faire sur le blog ledifool.skyrock.com et vous nous laissez un numéro de téléphone pour celui qui arrive ou celle qui arrive à voir les 10 matchs. Si jamais vous gagnez, ouais, 10 matchs. Ouais, eh bien, il y a une console qu'on file. C'est arrivé une fois hein, depuis le début du Loto Foot, pas souvent. Hein. C'est mais bon, difficile. Allez-y, vos pronostics, on les attend. Et puis, juste avant de prendre Tony et le foot, une question que je vous pose, comme ça vous laissera le temps de répondre. Est-ce que vous aimez les deux roues déjà? Ouais, bah, ouais, les scooters. Ah ouais, moi j'aime bien. Ouais. C'est quoi, scooter ou moto? Moi je déteste ça. Ouais, mais toi, t'as un blocage psychique. Non, c'est pas ça, c'est que il voit deux roues, ça lui fait péter mais un non, câble. Non, c'est pas ça, c'est que c'est dangereux, donc il aime pas le truc. Pourquoi t'en as pas quatre? Bien dit, Marie. Ouais, c'est ça, mais je me suis fait engueuler, moi, la dernière fois. Voilà, j'aime pas les deux roues. Comme une merde, hein. Ouais, ouais, bah après, faut faire gaffe, parce que c'est pas comme une voiture, t'as pas de carapace. Ah, bah ça, c'est clair. Il y en a plein qui kiffent, hein. Je comprends, mais moi, j'aime pas les deux roues. Je vous le rappelle, on a qu'une vie, il faut savoir en profiter. Non, mais t'as pas de carapace. Une voiture, bon, c'est dangereux aussi, hein. Mais bon, t'as pas de une carapace, comme ta torture, Romano, ta copine. C'est ça, pareil. Non, mais ouais, parce que ouais, quand tu tombes en scout, c'est le corps direct qui mange. Ah, tu quoi. Manges bien. Ouais. Ah, bah, sauf ton ex, la tête de tortue, elle avait une carapace. Ah, ouais, bien pratique, elle se retournait, puis. Et hop, sa carapace. Elle glissait. Ah, c'est vrai, les scouts, si y a une voiture qui te rentre dedans, elle te rentre mais dedans. C'est dangereux. Une voiture, s'il y a une autre voiture qui te rentre dedans, elle rentre dans la tôle. Bah, y a, oui, la carapace.
carapace qui est autour. Ouais, c'est vrai, ça. Bon, alors. C'est pas faux. Cette petite parenthèse étant refermée. Oui, fermons la parenthèse. Je vous lis le message d'Ewan. Bonjour au Grandifoule. Ok. Wow. Et bonjour à Marie, la déesse du cul. Oh putain. La déesse du cul, ça j'avais jamais encore entendu. Eh bien, il te dit bonjour. Ouais, c'est bonjour, charmant. Monsieur Ertan. Ouais, c'est très classe. C'est Ewan. Ewan. Alors, je voudrais avoir l'avis des auditeurs et votre avis pour faire un choix qui est le suivant. Dois-je prendre un scooter ou une 50? Alors déjà, on va expliquer la différence entre un scooter et une 50 pour ceux qui n'y connaissent rien. Tu connais, Marie? Bah, le scooter peut être 50 aussi, mais une 50, c'est une petite moto 50, quoi. Bon, alors, entre un scooter j'imagine. Ou une 50, si possible. Quelle marque? Car c'est dans un mois mon anniversaire. Putain, tu vas être gâté, toi. Ah, ça va, ouais, putain. Ça te met bien. T'as de la chance, Ewan. Merci d'avance. Oh, mais il a même laissé son numéro. Tiens, essaye de l'appeler. Je sais pas si c'est pas trop tard, mais enfin. Notre motard. On va appeler donc, on va voir si Ewan est joignable. Sinon, vous pouvez donner votre conseil. Qu'est-ce que vous préférez? Alors, qu'est-ce que vous préférez? Tiens, il y en a un qui dit, Vespa, là. C'est qui? C'est une fille. Vespa. Ouais, c'est joli, les Vespa. C'est chaud. Bah, ça, je trouve ça super, les Vespa. Ah, bah, pourtant, tu vois, il n'y a que deux roues. Ça ne te fait pas péter un câble. Ah, putain, si, faut en mettre deux autres. Alors, Eddie Fool, les scooters à trois roues. Ça, moyen. C'est vrai, il y a deux roues devant, non? Ouais, deux roues devant et deux roues derrière. Ouais. Non, ça se trouve, ça vilain, et puis t'as pas de carapace non plus. Mais t'as les scooters aussi avec la carapace là où tu sais, t'as l'espèce de toit là. Une ceinture. Oui, et puis quand t'es derrière là, quand il y a le passager, ouais. T'as pas l'air con parce que le passager il est obligé d'englober en fait la carapace. Ah bon, il se met pas dans la carapace? Non, il est derrière la carapace comme un con, il fait un câlin à la carapace. C'est très joli. J'ai jamais vu ça. Ah, mais celui-là, par contre, celui-là coûte grave cher. On l'a vu avec des foules en voiture. Oui. C'est assez drôle. Oui, t'as l'air d'un con derrière. La boutique est ouais, en fait, là-dessus, t'as pas de casque, t'as une ceinture de sécurité comme en voiture. Quand t'es sous la carapace, si t'es derrière, t'es obligé d'en avoir un. Bon, je pense qu'il va pas prendre ça. Non, mais ça c'est moche, t'as raison. Bon, c'est quoi mieux, un scooter ou une petite moto 50? Bah ça, après, c'est vraiment au goût de chacun, quoi. Bah voilà. Il veut savoir nos goûts. Ah, moi je pense que... Romano, tes parents, pour ton anniversaire. Ouais. Il approche. Oui, c'est vrai, ouais. Il est content. Oui, oui, bah c'est, ça fait toujours plaisir hein, d'avoir des cadeaux. Je vais t'offrir un très beau cadeau comme tu m'as offert cette semaine. Attends, je t'en ai même offert deux. Un peu d'air. Que j'ai eu. Bah, t'as eu... Rien. Un gâteau. Oui. Dans les conseils pas chers. J'ai toujours pas mangé d'ailleurs. Mais bon. Mais il a été gagné virtuellement dans les conseils pas chers. Non mais il faut que j'aille le chercher. Et puis une télé pas plate. Bah je l'ai toujours pas vu la télé pas plate. Non mais ça pareil, il faut aller à Strasbourg, je sais plus où, en Alsace. Bah, alors je l'ai quand. Bah là j'y vais, je pars cette nuit là. Bien sûr. Après l'émission. Bon, alors tes parents ils t'offrent un scooter, tu le prends? Bah ouais, mais je le prends, mais je le revends, moi. Je suis une voiture. Ah ouais. J'ai fait de l'oseille, quoi. Ah, mais j'ai une voiture, moi. Donc, ouais, puis ouais, moi, scooter, j'en ai eu. Bon, admettons. Je me suis, tallé deux, trois fois. Ça se voit. Merci. Tu t'es raflé la tête. Non, même pas, non. Quoi, une fois, je suis tombé comme une merde, ça glissait, et j'ai fait un dérapage, on s'est vautré. T'as eu peur? Non mais ça va, c'était pas trop. C'était sur une place, en fait, c'était des dalles de merde et il y avait plus et ça glissait. Mais ah ouais, j'étais avec la gothique et elle est tombée. Voilà. C'est cassé tous les deux la gueule. Elle était contente. On s'est vautré la gueule comme des grosses merdes, quoi. Non mais tu vois, bon. Tu l'as caressé après pour la consoler? Bah ouais, j'ai dû caresser un peu la jambe, tu vois. Et une autre fois, je me suis pris l'arrière d'une bagnole. T'as pas freiné? Non, en fait. Le mec, il a freiné, Romano, il était là, tranquille, pépère derrière, boum. Là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que. Non, mais c'est con, le mec, il met pas son clignotant. Ce con, il freine. Non, c'est que le mec, en fait, tu sais, il a tourné brusquement et le mec, il a pas mis son clignotant, quoi. Tu t'es arrivé vite, quand même. Ouais, j'arrivais derrière et en fait, je me suis mangé l'arrière de. J'ai le genou qui a tapé. Moi aussi, j'ai cartonné dans le pare-choc, je me suis vautré et il y a un mec qui a fait me rouler dessus, quoi. T'as cartonné en tout, Cédric? Ah, moi, ouais, mais il a cartonné avec le scooter de Romano, non? Ça se voit, ouais. Bah, j'ai déjà niqué le scooter de Romano une fois. Et tu t'es niqué la comment gueule. T'avais réagi d'ailleurs, toi? Ah ouais, mais non, parce qu'au début, Cédric, c'est un comique, vous vous êtes rendu compte. Le mec arrive à la radio, je lui avais prêté, je sais pas, il avait une course à faire, il me fait, oh, tu sais, il m'avait déjà mangé le cerveau pour que je lui prête. T'arrives tranquille dans le couloir de la radio en chantant. Et là, le mec, il me fait, oh là, bon, il y a eu un problème avec le scooter. J'ai fait, ouais, super, Cédric, allez, ta blague, j'ai fait, rends-moi les clés, mon casque, et il me fait, non, sérieux, je fais, ouais, t'es lourd, là, Cédric, je fais, allez. Il me fait, non, je t'assure, viens voir, oh, bon, il y a un problème. Et là, je descends, effectivement, c'était pas une blague. Il y avait un souci. Il y avait réellement un problème. Il y avait une vignette. Non, mais il voir sa gueule à ce coup. Mais il m'a niqué tout l'avant, quoi. En fait, surtout qu'il avait en plus laissé le casque sur le. Non, sur mais ouais. Scène, alors, le meilleur de tout, c'est que le mec, en montant à la radio, laisse un casque. Le casque, il le laisse, genre, sur le siège du scooter dans la rue, quoi. Mais il y a un mec qui l'est passé, s'est barré avec. Donc, Cédric, bilan, m'a niqué le scooter. Donc, tout l'avant était foutu. Il avait pour, genre, 300 euros de réparation, même plus, je crois, 350 euros. Et le mec, en plus de ça, m'avait, c'était fait
piqué un de mes casques. Voilà. Super. T'as pleuré. Galerman, quoi. Non, j'ai pas pleuré, mais par contre, j'ai demandé de payer. C'est que le mec il demande même pas si tu vas bien, si t'as pas mal ou quoi. Il dit oh tu payes, toi tu payes, j'en ai rien à foutre, tu payes. Ah ouais, mais t'as le mec, je dis, ah, tu l'avais dit, il t'avait dit comme ça. Ah bah ouais, moi j'ai direct, je l'avais dit. Ouais, mais tu vois, tu vas payer, hein, j'en ai rien à foutre, hein, tu payes, t'as cassé, tu payes. Hein. Ah bah ouais, c'est clair. T'as cassé, tu payes. Bah le lendemain, il était au garage, je faisais faire un devis, j'avais amené le devis au belge. Hein. Attends, je suis désolé, je te le prête, tu me le rends bien. Moi, deux mecs, si ça va, tu vois, le mec qui vient. Ah, je voyais ça allait. Non, il dit tu payes. Sur le coup, j'avais été un peu salopard, j'avais même pas demandé ouais, ça va. J'ai dit ouais, alors, à la foutre, tu veux que tu payes. Mec, je viens de cartonner, je suis déboîté, le mec. Gigotait avec ses petits bras. Ah ouais, mais grave. Ah, j'étais énervé. Il payait pas. Non, mais jusqu'à ce qu'il descende. Il a les bras qui gigotent partout. Non, parce que je savais, au début, je pensais que c'était une blague, tu vois. C'est le belge, j'aime bien faire des blagues à la con. Bon, là, il y a un problème. C'est bon, Cédric, ta blague, elle est lourde. Bon, là, un problème. Ouais, je suis arrivé en bas, il y avait un sérieux problème. Ouais. Bah, tu m'étonnes. Ah, bah, il roulait plus, hein. C'est moi qu'on puisse dire. Mais tu l'as plus jamais rien prêté. Si. Si, j'avais dû lui reprêter après, parce que moi, vu qu'il avait payé les réparations, tu recasses, tu repayes, quoi. En haut, c'est comme ça, c'est la règle. C'est plus recassé, en fait. Bah alors, qu'est-ce qu'on prend comme, alors, il veut savoir. Vous nous dites, ça nous laisse le temps de réfléchir. Donc, un scooter, lequel, si vous avez des idées, dites-nous. Au moment où il va regarder tout ça, il va nous dire. Et, sur SMS, sur net, vous dites. Ouais, ou une 50, petite moto 50. Ouais. Qu'est-ce que vous prenez? Sur un scooter, c'est une 50. Moi, j'y connais rien, mais je prendrais une Vespa, parce que c'est joli. Ouais, tiens, ouais, c'est joli, ouais. Ceux-là, ils sont grave chers, hein. C'est la classe. C'est ouais, d'occasion, il y en a d'occasion. C'est ce que ça veut dire, Vespa, je l'avais déjà dit dans l'émission. C'est guêpe, non? Ouais, guêpe. Voilà, ça ressemble à une guêpe, un peu. Ça ressemble à une guêpe, la Vespa. Mais Vespa, il est bon, 50 cm3, c'est pas sûr, hein. Si, oui, c'est si, 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 bien sûr qu'ils font. Ah, jamais vu. Bah oui. Mais par contre, cher. Cher. Ah ouais. Mais lui, c'est pas lui qui paye, donc, il paye les chers. Bon bah dites-nous et on va faire un petit bilan là dans un instant pour Ewan. On fait le loto foot avec Tony qu'on accueille tout de suite. Et puis on écoute Sopra. Ah oui, on avait promis. Soprano bon et Hiro pour son anniversaire là. Bon anniversaire Sopra. Eh oui, bon anniversaire. Total respect. Zéro limite. Radio Libre. Tous les soirs, 21h, sur Skyrock. Et en direct tous les soirs, 21h minuit, vendredi soir, premier loto foot de l'année. On va le faire dans un instant avec Tony. Tiens, on va lui dire bonjour à Tony, il est là. On va s'occuper de la moto d'Ewan aussi, juste après la moto, le scoot d'ailleurs. On va voir ce, qui, ouais. ce que vous lui avez conseillé. T'es là, Tony? Ouais, je suis là. Tony, t'es où? Du 95, toi? Ouais, c'est ça, ouais. Ah, t'as été tiré au sort pour le loto foot, toi qui as le privilège. L'honneur. L'honneur, ça. De nous affronter, quand même. Ça a bien l'honneur. Ah, ouais. L'honneur de faire le premier loto foot avec nous, d'ailleurs. Un premier loto foot de cette année 2011. Je sens que cette année 2011 sera bonne pour moi au loto foot. C'est le roi du loto foot, c'est l'Ifoul. Je vais vous donner un petit conseil. Allez prendre un papier, un crayon, et si vous voulez gagner des millions notez d'euros, mes pronostics. Oui, exactement. Notez les pronostics que je vais vous donner dans un instant. Ouais, voilà, ouais. Participe à ce loto foot, bah, toute l'équipe, et puis toi, Tony, tu soutiens à quelle équipe, toi, Tony? Moi, je suis pour Paris, moi. Toi, t'es pour Paris, quoi. Ici, c'est Paris, chez Tony. Ah, Romano. Ouais. Tu déchires au clash de la drague. Merci, Tony. Arrêtez avec le clash de la drague, c'est fini. Merci. J'ai annoncé le... Enfin, la voix de la raison, quoi. Vous allez me réexciter, Cédric. Alors? T'as vu, il s'est fait piner ce soir. Ça y est. N'oublie pas que tout à l'heure, j'ai du soutien aussi, mon pote. Ah, et Romano qui fanfaronne. Ouais, ouais, moi, je suis content. Il va se la raconter, maintenant. Depuis 2011, aucune défaite. Ok, ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. On est parti pour battre des records, mes amours. Parce que je vous aime, musique. Parce que je vous aime ce soir. J'ai encore envie de vous le dire. Merci pour la victoire de ce soir. Merci pour toutes les victoires de 2011. Allez, merci. Et ensemble, on va faire des grandes choses en cette année 2011. Moi, je vous remercie de nous. Parce que je vous aime. Et l'autre va fermer sa gueule. Alors, Mano. Elle a le droit de faire des déclarations comme ça en plein milieu. Bah, oui, c'est vrai, ça a tout le droit de faire des déclarations. Parce que la musique de merde. Parce que je vous aime, allez. Parce que j'ai trop d'amour. Ouais, c'est ça. Bon, alors, essaye d'être meilleur que Romano au loto-foot, en tout cas, Tony. Hein. Ouais, bah j'ai essayé. Hein. Bon, alors, tu quittes pas, Tony. On se prépare pour loto-foot. T'as un conseil à donner pour Ewan qui hésite entre scoot et une moto? Vroom. Ouais, bah, scoot, c'est plus sûr. Après, s'ils veulent modifier tout, hein, scoot, c'est mieux. Après, s'ils préfèrent les motos pour se taper des bords, autant qu'ils prennent la moto. Hein. Ouais, on nous dit que la moto, c'est plus rapide. Tu sais qui disait ça, là? Regarde, prends un 5. Un 50, c'est un 50. Mais c'est pareil, dans tous les cas, ça va. C'est pareil. Un scooter ou une moto. C'est pas plus léger, une moto? Bah non, mais un 50. Ah, je pense que c'est même plus lourd. Hein. Plus lourd. Mais c'est un lourd. C'est lourd comment?
Comme Cédric, hein. Non, ah, ouais, ouais, presque autant. Voilà. Non, t'as des bécanes qui sont plus légères. Tu vois, les motos, c'est plus léger qu'un. Putain, moi, j'y connais rien, moi. Ah, moi, j'y connais rien, mais j'ai déjà vu une moto 50, et comme c'est petit, je trouve, ça fait un peu jouer de gamin, tu vois. Mm-hmm. Parce qu'une moto, en général, c'est pas un 50, tu vois. Donc, bah, c'est les gros cylindriques. Quand t'as une grosse cylindrique à côté, tu vois le modèle en 50 cm. Ouais, ça fait petit. Un peu ridicule. Ah, bah, ça fait kiki. Ouais, tandis qu'un scooter, bah, c'est la taille d'un scooter normal. Mais ce qui est bien, c'est que sur les motos, c'est que t'apprends à passer les vitesses, donc tu t'entraînes si tu veux passer. Si après, tu veux le permis moto, quoi, tu vois. De toute façon, t'es obligé de faire un stage maintenant. Ouais, bah oui. Même pour un scooter, t'es obligé de faire un stage. Ouais, ouais. Moto 57, vous conseillez. Alors, Difool qui voulait un Vespa, Difool qui n'a pas des goûts de luxe, j'ai été voir sur un site internet. Ça m'irait bien, un Vespa. Un Vespa 50 cm cube. Bon, là, en ce moment, il y a des promos parce que c'est les soldes. Mais prix de base, c'est 2500 euros. Ouais, mais quand même. Tu en as des scooters à 1000 euros, quoi. Alors qu'un scooter, un vrai, c'est un bon scooter, c'est 1500 euros, quoi. Ouais, ouais, mais les Vespa, ouais, tu payes le design. Ouais, quoi, le la marque. Siège en dingue et tout. Bon, alors, il y en a plein qui proposent Vespa. Regardez, Osimo du 33, Vespa. C'est 50, c'est mieux. Derby pour Moto, ouais. Voilà, vous, je dis en vrac les messages, j'y connais rien, donc je vais lire ce que vous nous dites. Mais Derby, je sais 50 pas si cc, qu'est-ce que c'est ça? 50 cm cube. Ah, cm cube. Petite moto. Rami, une Derby nous propose. Mais je sais pas si d'ailleurs, Derby, vous proposez soit, vous avez proposé Derby, Yamaha, Aprila, Honda. Ouais. Pour les motos. Pour les, ça, c'est ouais, les marques de bécane. Et sinon, pour les scouts, Nitro, Booster, Vespa, Peugeot, Typhoon. Typhoon, Typhoon. Ouais, Typhoon. Typhoon, c'est les modèles. Ça, c'est un modèle. Ouais, ouais. C'est quoi? C'est le MBK, Nitro aussi. Ça, non? Nitro, c'est MBK aussi. Kawasaki MBK. Nous dit ça. Kawasaki, ça, c'est MBK, 94. C'est bien. Kawasaki, c'est bien. C'est charmant. Il y a eu plusieurs qui disaient MBK, c'est le top pour Sony. Ouais, MBK, ouais, ça, c'est les scooters. C'est les ouais, comme Typhoon, Nitro, tout ça. La DT50X. Une DT50X de Yamaha. Le meilleur pour commencer. Hugo qui conseille. Bah, c'est les petites motos. C'est pas plus cher, les motos aussi. Aprilia. C'est plus cher. Hein. C'est plus cher, les motos, quelqu'un sait? Bah, ça dépend. Je regarde. Tu sais pas, Tony, c'est plus cher, les motos? Bah, je pense, non. Ça dépend du cas du confort en fait, et la marque. Hein. Ouais, ça dépend en fait. Aprilia RS50, qu'est-ce que c'est? Ça gère, Sylvain. Aprilia, c'est italien? C'est une marque. Ouais, Aprilia, c'est italien. C'est, ouais. C'est les meilleurs, les italiens, pour RS, les RS, c'est les versions sport. Les scouts, non? C'est pas le meilleur? Je sais pas, ouais. Non, je sais pas. Les japonais aussi. Non, c'est les Vespa. Les Vespa, c'est. C'est italien. C'est la référence des scooters. C'est quoi. Italien, ça, ouais. Donc les meilleurs sont les chers. Italiens, d'où ça? L'Italie, kéké. Ah, mais ça dépend ce que tu vas en faire, tu vois. Si tu veux faire des roues, tu sais, genre monter sur les trottoirs et tout, c'est. Italie, kéké. Tu sais, un Vespa, c'est pourri pour ça, tu vois. Un Vespa, c'est. Alors une Derby. Oui. C'est. Bon, c'est un peu moins cher qu'un Vespa. Moi, je préfère un Vespa. Combien, la Derby? C'est 2399. Ah, cher, putain. Ouais, 50 cm3. Bon. Bah, écoute. Bon, après, ça, c'est les prix neufs. Hein, non, mais après, ça dépend. Tu peux acheter deux cases. Hein. Y a plein de si tu veux faire des roues, franchement, un Vespa, ça sert à rien. Tu regarde, 49 qui nous dit 49 en France, faut prendre un scooter, c'est plus facile à lever. Là, voilà, si tu veux faire des petites roues et tout, c'est mieux un scooter. Bon, fais attention. Un scooter, tu lèves en deux secondes. Là, ça sert à rouler sur deux roues. Mais t'as plein de mecs qui prennent des scooters aussi pour. Ouais, non, mais bon, si t'as envie de t'éclater la gueule sur la route, oui, c'est bon. Tu peux t'éclater, mais genre t'es avec tes potes sur un parc. Mais c'est illégal, Cédric. Si tu te fais choper à faire une roue, là, la vente que tu vas te manger dans la rue. C'est interdit de passer en dehors des clous aussi. Oui, non, mais d'accord, mais. C'est ce que tu dis à Belge, quoi. Non, mais d'accord, mais tu vois, je sais pas. T'as des mecs qui font des compétitions, tu vois, avec des bécanes. Oh, tu crosses quand même bien sûr, c'est légalisé. Dans la rue Nantes, c'est carrément. Ouais, il t'a donné des conseils à Ewan pour qu'il se casse la gueule avec son scooter ou sa moto toute neuve. Oui, mais t'as des mecs qui font des compètes, justement. C'est moins casse-gueule une moto, on nous dit, qu'un scooter. Bon, bah écoutez, merci pour les messages que vous avez laissés. Donc, je vous ai donné les marques, je vous ai donné le pourcentage. Et, Ewan, t'en as de la chance d'avoir des parents qui t'offrent un scooter. Ah, c'est un beau cadeau. Pour ton anniversaire, tu as fait des jaloux dans l'équipe. Ah, ouais. Eh, dis-le à tes parents que t'as des auditeurs qui t'écoutent. Eux, ouais, mais moi, eux, franchement, ils offrent des scooters. T'as une moto, je m'en bats les couilles, quoi. Non, mais quelque chose équivalent au prix. Ouais, ouais, qui me donne l'argent, ça ira bien. Qui me fasse un chèque. Dis-leur. Un chèque de 1005, puis ça ira. Dis-leur qu'on a parlé d'Ewan, là. Ouais, ouais, ouais. Bon, voilà pour les motos. Il y a la nocturne de Planète Rap, j'ai pas dit, mais ça arrive. Il va avec Fred, comme tous les vendredis. Fred vient avec sa moto d'ailleurs. Il vient avec sa mobilette, Fred. Eh ouais. Juste le temps de faire tourner la Skyroulette dans un instant, la distribution aussi, la pesée et le loto foot, car Skyrock est premier sur le foot, foot bien sûr. Premier sur le foot, bien sûr. Ouais, c'est plaisir. Alors, c'est le premier loto-foot de l'année, là. Ouais, ouais, ouais. Premier loto-foot de l'année 2011, avec donc toi, Tony, supporter du PSG. Ouais, ouais. Ici, c'est Paris chez Tony dans le 95. Ici, c'est Paris. Mon Paris. Tour que vous venez d'entendre, supporter du PSG. Ah, Tony, aussi. Tu vas aller dans votre super nouveau groupe de supporters des Tigers, je sais pas quoi, il y a 50 membres. C'est pas Tiger, hein. Tiger, les Red Fighters. Les Red Fighters. Ouais, les gars. C'est le groupe de Momo, ça. Qui ça se fait reculer? Momo, c'est abonné aux Red Fighters. Calme-toi. Déjà, ils le font plus. Tu portes des vrais joueurs, pas des gignacs qui marquent un but tous les 50 matchs. Vous êtes 50 et ton groupe de supporters. Tu parles avec nous, nous on est 50 000. Et voilà. Ouais, mais pour
supporter des chèvres, ça sert à rien. Hein. Ok. Laisse-les les chèvres. T'inquiète, tu vas voir. Ça va devenir des chevaux de course dans pas longtemps. Des chevaux de course. Ça va se transformer ce week-end contre Bordeaux. Donc, tu verras. Je disais Tony, si c'est qui supporte Paris, Momo qui supporte le PSG aussi. Samy, c'est l'OM. Ah oui, Cédric, ouais. Bon. Ouais. Ouais, ça dépend des semaines. Marie, pareil. Ouais. Je comprends rien. Ouais, non, moi c'est OM. J'élève mon verre. Voilà, ouais. C'est bien, Marie. Très bien, Marie. À la tienne. Et Romano qui supporte. Il y a ma famille, quoi. Auxerre. Voilà. Moi, c'est Saint-Étienne ici. C'est Saint-Étienne. Ah, Saint-Étienne. C'est quoi ce bruit désagréable? C'est Saint-Étienne. C'est quoi ce bruit désagréable? C'est un rot. Très bien, Romano, je vais te répondre. Quelque chose à rajouter? Oh putain, je peux jouer à votre jeu. Oui, non, Marie, non, ça va aller, je t'en supplie. Bon, allez, on y va pour le loto-foot. C'est parti avec le premier match, le match qui oppose l'équipe de... à Monaco. Ah, c'est Saint-Étienne. Non, c'est Auxerre. C'est Auxerre, hein. Eh oui, Romano. Auxerre, Monaco, pronostic, Tony. Alors moi, je dis victoire d'Auxerre à domicile. Victoire d'Auxerre à domicile, mais tu me déçois, Tony. Bon, alors, ok, c'est noté. Monaco, ils sont nuls, hein. Bah, je sais qu'ils sont nuls, Monaco, ça c'est clair. Ah ouais, mais ils ont un nouvel entraîneur, on sait jamais. Ouais, tu vois, c'est ça. Voilà. Alors, c'est moi, je mets Monaco. Monaco pour ouais. Cédric, hein, c'est ton pronostic. Romano. Bah, Auxerre, évidemment. Auxerre, Auxerre. Ah, pardon, ok. Bon, Marie. Moi, je vais mettre nul, moi. Match nul. Il y aura un déclic psychologique. Ce sera sans doute nul, ce match. Ouais, pas faux, Marie, ouais. Pas faux. 0-0, même, tu peux dire. Samy. Ouais, match nul. Match nul. Il y aura un déclic avec le nouvel entraîneur de Monaco. Momo. Auxerre. T'es nul, Momo. Et moi, je vais mettre Monaco. Allez, Monaco. Vive l'argent sale. Vive le prince Albert. Allez, Auxerre. Il touche au lui, comme toi. Ouais. Il est bien riche, putain. Plus que moi. T'aimerais être plus. Ah ouais, j'aimerais bien être prince de Monaco. Romano, prince de Monaco. Ah ouais, putain, vas-y, ça va. Ça dit quoi, Cédric ? En plus, ils ont plein de sous là-bas. Bon. Alors, on a fait le premier match, c'est bon, c'est géré, on va passer à autre chose sérieuse maintenant. Allez, c'est parti. Brest, Caen. Brest, qui sont pas mauvais les Brestois là. Ouais, pas mal, ouais. Eh oui, hein. Brest contre Caen, ton pronostic, Tony ? Victoire de Brest. Brest pour toi. Moi, je mets match nul. Match nul pour Cédric. Oh putain, c'est pas vrai. Romano. Moi, je vais mettre Brest aussi, tiens. Ouais, Brest. Moi aussi. Tu mets les Bretons, Romano. C'est nouveau en 2011. Ouais, ouais, parce que là, ouais, tiens, je vais. Pour une fois, je vais me soutenir. Brest pour la Marie. Samy. Moi, je mets Caen, moi, la surprise. Ah ouais. Ouais. Parce que moi, je pense que Brest, ils ont fait une bonne première partie de saison. Mmh. Pendant les vacances, ils sont restés sur leur acquis. Ils sont pas loin de l'OM ou ils sont devant? Ils sont pas loin. Ouais. Je crois qu'ils ont le même nombre de points. Ah ouais. C'est pour ça que tu veux qu'ils perdent. Non, mais tu vois, ils étaient un peu hautains, je trouve, les Brestois. Et donc là, ils vont se faire calmer par Caen. Hautains comme ma ville. Voilà. Mmh. Non, oui, bon, là. Merci. Je pense que Brest, ils sont trop sur deux. Et Momo? Je veux Brest. Brest et moi aussi, les Brestois. Pas. Allez, Brest. On enchaîne avec le gros match de cette journée footballistique, de ce week-end footballistique. Lens Saint-Étienne. Ben alors, c'est un gros match. Lens Saint-Étienne, Tony. Victoire de Saint-Étienne. Victoire de Saint-Étienne, allez les verser bien, Tony, tu t'améliores. Saint-Étienne. Cédric, tu mets Saint-Étienne. Qu'est-ce que j'ai entendu, Romano? Je sais pas, quand quelqu'un dit le nom de ta ville. Saint-Étienne? Ça va pas, là, tu sors le flashball. Oui, je tire avec un flashball. Aïe, aïe. Bon, on enchaîne avec ton pronostic, Romano. Moi, je vais mettre Lens. Tu mets Lens. Ah, tu mets pas Saint-Étienne? Non, moi, je vais mettre une. Aïe. Match nul, Marie. Ouais. Bon. Samy. Moi je mets match nul aussi. Ah, pareil, bah, ouais. Mais vous êtes une bande de baltringues à part Tony. Des points. Moi je. T'as mis quoi Cédric? Moi j'ai mis Saint-Étienne. Ah, et Cédric. Oui aussi. Moi je mets Saint-Étienne, allez les verts, allez la SS. Faites-nous une belle. Aïe. Une belle deuxième partie de saison. Aïe. Mon pronostic Saint-Étienne c'est fait. Oui. Lyon, Lorient. Moi je mets Lyon. Attends, mais Marie, t'appelles pas Tony. Ah ouais. Tu n'appelles pas Tony. Moi, Tony. Non, tu t'appelles Marie. Marise. Marie, le cul. Marie, non, si Marie, tout court. Donc tu mets Lyon, Tony. Ouais, ouais. C'est noté. Cédric. Moi, je mets Lyon aussi. Lyon aussi pour Cédric. Moi aussi, les Lyonnais. Ah, tu as été couvert par la chanson de Cédric. Les Lyonnais. Les Lyonnais, Marie. Bah, Lyon. Lyon, c'est de Samy. Ouais, Lyon aussi, malheureusement. Momo. Match nul. Match nul. Moi, je mets Lyon aussi face à Lorient. Montpellier, Valenciennes, Tony. C'était le premier sur le foot, bien sûr. Montpellier-Valenciennes, t'as dit?
Match nul. Match nul. Cédric. Ouais, ouais moi je mets Montpellier. Merci hey. Cédric. Romano. Valenciennes. Marie. Je vais mettre Montpellier. Ah, Montpellier, son meilleur. Oh, Samy Montpellier. Ouais, Momo. Valenciennes, je vais mettre. Et ben moi, je mets Montpellier. Ben oui. Voilà pour mon pronostic footballistique. Bien sûr. Notez bien, hein, je vous dirai, je l'ai dit, t'as prendre un papier et un crayon. Nice. C'est ceux-là, les gagnants. Lille. Ah, les Lillois qui sont leaders du championnat contre les Niçois. Qu'est-ce que tu mets, Tony? Victoire de Lille. Ah, à l'extérieur, tu penses à Lille, toi? Ouais, ouais, avec Moussato, il est chaud en ce moment, il va marquer encore. Eh ben, c'est noté. Donc, Lille pour toi. Cédric. Moi, je mets Lille aussi. Lille pour Cédric. Tout en énorme. T'en as pas marre. Moi, je mets Lille aussi. Pas marre de quoi? Moi, je vais de chanter, encore, là, comme ça, là. Lille, match nul pour Marie. Ouais, Lille les pour Lillois, Mano. Malheureusement. Les Lillois pour Samy. Ah oui. Ouais, ils font peur, hein. Non, mais ils sont pas mal, ils jouent bien, hein, franchement. Ce matin, je sais pas si vous avez écouté le morning, mais on en parlait, il y a les joueurs de Ligue 1 qui ont voté. Ils ont voté Lille, ouais. Ils ont voté Lille pour champion. En fait, on leur demandait qui va être champion, ils ont répondu Lille. C'est 100 joueurs de Ligue 1 qui ont voté. Ouais, Lille. Ouais, Lille devant. Et largement, ouais. Bon, Lille pour Samy. Momo. Match nul, moi c'est Lille aussi. Alors, ton match Tony et le tien Momo aussi. PSG. Allez, il n'y a pas de son quand tu dis PSG, je m'attendais à. Non. PSG. Ah, ouais, Marseille, ça inspire ton équipe. PSG Sochaux. Paris bien sûr. Alors Paris bien sûr, Tony. Cédric. Ouais, moi aussi je mets Paris, allez. Ah, Paris. Romano. C'est qui contre Paris? Sochaux. Allez mettre Sochaux. Ouais, mais oui. Allez Sochaux mon gars. Match nul moi. Sochaux pour Samy, j'imagine. Sochaux, ouais, j'ai toujours été Sochalien. Bon, et Momo PSG, j'imagine. Momo, son club de supporters. C'est noté, moi je vais mettre. Allez. Non. Je vais mettre. Ne bascule pas du coup. Je vais mettre pas dans le PSG. Ah, merci Difool. Ouais, c'est ça Difool. Tous ceux qui ont noté les pronostics de Difool, vous pouvez jeter votre fiche. C'est bon, vous ne gagnerez pas. Tu verras, Samy. Jusqu'à présent, ça allait, tu vois, mais là. C'est des pronostics pour la gagne que je fais, moi. Ouais, ouais. On enchaîne avec Rennes Arles-Avignon. Allez. Les Rennais ou Arles-Avignon pour toi, Tony. Qui met Arles-Avignon, pour faire plus simple? Non. Voilà, personne. Moi, je mets Rennes, moi. Et ben, bon courage. Qui met match nul? Personne non plus. Qui met Rennes? Ouais. Donc, ouais, bon ben Rennes pour tout le monde, pour toi aussi Tony. Allez. Ouais. Bon voilà, désolé Arles-Avignon mais bon. Hein. On fait Toulouse Nancy, le TFC contre Nancy. Tiens, je vous donnerai les résultats du rugby aussi, on me demande. Ah oui. Oui. Alors, moi je peux vous les donner tout de suite. Résultats du rugby, Clermont Foot, l'ASM. C'est l'ASM qui a gagné 28 à 17 contre le Racing Métro 92. C'est ça. Voilà. Bon, pas mal. Alors on vient au foot, on a dit Toulouse, Nancy, Tony t'as dit. Moi je mettrais à Toulouse. Ah t'as pas dit, donc c'est Toulouse. Ouais, moi aussi je mets les Toulousains. Toulouse pour Cédric. Ouais ouais. Romano. Ouais je mets Nancy. Nancy. Marie. Je vais foutre un match nul moi. Match nul. Encore. Samy. Putain, je vais mettre match nul. Putain, j'ai pas mis un match nul moi, tiens, depuis le début. Bah là, match nul, tu vois. Ah ouais, tu crois que je vais mettre là sans match nul. Je vais peut-être le mettre sur l'OM. À Toulouse, à domicile, c'est tout le temps des 0-0. Ouais. Non, l'OM, nous on gagne, t'es fou. Bon, bah voilà, on gagne. Ah oui, on gagne. Bon, moi je vais mettre Toulouse. Allez. Allez. Voilà. Et le dernier match, c'est. Eh ben, c'est fini. Ah, il reste l'OM. Non, bah, tout le monde a fait le pronostic sur Toulouse. Ah bah oui. Ouais. Allez, OM, Bordeaux. Ah, génial. Génial, l'OM. Ah mais ça c'est OM. Gros match. Attendez. Qui ne met pas l'OM? On va commencer. Peut-être moi je réfléchis. Alors Tony, supporter du PSG, OM ou Bordeaux? Alors, Marseille équipe de merde, ils savent pas jouer. Régale-toi. Match nul pour toi. Ah l'équipe de merde ne sait pas jouer, mais quand même tu mets pas Bordeaux, tu vois. Ah voilà. Ah voilà. En fait, tu te coques dessus en fait. Voilà. Et voilà. Alors match nul pour toi. T'as perdu un point déjà. Cédric, tu mets quoi? Ouais, moi je mets Marseille. Mais Marseille oui, pour Cédric. Valeur sûre. C'est un point cadeau déjà. Excuse-moi Cédric. Merci, Romano. C'est Marseille. Bah oui, c'est Marseille l'OM. C'est impossible qu'on perde. Ah moi je mets Bordeaux. Tu savais pas. Moi je te dis je mets Bordeaux. Mais arrête, mais putain, mais tu portes la. Non mais je crois que vous avez la loose. Non mais non. Non, Gignac, il a parlé avant-hier. Il a dit bon, il m'a fallu 6 mois pour m'acclimater. Oui. Voilà, j'ai pas encore marqué. Ce week-end, il a marqué un but. Ouais, un but à Saint-Etienne. Ah ouais. T'as, il est rentable. Lui. Ouais, rien, lui. 18 millions le but. Bon, ça va. Et là, ce week-end, il marque. T'inquiète. Bon, on verra. Marie, tu mets quoi? Moi, l'OM. L'OM. Momo, l'OM. Non, match nul. Ah bon? Match nul.
vous aussi pareil, tu vois. Bon, Samy l'OM, évidemment. Petit à petit, ça, tout ça, ça se rapproche de Marseille, hein, quand même. Clair, hein. Là, t'es vers Aix-en-Provence. Et toi, tu es à Marseille. J'hésite entre match nul et OM. Ouais, mais l'OM. Je mettrais bien match nul, parce que je pense qu'il va être nul, le match. Mais non, perdu Bordeaux, ils veulent acheter des joueurs, ils ont pas de sous, ils ont pas de joueurs. Bon, j'hésite. Ouais, on doit gagner. J'hésite. Oui, ben, amène-toi. Après, c'est vrai qu'il y a souvent 0-0 Marseille-Bordeaux. Ouais, l'année dernière, il y a eu 0-0, par exemple. Très bien, match nul, tiens. Allez. Mais bon. Je mettrais bien un petit match nul. Allez, match nul, c'est jeté. Comme tu es fort, Difool. Tu trouves. Ah, ben, c'est clair. Voilà pour les pronostics. On a tous fait nos pronostics. Vous pouvez les faire sur le blog difool.skyrock.com, pronostic du lotofoot. C'est fait. Merci, Tony. Content de ton lotofoot. Ouais, bah ça va, je pense qu'on va gagner. Bah écoute, on verra ça, tu parles de tous les deux. De Paris ou de toi, l'autofoot? Ouais, de Paris et de mon autofoot. Ouais, les deux alors. Bah on verra lundi. Donc lundi, on compte sur toi. On te retrouve lundi soir dans l'émission pour regarder ça un peu ensemble, hein, les résultats du l'autofoot. Et vos résultats à vous qui aurez fait ça sur le blog là. Ouais. Et du coup, je fais une dédicace. Et faire un petit point sur la journée, le week-end footballistique. Vas-y, Tony, petite dédicace. Alors, dédicace pour toute la BTS 1 du FM Montrostand. Salut Edmond Rostand. Pour Boubou. C'est Boubou. Ouais, Boubou. Pour Laurie et Cindy qui sont à Rouen. Bonjour les filles, et dans le 42. Voilà, Carole, Jérémy, Jérôme, Sosobé, Fessalère et mon pote Dédé Dance qui écoute la radio en ce moment. Eh ben, tu fais un big up à Dédé Dance et à Fessalère. Fessalère, c'est pas mal. Ah ouais. Salut à toi en tout cas, Tony, merci. Hein. Salut, merci. Salut, Tony. Ciao. Allez, on y va pour la pesée. Tiens, vous pouvez vous inscrire pour la Skyroulette si vous voulez faire tourner les derniers allers-retours soleil à gagner, les dernières places pour le concert. De Drake, le 21 Drake, janvier au Zénith de Paris. Ouais. À choper, vous vous inscrivez sur le 41-759, vous laissez vos numéros et on en tire un ou une au sort en direct dans un instant. Mais c'est l'heure de la pesée. C'est l'heure de la pesée, mais oui, bien sûr. Bien sûr, oui. Alors, t'as une semaine difficile, je peux même parler au pluriel, pour Cédric et Romano, qui ont bien pris cette semaine. Chier. J'avais bien perdu, tu vois, mais après, j'ai repris. Mais parle dans le micro. Mais t'arrêtes de couper au micro tout le temps aussi. Mais là, on marche, Cédric. Ouais, super. Ouais, c'est là. Oui. Alors, 84,5, c'est pour toi, Cédric, et 61,2, c'est pour toi, Romano. Oui. Alors. Elle m'énerve. Qu'est-ce qu'il fait pour t'énerver? Je me fous de sa gueule. Il me fait des gros yeux. Ouais, je tire mes yeux en haut et en bas. Ouais. Ah, tu as un problème au menton. Ouais, je l'ai carré. C'est vrai qu'il a un menton de sorcière ce soir. Tombé, j'ai un star qui a poussé ma gueule. Il est le verru sur le menton. Ah, t'as là, il était blanc, je l'ai éclaté dans l'ascenseur. Comme les vieilles, vous savez qu'il y a des vieilles. Ouais, les sorcières dans les dessins animés et c'est tout. Ça. Hein. Il a une verrue. Bien moche là. Mais c'est pas une verrue, c'est un bouton, connard. Et il est bien moche, t'as des vieilles. Ah, il est moche, qu'est-ce que des vilains, ça, alors? Bon, alors, qu'est-ce que je disais? Ah oui, il faut maigrir. Bon, on va voir si vous terminez bien la semaine. Hier, t'avais pris 1,3 kg, Cédric. J'espère que tu vas perdre un peu quand même. Ouais. Eh oui, qu'est-ce que t'as mangé de mauvais? Alors, j'ai mangé de la soupe. Tu t'es fait manger tout seul? Ouais. Ah. Non, mais c'est une soupe déjà faite, c'est en toxique. Brique, là, tout. Hop, tu mets au micro-ondes. J'ai mangé une brique. De la soupe. Dans la gueule. De la soupe. Une escalope de poulet. Avec de la crème. Avec un peu de crème, ouais. Voilà. Ah, tu peux pas, t'as besoin d'avoir du jus dans la gueule. Non, mais il y a de la crème à l'échelle. Tu vas te calmer, toi.